Bonjour les humains, comment allez-vous J'espère que vous allez bien, que vous, vous, vous n'êtes pas trop fatigué de votre semaine de travail, que vous avez prévu des activités ludiques et joyeuses pour le week-end à venir. Hum. Euh, je me découvre avec cette lumière qui est peut-être, peut-être un peu Je suis un peu rougeoyant quand même là. Je suis un peu rouge. On va essayer d'arranger ça, une température de couleur qui n'est pas sous euh... enforcée hein On va descendre un peu en température de couleur. Ah non, oh, pardon, c'est encore plus rouge. Voilà, voilà. Allez, on va changer un peu. 4300. Ouais, vous en pensez Voilà, j'étais à peu près naturel là. Hein ça devrait aller. Vous en pensez Oui je suis. Comme, dit, euh, que, que, comme disait Raoul Petit, ah je suis extrêmement beau, 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 beau. Ah là là. Bien. Alors, vous êtes vous êtes une bande, vous êtes une bande de tarés. Voilà. Alors carrément Monsieur Anton, lui il était là avant que le Wisebot annonce que le live commence. Il était déjà dans le chat avant le Wisebot, c'est quand même assez énorme. Et les deux autres lui coller au train mais vraiment mais on parle de seconde hein. je, je, je sais pas exactement comment regarder l'heure à laquelle euh... voilà nous avons un abonné de un mois il s'appelle collide voilà merci beaucoup bah, qui est numéro 2 donc médaille d'argent et médaille de bronze nous avons salopette noire bonsoir madame et squal et leur le, tenant la corde de très très près hein. vraiment c'est euh, voilà et puis dark side 74 nous avons euh, un, un, un sex là de. Un sex-tête de, de furieux. Voilà. Euh... Euh, et puis nous avons Obi-Wan euh, qui dit ami du jour, bonjour, ami du soir, bonsoir, ami à à Miami, c'est parti <laughs> voilà. Je suppose qu'il est à Miami. Ami. a beaucoup de français à Miami. C'est vrai que la vie est très agréable. Je Je, je sais pas. Je, je... Une fois que j'ai foutu les pieds aux états unis et compte tenu de ce que je sais de la façon dont la vie se passe là-bas, c'est vraiment un pays qui ne me fait plus rêver du tout, du tout, du tout. Voilà. Vous saurez, vous saurez tout sur, sur mes, 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 mes vieilles idées. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a, a Lothar qui est là aussi. Euh, donc oui le, le oui 74 Simon Euh vite. Euh, Jacques-Louis, salut. Euh, Jean-Robin. Ah <laughs> Le Jeannot. Le de Tahiti. On couvre la planète entière. Miami, Tahiti. Manque quoi New Delhi. Voilà. Ça aurait été bien, ça. Euh, Miami. Attends, euh, Miami, Tahiti. Euh, Notre-Dame de Nîmes délivant de, 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 de... Voilà, c'est euh, terrible. Ah, il faut que je range mon... Je range mon, mon, mon téléphone parce qu'avec les, les ondes téléphoniques, ondes téléphoniques peux peut coûter dans, dans les enceintes. d'ailleurs le plus simple, que je vais éteindre les enceintes. Ah, merde Hé <laughs> J'avais oublié que j'étais sur la même brise. Bon. <laughs> Voilà, et puis on a le Canada aussi, donc vraiment on fait, on fait le tour de la planète puisque nous avons adieu fastidieux, bonsoir la belle province. Enfin, bonjour pour toi parce que comme on a 6 heures de, de différence, le gars est là à 11h du matin. Franchement. Je suis patâté. Je suis Je suis même pas épaté, je suis pas <laughs> C'est absolument extraordinaire. Euh, nous avons SKF, le conciliateur. Euh, qui d'autre encore La zik est un peu forte. Ah bah euh, oui, euh, normalement c'est... Euh, oui, oui, la zik est un peu forte. Oui, c'est vrai. Pardon, c'est vrai, j'oubliais ce détail. <laughs> hum, okay, 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 Qu'est-ce qu'il y a Hansbert, tiens, bonjour. Ça va Captain MJN, -M -M que je ne connais pas. Enfin, je ne me souviens pas de votre nom. Voilà. Maintenant, c'est vrai que hey, vous commencez à être un peu nombreux, on est presque à 1000 abonnés. Je, je, voilà. <laughs> Alors, on, on est à 1000 abonnés, mais euh, honnêtement, les copains, c'est vraiment pas pour. Euh, pour J'ai vraiment besoin de votre aide, là, euh, de, un peu financièrement parlant. <laughs> je, je, je vais faire comme euh, <laughs> Je ne suis, je, je suis pas dans une situation aussi emmerdante que celle de Zio, hein, Zio Cloche. Je ne suis pas prêt de me faire foutre de chez moi, vu que je suis chez moi. Mais, euh, mais j'ai vraiment besoin d'acheter un peu de matos, des chose comme ça, par exemple, ne serait-ce qu'un fauteuil, parce que là, euh, je, je voulais éviter cette espèce de fauteuil qu'on voit chez, chez, tous les, chez, chez tous les streamers, etc. Mais il paraît vraiment que c'est super bien pour euh, le dos. Voilà, c est, c est, ce serait mieux que je suis. Un hein, peu redresser parce que j'arrive à un âge où bah, quand on a une mauvaise posture on se, on se fait mal on se fait mal au dos et donc euh, voilà donc euh, si s'il si, y en a qui, euh, qui qui peuvent se permettre de de, de, de même même des trucs enfin euh, des tout petits hein, moi je ne je, je regarde pas à la somme mais si vous pouviez être quelques uns à, à pousser un peu le truc ce, ce serait vraiment sympa ce serait vraiment sympa euh, même si euh, le paradoxe veut que euh, c'est assez extraordinaire, mais je reçois plus par les dons Tipeee, etc., que par YouTube. Donc vous êtes déjà extrêmement généreux avec moi et je vous en remercie. Et je ne gagne plus d'argent avec les dons qu'avec la chaîne. Voilà. C'est assez paradoxal. Hum, qui, euh, qui 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 on a tous eh hey, on a Bruno salut qui est arrivé je ne l'avais pas vu. Mmm hum, papa 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 <laughs> qui dit encore médaille d'argent OK je reste dans le live toute la semaine. <laughs> je vois que ça. <laughs> Euh, 17h30, il y a eu Collide, Salopette noir Al Squal, Erendil, Darkside et Obi Wan. Moi, j'étais à 17h30. Était, et euh, Monsieur Anton était là à 17h22. Ouais, pas de test en fait. Euh, pou, 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 Obi Wan qui dit non, je suis en France. C'était pour le jeu de mots et la rime. Rien que la rime. Voilà. Alors, ça ne... Bon, heureusement qu'on a à la belle province pour euh, pour taper. Euh... <coughs> Heureusement, on est à Montréal. Je ne sais, sais pas si adieu, fastidieux. T'es à Montréal Si tu connais bien le Madrid, c'est que tu dois être à Montréal. Comme ça, à vue de pif. Hum. Euh, alors, Jean, monsieur Anton me dit que Jean Robin est disponible pour revenir parler du libre arbitre. Il attend sur Discord. As-tu une idée du temps d'attente que je lui dise euh, ouais, franchement, une bonne heure. Un hein, genre. Euh, voilà, parce que le, le temps que je lance le truc, euh, 43, pas avant euh, pas avant euh, 18h30. Franchement. Parce qu'il y, 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 y a des trucs dont je veux, que je veux évoquer. Et, euh, et puis, éventuellement, voir s'il y a d'autres intervenants. comme. C'est très sympa, hein, nos discussions, genre. Il n'y a, a aucun problème là-dessus. Mais disons que si, si euh, la, la diversité n'est pas une mauvaise en tout cas, <laughs> sur cette chaîne, <laughs> pour les intervenants, pour les gens qui interviennent, <laughs> la diversité n'est pas du tout une mauvaise chose. <laughs> tu <vous voyez> <laughs> euh, donc, euh, je serais ravi de, de, de rediscuter euh, avec toi, mais euh, je, vais, euh, je vais juste voir si éventuellement il y a <laughs> d'autres candidats à la prise de parole. Avant. Ah bon. Mais non, Samuel, mais tout va bien. Samuel Vimer qui dit hey, bonjour et merde, j'ai raté le début. Mais non, mais tout va bien. Il hum. y a la musique en fond. Euh... Hop, 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 hop. Les animaux de compagnie dans les bus, c'est pas génial. D'accord. Moi bon, je connais, bon, je comprends pas. Euh... Alfie 4 salut. Euh... <laughs> Collide. Qu'est-ce que c'est que ces capots? <laughs> hop, hop, hop. Allez, 10 pompes, Samuel. <laughs> Samuel qui dit, je ne peux pas, j'ai piscine. <laughs> voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, euh, c'est une pompe par minute de retard euh, par rapport au début du, du stream. Voilà. Donc tous ceux qui arrivent une demi-heure après, c'est 30, 30 pompes. 45 minutes, bah, 45 pompes, euh, voilà. Et, euh, comme l'émission commence à 17h30 et peut finir aux alentours de 21h, bah, les gens qui arrivent en milieu de sont des gens en forme. <laughs> Alors, on peut fractionner, hein. on, peut, on peut fractionner par paquet de 10. Et on peut euh, échanger euh, les, les, les pompes avec des minutes de, les minutes de planche de, de gainage. Hein. Bon, on demandera à Gaïs. Euh, adieu, fastidieux, très gentiment, qui me dit Tu peux faire une list sur Amazon avec des trucs que tu veux comme matos. C'est une super bonne idée, je, je, je vais faire ça, c'est très gentil. Mm. Euh, Samuel qui dit c'est normal, YouTube est très pingre. Euh, Samuel qui dit je suis deg, j'avais ouvert la page Twitch vais 17h10 et c'est pas mis à jour quand le stream s'est lancé. Trahi par la technique. Ça arrive, ça arrive, c'est pas grave. Mmh et à dieu qui nous dit je suis à 6 heures de route de montréal vers l'est <laughs> Waouh. <laughs> il doit pas faire chaud <laughs> c'est quoique je ne sais pas mais euh, non non en fait oui si c'est comme, euh, si comme si c'est comme si c'est comme new york et puis ça doit être près de l'embouchure du saint-laurent dont l'eau doit être absolument glacée non Euh, après plusieurs mois je devrais enfin être riche le mois prochain, le mois prochain. ce mois-ci cela ne sera pas possible mais non mais vraiment mais que personne se sente, euh, se, se sente coupable de quoi que ce soit s'il si, si ne peut pas m'aider ou tout ça c'est déjà formidable que vous soyez là c'est parce que le simple fait de votre présence euh, me rapporte un peu de sous hein, avec, euh, avec Twitch hein, déjà on est sur à peu près du 50 balles par mois hein, je ne vous cache pas les choses euh, voilà parce que je ne suis pas une grosse chaîne mais euh, oui, oui, votre présence est, est déjà euh, est déjà quelque chose de formidable. Hein, donc euh, voilà, ne vous sentez absolument pas euh, coupable de quoi que ce soit. Ah, petite annonce. Mercredi qui vient, là, j'ai fait un debunk d'une vidéo de Paul Adrien. Euh, je pensais faire vite. Sa vidéo à lui fait 8 minutes et des patates. Enfin, 9 minutes à peu près. La mienne fait, euh, en fait 55. Je vous jure que j'ai essayé de faire... Euh, faire... Je... En plus, je l'ai enregistré directement sur OBS. Euh, voilà, hein, vous, connaissez le... vous connaissez le format maintenant. <laughs> Donc, vraiment, il y a très peu de, de montage. Il n'y a aucune écriture pratiquement. C'est pas... de la réaction euh, live. Euh, voilà. Donc, mercredi prochain, euh, une, heure de... une heure de miracle de Fatima. <rire> voilà. <rire> euh... Et Anton qui a 8 minutes d'avance, il fait des tractions. Non, je préfère, je préfère qu'il nous fasse des, des crunchs ou des euh, ou des minutes de euh, des minutes de, de, de gainage. C'est bien ça. Euh... Calno, salut. Euh... Pop, 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 pop. Donc ça triche, ça s'accuse de tricher, de voler le départ. Voilà, il y a une compète pour être le premier ici. Vous êtes des fous, vous êtes des malades, comme dit Eric Antoine. Vous êtes des malades. Voilà, c'est très bon. Euh... Oh, Lothar qui m'a mis, qui, qui m'a mis trois mois d'abonnement, c'est adorable. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça, c'est génial. Euh, euh, Obi-Wan qui dit 55 minutes pour en débunker 8 c'est ça la loi de Bandolini oui, c'est à dire que alors, comme, comme beaucoup de de de, de prosélytes religieux comment dirais-je Paul Adrien a cette capacité à synthétiser en quelques phrases un monceau de conneries qui demande chacune d'elles d'être... Ah, il y a un train de la hype. j'ai jamais compris ce que c'était qu'un train de la hype. Mais il y a un train de la hype niveau 1. On est à 75% du train de la hype. Je, je ne sais pas ce que c'est. Alors, j'ai déjà entendu parler. ça. Je crois que c'est... Euh, euh, ça lance un truc et puis il faut, euh, faut faire des abonnements, c'est ça Je ne sais pas. Donc, bon, il y a un train de la hype. Il reste 4 minutes, euh, 4 minutes pour... Euh, pour arriver au 100% du train de la hype niveau 1. Je <laughs> suis vraiment un newbie. Je <laughs> suis vraiment un noob. <laughs> aïe, aïe, aïe. <laughs> Samuel qui dit, c'est pas de la triche, c'est de l'anticipation. Ben oui. Moi aussi, j'aime beaucoup euh, la science-fiction. Bon, voilà, bon, tant pis. <laughs> Comment t'as pu arriver à une heure de vidéo... Mais c'est-à-dire qu'il dit tellement de bêtises. Il y a tellement d'affirmations, il y a tellement de de manipulation, que je, je, enfin, je dire, sur une même phrase, je peux passer 5 minutes, parce que euh, lui, ça lui prend 10 secondes pour dire 5 ou 6 bêtises d'affilée, et, euh, et je suis obligé de préciser un certain nombre de choses, quoi, euh, surtout pour les gens qui connaissent pas. Qu'est-ce que c'est qu'une apparition mariale Quels sont les critères pour que une apparition mariale soit reconnue par l'Église, etc., etc. Quand tu connais pas tout ça, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, Enfin, je, alors l'enregistrement m'a pas pris énormément de temps, le, le montage non plus. Mais par contre la recherche pour essayer, chaque fois que je me disais c'est bizarre ce qu'elle raconte, je vérifiais. Je, voilà, je me retrouvais avec trois, quatre pages de Wikipédia avec, euh, avec de quoi euh, de quoi lire quoi. Voilà. Ah un truc si vous avez, n'hésitez pas à installer si vous avez Chrome, n'hésitez pas à hésiter un truc qui à, à installer un truc hyper pratique qui s'appelle le WikiWand, hein, euh, la baguette magique Wiki. C'est génial, ça évite de, de fin, ça met toutes les pages en rapport à eux, les unes avec les autres. C'est, super. je, n'ai je, pas très bien compris, mais en tout cas, ça m'a vachement facilité les choses. Je vous le dis. Et, euh, ne serait-ce que pour la, 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 gueule des articles d'ailleurs, en plus, parce qu'on on peut, changer le, on peut changer euh, là. Le... <laughs> la... ben, vous le verrez dans la vidéo. On peut changer un petit peu. Euh l'environnement, et, et c'est vachement bien. Niveau 2, train de la hype. Putain, ça y est, on a atteint le niveau 1. On a fait les 100%. Merci, vous êtes adorable. Merci, Bruno. Euh, en plus, il, il offre un abonnement. Euh, j Merci, vraiment. C'est super gentil. Euh, alors, je ne sais pas si... Je euh, je sais pas si Gabriel a eu le temps de les traiter, mais j'ai filmé des trucs sur fond vert pour vous remercier justement. Normalement il y a des je, normalement je dois y avoir des trucs qui s'agitent euh, bonjour machin voilà euh... Voilà C'est bizarre parce que j'ai pas vu euh, les trucs j'ai pas vu les trucs arriver alors peut-être que ça se passe parce que je suis pas en train de regarder mon écran, je suis en train de regarder le voilà bon, bref En tout cas Bruno merci beaucoup euh... Mais qui dit je suis en train de me refaire Battlestar Galactica. J'ai jamais, euh, jamais accroché Battlestar Galactica. Putain, on est à 20% de la de train de la hype niveau 2. Est-ce que, est que je vais battre Zio Clo Est-ce que, est que je vais faire mieux que Zio sur la... <laughs> Ça serait énorme. Oh là là, mais vous êtes adorable. C'est génial. Euh... Quelqu'un n'a pas le moyen de s'abonner et en veut un, j'offre. Merci Samuel. Merci Samuel. Putain mais bon j'ai l'air de déconner comme ça mais vous vous rendez pas compte à quel point ça me touche. Sérieux quoi. Ce... Franchement, vraiment, c'est adorable. Vous êtes formidable, vraiment. Je fais le con comme ça, mais euh... franchement, c'est... Franchement, c'est super touchant, quoi. Bon. Euh, pff, bref. Voilà, pardon. Ben, à propos d'émotion, je ne sais pas si vous connaissez ou… Euh... Mmh. Euh, alors je sais pas pourquoi c'est ça le pet noir qu'il a eu. Bon, bah, peut-être que bah, je je sais pas. Je, honnêtement, je sais pas du tout comment ça marche. Donc je, je vraiment je peux pas vous je peux pas vous dire. Là je, je, je peux pas vous aider là-dessus. Vous en savez forcément plus, plus que moi. Euh, Ouais, elle, Squall. Oui, oui, non, mais je. Bon, j'ai un certain talent de comédien, mais là, je pouvais pas. Euh... Vous êtes con. <laughs> vous faites chier. Euh... Voilà, bon, 40% de train de live. Pas... Bon, non, vous êtes des dingues. Ok, bon. Euh... Faut que j'enchaîne. Je, je, je suppose qu'il qu faudra que je, 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 je m'habitue, que je prenne les choses de. de... Non, 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 mais je n'ai pas du tout. Ça pourrait reprocher le je Putain. 60%. Hum. Merci, Kalnos. Merci. Euh. Hum. Euh, bah parce que euh, bah, je sais je sais pas exactement comme le euh, bah, j'ai l'impression que bon il y, y a une nouvelle émoticône euh... <laughs> je comprends rien <laughs> Quand... <laughs> voilà c'est ça on reçoit une émoticône euh, bah, pour récompenser de, voilà, quand, on a, quand on a fait le train de la hype bon, moi je peux le dire parce que je, je suis le récipiendaire et puis euh, tous ceux qui ont donné voilà, sur, pendant un train de la hype euh, voilà euh, envoyer un cadeau pour passer numéro 3 euh, enfin, voilà bon bref je... merci merci les gens merci, merci les humains c'est euh... C'est vraiment super. Donc, bon. Euh... bon J'ai un coup de chaud, moi. C est, c est, c est... Je vais finir mon café, puis je vais aller me faire ma boisson. En fait, je, vous <coughs> en fait, je voulais vous parler d'un un, un autre truc un peu, un peu émotionnel aussi pour moi. Hop, oh, pardon. Hop, oh, c'est striptease en direct. Calmez-vous. Je n'irai pas plus loin. Il ne fait pas assez chaud. On verra cet été. Train de live niveau 5. Je ne sais pas ce que je suis en train d'enlever, mais... Euh... Hum. Ah. Alors, euh... hum. adieu fastidieux, notre ami du Canada, notre ami québécois me dit, minute climato-touristique, je suis à Rimouski, Rimouski, Oh, autant dire qu'elle était dans la toundra russe, quoi. Je ne prétends pas être au Canada. <rire> Rimouski. <rire> et Pingus qui offre un abonnement. Je, vous êtes vraiment... Vous êtes adorables tous. Euh, le fleuve ne gèle pas par ici. Il est trop large. On voit à peine l'autre côté par temps clair. Mais oui, c'est froid et humide l'hiver. Tempéré et humide l'été. Mais sans l'alternance froid-tempéré au début du printemps. Pas de sirop d'érable. Ok, donc on a... Euh... Ah. Captain Ishido pour plus il y a le OnlyFans. Ouais, mais bon, ceci. Si, si je dois faire du OnlyFans ou truc comme ça, je préfère faire ça en couple. Histoire d'y aller vraiment, quoi. Euh, News sub, chocolatine. Euh, voilà. Euh, pop, pop, vous savez vous savez quoi faire si vous voulez voir le beau barbu baron avec moins d'épaisseur, voilà, c'est ça. Vous l'aurez voulu. <laughs> ah. Aldrine Mille, bonsoir. Je, je, Peut-être que vous êtes. Est-ce que vous avez déjà. Euh, Est-ce que vous. Des... Est-ce que vous êtes déjà intervenu sur le chat? Je ne sais plus. Mais bon, je vais répondre à votre question. Désolé, je ne connais pas encore bien ton contenu, mais je voulais savoir si tu avais traité le sujet de l'agnosticisme dans une de tes vidéos. Alors non. J'avais écrit un papier euh, à l'époque euh, sur, euh, sur Facebook. Ou où en fait, je, je, en réponse à un article qui était sorti, qui, qui, qui méprisait les athées, enfin, qui expliquait que les athées étaient des connards, et, euh, et, et, et l'auteur se targuait d'être un agnostique, donc d'être plus intelligent, voilà. Et. Euh... <laughs> B1 qui dit Aldrin 1000, c'est le surnom pour le buzz. Elle est très bonne! ah sorcière n'est pas là sorcière n'est pas là. ça se sent c'est la première bonne blague du chat euh, on n'a pas euh, on n'a pas collide et on n'a pas sorcière j'espère qu'ils vont arriver un peu plus tard en général ils sont assez extraordinaires hum, hum. 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 Et donc, euh, donc Aldrin, euh, oui, j'avais euh, écrit un papier qui répondait et qui effectivement traitait un petit peu les, les agnostiques de jaune en expliquant que. Euh, un utilisateur anonyme a offert un abonnement de niveau 1 à LoACNA et un utilisateur anonyme a offert un niveau à Azimin67. Vous êtes formidables, les gens. Vraiment, c'est. Euh... Voilà. Y'a Eldrin qui dit à Obi-Wan Mec, t'es le premier à me la faire, giga bien vu. <laughs> très, très bien vu. Elle est très, très bonne. Mmh. Mmh. Euh, voilà. Um... Euh, azinine qui dit remercie pour l'abonnement à celui ou celle qui me l'a offerte euh, et Calnose dit à propos de sorcière elle cherche son balai <laughs> vague sur la chaîne du baron oui c'est euh, vous êtes vous êtes formidable merci beaucoup oui alors j'étais parti pour vous expliquer alors euh, avant que évidemment le public réclame de voir euh, ma... ma... Mais euh, des, 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 des surfaces plus importantes de, de, de ma magnifique peau de bébé euh, en, des, en des endroits que l'honnêteté et l'indécence m'interdisent de préciser davantage <coughs> j'allais vous parler euh, petite séquence émotion voilà je, 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 vous, bon, un certain nombre d'entre vous doit le savoir je, je suis musicien au départ hein. j'ai quand même une formation de bassiste de jazz voilà, bon même si j'étais un mauvais élève hein, comme d'habitude, mais a priori j'ai commencé à jouer du jazz et du jazz rock euh, voilà en tant que bassiste C'était quand même euh, voilà et, et un des grands groupes que j'ai étudié travaillé joué s'appelle Weather Report euh, voilà qui est euh... Euh, quand, on, quand, quand on regarde dans l'histoire du jazz rock et du jazz fusion le jazz rock et le jazz fusion on pourrait dire que ça a été une sorte de période un petit peu comme le free jazz c'est à dire que tout à coup il y a eu un engouement extraordinaire autour du truc et puis finalement euh, passer la hype euh, et le, le snobinardisme intellectuel euh, c'est carrément un pan on va dire du jazz d'une il faut, faut vraiment comprendre un truc, c'est que bah, à peu près tous les dix ans, il y a une nouvelle révolution qui arrive dans le jazz. <coughs> Depuis son existence. Hein, de... L'invention du bebop, du -bop, de, de, de du, du... Enfin bon bref, tous les mouvements, voilà. Bon, il y a certains musiciens qui sont particulièrement extraordinaires, comme Miles Davis, qui en initie trois ou quatre à lui tout seul. Voilà. Ou qui est euh, clairement, euh, euh, on va dire par exemple le jazz électrique ou les choses comme ça, ce qu'on a appelé le jazz rock. Euh, voilà, il y a des mecs comme ça qui sont systématiquement dans les bons coups. Et il y a un mec qui au moment où on a inventé donc milieu des années, 70, enfin, allez on va dire milieu des années 70, après ce qu'on appelle commence le ce qu'on appelle le jazz rock. Alors il y a deux trois grands groupes qui, qui dominent. Il y a Weather Report, il y a Return to Forever. Et il y a une révolution avec l'électrification plus, plus marquée, c'est que tout d'un coup, les bassistes arrivent en avant. Et donc, ben, on a plusieurs, plusieurs bassistes qui émergent, évidemment. Alors, donc, il, y a trois, il y a trois grands noms qui reviennent. Alors Maintenant, il y a Victor Wooten qui, 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 a, qui a pris un peu, entre guillemets, la vedette. Mais on va dire qu'à cette époque, il y a trois bassistes qui émergent. C'est Stanley Clark, Jaco Pastorius, et Marcus Miller, qui lui est encore vivant, hein, il est jeune, il a à peu près mon âge. Toi, tu es un peu plus vieux. Il doit avoir 60 ans maintenant, Marcus, euh... ou 58. On n'a pas beaucoup de, de différence d'âge. Et, euh... Et donc, de, de toutes ces musiques, de tous ces albums, sont des, sont des. En fait, les deux groupes sont, ont pour leader un claviériste. Un Return to Forever à Chikorea et du côté de Weather Report, nous avons Monsieur Joseph Zawinul. Bon, Zawinul a commencé sa carrière avec Cannonball Alderley, euh, alors que Korea et Hancock sont passés, par exemple, par chez Miles Davis justement à la période électrique. C'est comme ça qu'ils ont, qui, 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 qui qu ont acquis leur réputation, on va dire. C'est là qu'ils ont émergé. Et donc, le groupe Weather Report a pour leader Joseph Zawinul et pour euh, principal soloiste, on va dire, un certain monsieur Wayne Shorter, voilà. saxophoniste qui joue principalement du sax soprane et du sax ténor. Voilà, parce que c'est du si bémol. Et euh, je, voilà, soprane et ténor. Et, euh, et qui, a, qui a vraiment un son très très particulier. Voilà. Enfin, reconnaissable entre mille. Voilà. Wayne Shorter, il fait une note. De... Je connais ce son. <laughs> et le groupe, contrairement à Return to Forever, qui a éclaté assez rapidement, euh, eh ben, euh, Weather Report a duré pendant euh, quatre décennies presque. Quelque chose comme ça. 76 jusqu'à 80, 80... Ouais, c'est ça, 2000 et des patates, ouais. Je sais plus quand on... Bref. Et, euh... et il y a eu toute une période absolument légendaire de ce groupe. Il y avait plusieurs musiciens qui venaient accompagner donc ce duo Zawinul shorter Il y a eu toute une suite de batteurs et euh, et percussionnistes et, percussionniste et bassistes qui sont venus à la première monture on avait Alfonso Johnson à la basse on avait euh, Alex Acuna et euh, Manolo Badrena à, à, à la rythmique et puis il y a eu un moment absolument stupéfiant où euh, s'est intégrée une paire rythmique euh, qui, qui assez extraordinaire en la personne de monsieur Peter Erskine à la batterie, c'était toujours Manolo Badrena euh, à, aux percussions. Et à la basse, un certain Jacob Astorius. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jacob Astorius, c'est un peu le... Ça a été le premier bass -hero, on va dire, vraiment. C'est euh, un peu comme euh, un peu comme à la guitare électrique, t'as à des mecs comme Van Halen ou, euh, ou, euh, ou Hendrix, voilà. Eh ben, euh, à la base, il s'est passé un peu la même chose. Il euh, y a eu deux mecs qui sont restés, grosso Merdo, hein, comme j'ai dit. En tout cas, enfin, des basses héros de l'époque, c'était Stanley Clark et Jacob Pastorius. À cette différence près que Jacob Pastorius était un vrai, très grand compositeur, contrairement à Stanley Clark, qui a euh, pas... enfin, les... Alors, je dis ça euh... A posteriori, à une époque, j'étais complètement fan de, à cette époque-là, enfin dans les années 80, quand j'ai découvert, j'étais extrêmement fan de Stanley Clark. Et puis quand j'ai commencé à m'éduquer un petit peu musicalement, je me suis rendu compte que Stanley Clark, ça tournait quand même gentiment en rond, que c'était toujours les mêmes recettes et que voilà. Alors que du strict point de vue de la composition et de l'orchestration, Jacoba Soreyus arrivé à un niveau, était arrivé à un niveau de classicisme. Euh, extraordinaire. Et ce, euh, sa musique ne vieillit pas, contrairement à celle de Stanley Clark. Et c'est exactement le même phénomène qui s'est passé avec la musique de Weather Report. La musique de Weather Report, vous écoutez encore, ok, vous savez que c'est le son fin des années 70, début 80, mais ils sont pas tombés dans le piège du midi et du tout électronique, contrairement à des groupes comme YouSep, par exemple, ou le Electric Band. Même si Correa uh, jouait encore pas mal de piano ou choses comme ça. Mais quand on écoute la musique de, de Return to Forever, en tout cas, moi, l'impression que ça me fait, c'est que j'ai juste l'impression. Enfin, honnêtement, maintenant, j'ai vraiment l'impression d'une suite de numéros de cirque qui s'enchaînent dans, dans, dans un même morceau. quoi. Et, uh, et, le, et le solo de et le solo d'Aldi Meola à la, à, la, à la guitare. Et puis le solo de Stanley Clarke Et puis le solo de machin. Et puis ce truc, c'est un peu chiant. Alors que quand on écoute du Weather Report, bah, c'est un morceau. Quoi. Tout le monde se met au service de tout le monde. Et les solos sont pas là pour, euh, pour frimer ou pour briller. Il y, y a un propos. Bon, en tout cas, c'est comme ça, moi, que je le, que je le ressens et que j'explique euh, la pérennité de leur musique. Voilà. Et donc, euh, entre 1960... Euh, je dis pas de bêtises. À partir de 1976... Ouais, C'est ça, ça doit être 76. Entre 76 et 81, je ne vais pas dire de bêtises. Et voilà, 5-6 ans, enfin, il y a 5 albums, si je me trompe pas, dont un live, 8:30. Double album, la cover. Ça. Oh. Bref. Et euh... qu'est-ce que je l'ai écouté ce disque C'était presque transparent. Ça. Je me suis tellement usé. Et, euh, et, donc euh, et donc il y a deux jours euh, est mort Monsieur Weinshorter, Voilà. Joseph Zawinul, le, enfin, le premier à, à mourir, euh, c'est assez épouvantable, mais c'est Jacob Osorius, qui est mort le 21 septembre 1987. Hmm. Je m'en souviens très très bien, parce que j'étais à l'armée et que c est, c est, ça m'a un peu choqué quand je l'ai appris. Parce que c'était vraiment devenu mon héros. Donc, euh, 21 septembre 87. Euh, euh, non, il est peut-être... Alors, ça, c'est la date où je l'ai appris, mais il est peut-être mort la veille ou l'avant-veille, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Et euh, Joseph Zawinou, il est mort il y a 6 ou 7 ans maintenant, quelque chose comme ça, pour vérifier. Et avant-hier est décédé M. Wayne Shorter. Et donc ne reste plus que, euh, ne reste plus que donc Peter Erskine, le batteur, qui a aussi accompagné le projet de Jacob Osorius quand celui-ci avait un, un big band euh, qui, qui était absolument merveilleux, mais qui est parti en couille <laughs> total. Parce que, voilà, un mec comme Pastorius en train de gérer un, une machine avec euh, 20 musiciens. <laughs> Je... Voilà. Et donc, voilà, euh, disparition de Wayne Shorter, qui, euh, qui, euh, qui a joué avec euh, Miles Davis, qui, était, euh, qui a été lui-même un très grand compositeur. Il, est, il a écrit euh, certains morceaux euh, qui, qui sont dans le Real Book, hein, clairement. Voilà, donc c'est une grosse perte et c'est aussi c'est aussi le sentiment qu'il voilà quand Peter Askine ne sera plus là, je vais commencer à me sentir vieux. Voilà, c'est et un peu et un peu abandonné. Et donc en plus ça c'est con parce que c'est la deuxième équipe de Weather Report. C'est pas les mêmes, c'est la période où c'était Omar Hakim qui jouait à la batterie avant qu'il aille, qu aille jouer avec Sting. Voilà. Alors, on est dans toute cette période-là. Euh... Bon, alors, si, apparemment, vous avez dit... Oh là là, mais il s'est passé plein de trucs. Il faut encore des... D'une des... personne utilisant... Alors, chocolatine, les bassistes sont des musiciens En général, c'est ce qu'on dit des batteurs. C'est qui le mec qui traîne avec les musiciens Le batteur. Voilà. Euh... Euh... Encore une séquence émotion. Oui, voilà. Bah, ah... Pop, 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 pop. Euh... Hop, 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 nos soucis, jazz gratuit, je n'y connais rien en jazz. c'est pas grave, mais non. C est, c est, il y a très peu de monde qui s'y connaît vraiment en jazz. Je me, je, me, je, me, je me souviens d'un très grand critique de jazz qui, euh, qui avait rencontré une de mes amies alors qu'elle était en train d'acheter des, des disques à la FNAC. Et le mec était d'une suffisance a été d'une suffisance dans son, dans son article aussi. Hein. Euh, donc mon ami était en train d'acheter un disque mm. euh, de... J'ai un trou. Euh... Ah putain, alors, vraiment hein, profiter quand, 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 vous, quand, quand vous avez... Euh... Euh... Merde. Non, mais c'est fou je, je, je... Ah mais comment je peux ne pas euh, me souvenir de son nom euh... John Schofield voilà elle est en train d'acheter un des disques de John Schofield un des disques qui l'a fait connaître Alors John Schofield c'était un guitariste jazz rock un peu comme Miles Stern qui justement a émergé en jouant dans le groupe de Miles Davis dans les années 80 enfin euh, ouais voilà début des années 80 et qui ensuite a fait une carrière absolument extraordinaire alors, ce n'est pas un type qui, euh, qui fait. Encore que euh, non, quand il était jeune, euh, ça, 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 ça tricotait. Mais le mec a un toucher et une connaissance harmonique. Mais. <laughs> voilà, le mec est extraordinaire. Voilà. Et, euh, et John Schofield, euh, voilà. Donc, euh, ma copine Sarah était en train d'acheter un disque de John Schofield. Et, euh, et euh, le, le, le mec, euh, le critique de jazz, euh, lui fait Ah, euh, oh, mais voilà. Euh, donc, euh, donc il trouve ma copine Sarah en train d'acheter ce disque et donc il rapporte la discussion qu'il a avec elle dans son article et lui dit mais, ah mais petite Sarah un jour tu comprendras euh, tu comprendras qu'il n'y a pas de meilleur guitariste que Wes Montgomery voilà il y a souvent eu ce genre de, 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 de conneries Alors, Wes Montgomery était extraordinaire hein, absolument mais si vous avez jamais écouté essayez d'écouter des trucs un peu groove de Wes Montgomery c'est phénoménal mais, euh, mais Scofield est devenu une légende. Et ce mec-là était incapable de comprendre que, déjà au bout de deux disques, tout le monde avait compris, en tout cas le public, lui, avait compris que John Scofield allait être un mec qui allait rester comme une icône absolue du, du, du jazz, jazz-rock, jazz-fusion, voilà. Et, euh, et ça se confirme. C'est un vieux monsieur maintenant qui joue avec, euh, avec des gens un peu jeunes, le groupe de Jack Conte. Alors Jack Conte, vous le connaissez peut-être pas directement, mais c'est le mec qui a fondé Patreon. Voilà. Et qui a plusieurs groupes, et euh, qui est un musicien absolument extraordinaire. Et il y a toute une communauté de, de, de musiciens aux États-Unis en ce moment, d'une généra jeune génération qui a commencé au Texas, qui a donné des groupes comme Snarky Puppy. Et maintenant, vous avez, euh, vous avez des crossovers partout c'est hallucinant il, vraiment ça, ça bouillonne mais dans tous les sens et c'est une nouvelle forme de jazz c'est la nouvelle vague jazz des années 2020 enfin euh, 2010 c'est extraordinaire, si vous ne connaissez pas Snarky Puppy, il y, a, il y a des trucs chantés il y a des orchestrations incroyables et une fois de plus, le leader du, et compositeur principal euh, est un bassiste voilà euh, donc tout ça pour dire que tout ça pour dire que tout ça pour dire que voilà euh, personne connaît enfin euh, les gens qui disent je connais le jazz enfin faut rester sur la pointe des pieds hein, parce que il se passe des tas de trucs et ce, ce, ce monsieur qui, qui, qui pouvait se targuer d'une très très grande connaissance sans doute aussi de théorie musicale euh, n'avait pas entendu ce que le public avait entendu en, en écoutant les deux premiers disques de John Scoville. Et euh, voilà, donc on peut avoir des connaissances, on peut avoir de l'expérience, on peut passer à côté de trucs importants. Euh, Samuel Vimer, si t'as mon physique, banal moins, t'as aucune chance sur les sites de rencontre. C'est très très vrai. C'est très très vrai. Tout le rapport est à peu près de je crois, de 7 mecs pour une nana. Donc, alors, si, si, si tu n'as pas une phrase d'accroche monstrueuse, tu n'as aucune chance de contre-répondre. Euh, si tu n'as pas une phrase d'accroche monstrueuse et une photo de jeune premier devant une Ferrari, il <laughs> y avait des statistiques qui étaient, parties, qui, étaient, qui étaient montrées sur des trucs comme Tinder ou choses comme ça. Sur la façon dont les, les, les femmes, euh, voilà, les, les mecs étaient très, très peu regardants et, et, et ils disaient oui pratiquement à tous les profils. Euh, alors, soit ils sont en chien, soit ils sont plus curieux, mais euh, les femmes disaient oui à, je ne sais pas, même pas 10% des profils ou un truc comme ça. Et c'était toujours les mêmes. Marcus a 63 ans, voilà. Alors, je savais qu'on avait euh, 6-7 ans d'écart, ouais. Euh... Kinderpingus qui offre un abonnement à une chocolatine. C'est l'amour chocolaté. <laughs> Merci, monsieur Anton. Mmh. Euh, pa, 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 pour la précision de l'orthographe de Joseph. Le saxoprène est super chaud à manipuler, le son part en couille très facilement. Oui, oui absolument. C'est un, un instrument extraordinairement délicat. Et quand quand, quand on entend certaines euh, intros certaines de. C'est lui, c'est Janteur qui commence le truc. Suis... T'entends l'intro d'Elegant People, tu vois, fais What Je sais. Bon, C'est un truc de malade. Pastorieux, c'est le Romain qui a découvert le vaccin contre la rage. Chocolatine. Van Halen, l'homme dont les ceintures nous protègent des rayons cosmiques. Bravo Samuel, très très bon. Adieu, festidieux, que je vous invite au Jazz international de Rimouski. la vache. C'est con. Um, Obi-Wan euh, qui dit que la vanne, de, de, de Samuel, la vanne intersidérale de Samuel est excellente, mais nous, nous sommes d'accord. <laughs> Obi-Wan qui dit tout dépend du solo. <laughs> il qu'il fait, ce qu'il peut, c'est parfois laborieux, mais il se donne du mal. Ouais, et puis en plus, euh, des notes, il en fait 12 par sec. Conde. Euh, collide euh, hop, deuxième mois d'abonnement putain j'arrive pas à suivre hein. euh, qui dit je, je, je suis déjà pas doué pour jouer avec ma corde alors quatre ou six surtout qu'en plus elles font pas le même son c'est compliqué ah it's club ça y est bonjour Ovitch camarade Ovitch voilà bon et où est sorcière Axe Aks, bien le bonsoir aussi. Euh, Ice Club, ça va bien puisque je suis avec vous. Eh bien oui, on est très content que tu sois là aussi. Euh, il y a aussi françois Adjilazaro qui est mort, oui, c'est ça. Mais je... Alors... J'aimais je, je, bien, euh, bien François, mais j'ai jamais été très fan du rock français de ce genre avec accordéon, machin. Vraiment, ça m'a jamais touché. Vraiment, c'est le côté poule beau. Franchement, ça. ça, ça, ça bon. Je... Non. Euh, voilà. J'ai euh... un trou, c'est parce dit Jésus en se réveillant de sa sépulture. Qui est con <laughs> Michael Scofield de Prison Break, non, <laughs> euh, Wes Montgomery, c'est un Montgomery après tout. On en parle pas ouin, ouin. à propos de la mort de François hadji Lazaro. Donc, euh, oui, ça me, je, je suis triste pour lui. En fait, moi, Agil Lazaro, je l'ai surtout bien aimé comme acteur, voilà, mais. Euh sinon pour le reste ça voilà on... je peux je peux comprendre hein, mais vraiment c'est une musique qui m'a jamais touché le rock français en général d'ailleurs euh... j'ai beaucoup aimé Téléphone j'ai beaucoup aimé euh, Trust en tout cas les deux premiers albums euh... j'aimais bien aussi euh... merde comment ça s'appelle oh putain j'ai la couverture c'est horrible, profitez tant que vous avez des neurones hein, parce que j'ai la couverture euh... merde, je ne sais plus, bref euh... Chocolatine dit je me rappelle d'un concert à la télé avec, Mike Schofield, euh, euh, avec John Scofield et Pat Metheny ils sont pas manchots, oui ils avaient fait un disque de duo qui est très très beau euh... Pingus qui dit pourtant vous êtes beau, mon cher baron. D'où ça sort <laughs> Je sais. Euh, pourtant vous êtes beau, mon cher baron. Oui, mais pas pour. Euh, euh, peut-être que c'est un. Euh, peut-être que c'est en, en rapport avec. Euh, avec Tinder. Euh, alors, paradoxalement, je ne suis pas très photogénique. J'ai peut-être un visage qui est trop mobile ou j'en sais rien. Alors, je passe très bien à l'image qui bouge. Mais l'image fixe, ce n'est pas toujours ça. Et, euh, et comme je n'ai pas un égo surdimensionné, je ne passe pas euh, des heures et des heures à trouver le meilleur angle avec mon téléphone ou mon machin, ça, ça me fait un peu chier. Euh, et donc, je n'utilise pas de filtre, voilà. Donc, euh, mes, mes photos de profil, quand, 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 quand j'ai été sur, 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 sur des sites de support Tinder, ça a duré un mois. Hein. J'ai vite compris que, bon, voilà. Euh, Samuel qui dit si t'enlèves les femmes qui viennent plus et les faux comptes de brouteurs c'est pas un pour 7 c'est un pour 20 carrément aïe 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 Obi-Wan du 12 par sec excellent oui j'étais assez content de l'avoir trouvé celle Iceclop non là vent Allen c'est pas le mec qui puait de la gueule non là je non là non pas d'accord Bonsoir, Abraza, Abrazaxas. Premier message. Merci. Bonjour. Enfin, bonsoir. Il fait nuit, presque. Euh, pop, 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 pop. Bonne chaîne de vulgarisation. Oui, il est très trop mm. euh, lien. Je galéré avec six cordes. Moi, j'ai 88 touches au piano et j'en fais pas tout un plat. Oui, mais elles sont à plat, des touches. Puis 88, euh, bon, honnêtement, avec 66, euh, on fait déjà euh, 90% de la musique. Hein. Arrêtez. Je hein, dis monsieur. J'ai 88 j'ai 7 octaves et des patates. 66, ça suffit largement. Hein. Euh, -da -da -da. Le grâce et la vie. Absolument, Samuel. Pour les neurones, vous avez la couverture, vous n'avez plus le forfait, on peut s'arranger. <laughs> non, euh, Ice Club. Non, non, je faisais pas référence à Magma parce que pour moi, Magma n'est pas du rock. Justement, c'est du, du jazz rock, jazz fusion. Euh, paradoxalement, c'est un des domaines où, où l'Europe et la France en particulier n'étaient pas du tout en retard. Mais pas du tout. Sans doute... Euh, sans doute, à, alors à cause peut-être de l'influence, euh, d'abord parce que euh, la France a été un, toujours été un des grands pays euh, de jazz. Euh, avec l'Angleterre et le Japon, on va dire. Hein, on a quand même les, les, voilà. Sauf pour nos propres musiciens. On attend toujours qu'ils réussissent à l'extérieur pour les reconnaître. Non, ça, c'est assez habituel. Et euh, hum, et voilà quoi. Donc, non, Magma, on est sur du jazz rock, jazz fusion, comme Cortex, comme voilà, il y a eu beaucoup de, de, de groupes de ce genre-là, complètement barrés, sans doute à cause de l'éducation classique, je pense. Voilà. Waouh wow Magma, mon premier concert à 14 ans. Oh ouais. Se prendre du vendeur pour la première fois Ah ouais je... Ah. Je... Là je m'incline. Hein. Moi, mon premier concert, c'était Jodès à l'Olympia. Euh. La France est un grand pays de jazz. Je savais pas, je pensais que c'était plutôt américain. Ah mais non, mais alors... Le jazz a été inventé aux États-Unis, clairement. Mais il a été inventé dans un endroit très particulier, c'est la Nouvelle-Orléans. Pourquoi Parce que justement à la Nouvelle-Orléans, il y avait une grosse euh, communauté française, avant que ce soit Miami, il y avait une grosse communauté française et l'influence des musiciens classiques français donc qui venaient de France et qui étaient installés à la Nouvelle-Orléans ont influencé énormément la façon d'entendre et de comprendre la musique, des marching bands, euh, euh, des marching bands traditionnels qui accompagnaient les enterrements, d'accord donc il y a eu toute cette culture de l'harmonie classique qui est venue rencontrer euh, le début du blues et les marching bands. Et tout d'un coup, les mecs qui jouaient du blues ont commencé à écouter ces trucs-là en se disant, mais on peut mettre d'autres notes, c'est vachement, vachement plus important. Ce, ce, ce mineur-là, je peux le remplacer par un autre mineur. Et c'est plus joli. Et c'est comme ça, en tout cas, que le, le jazz a vraiment commencé à naître. Et comme les mecs n'étaient pas... Euh, et alors, si ça s'est répandu, c'est parce qu'effectivement, à cause des, des lois ségrégationnistes, les musiciens ne pouvaient pas se produire comme ils voulaient. Ils savaient qu'ils étaient en train d'inventer un truc. Et donc, ils ont foutu le camp dans d'autres villes. Donc, New York, évidemment, Los Angeles, Chicago, euh, voilà, tous les endroits où il y a, où commençait à y avoir du blues, et il y avait moyen de vivre de sa musique. Et, euh, et c'est comme ça que le jazz est né, quoi. Donc euh, dès le début, la France était impliquée, enfin en tout cas l'esprit français, l'éducation classique française musicale euh, était là, dès la racine. Donc, euh, donc voilà, c'était donc, normal que, 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 que le jazz ait tout de suite cette influence euh, rapidement en France. De la même manière que c'est plutôt le blues qui a accroché en Angleterre. À cause du rythme. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais enfin, bon, bref. Et et euh, Effectivement, le blues a été redécouvert dans le monde et en particulier aux États-Unis parce que les Beatles ou les Rolling Stones étaient, en particulier les Rolling Stones, étaient absolument passionnés de blues. Mmh. Euh, mais, euh, dans le même temps, la scène jazz euh, la, plus, euh, la, plus, la plus vivace en particulier euh, à la dans les années 20. Et ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était en France. Tous les grands festivals et les choses comme ça, c'est en France que ça, que ça a décollé. Quoi. Et donc, euh, voilà, c'était... Euh voilà, de, de, donc il y a toujours eu une relation privilégiée. <laughs> voilà, voilà. Euh... Wow Chocolatine, mon premier c'était Pink Floyd. Pour un jeune ado se retrouver avec 4000 pe... 40 000 personnes, les lumières et 400 000 watts, ça impressionne. Tu <laughs> moi, des gants rouler un petit sèche feuille oh, C'est énorme. Tant qu'on parle de musique, une info inutile. Rachmaninov est mort le même jour que Staline. Merci <laughs> Je... Ah non, Prokofiev. Non mais bah alors évidemment bah alors si on raconte n'importe quoi, c'est pas possible. Oh là là hum... euh... Ado, j'ai dû voir trois fois Magma dont deux fois la trilogie avant qu'ils arrêtent de la jouer, la vache. Jean Robin, Pat Metheny, indépassable pour moi en jazz fusion. Euh... Oui, j'aime bien. J'aime bien Metheny. Perso, perso, je trouve que alors c'est le paradoxe, c'est que euh, un guitariste comme Metheny, effectivement, il a une identité absolument invraisemblable, euh, bah, comme tous les grands musiciens. Il joue deux notes, tu sais que c'est lui, quoi. Même des fois, une, ça suffit. Ou même, même des fois, le simple son de la composition, tu sais que ça va être lui. Avant même qu'il joue, tu entends les premiers accords, tu entends, entends la première pulsion, tu te dis, bon, ça, ça doit être, ça doit être du ça. Mais, honnêtement, tu regardes la, la, la production de Méténis ces dernières années, bon, il a eu des délires, des, des, des choses comme ça. Hum. Mais, honnêtement, euh, il se passe un truc assez extraordinaire avec John Scofield et avec tous ces jeunes musiciens qui, 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 qui ont la trentaine, quoi. Donc, c'est un vieux monsieur qui a 70 et des patates maintenant. Euh... alors il est plus aussi vivace hein, sur le manche mais alors au niveau du groove et des choix de notes mais mais c'est sur, euh, sur youtube vous pouvez chercher euh... Euh... vous cherchez Scofield et puis, euh, et puis euh, les euh... Larry Goldings voilà, ou Jack Conte, choses comme ça, vous allez tomber sur des vidéos avec tout, tout, toute une palanquée de jeunes musiciens. Enfin de, de, de voilà. euh, Par exemple, le bassiste Mononeon, qui est, qui est un gaucher qui joue sur une basse de droitier, donc il a les cordes à l'envers, qui est, qui, est, qui, est, qui est génial. Euh, toute une Partie de, de, de batteurs tous plus cinglés les uns que les autres. Voilà, mais je, non, vraiment, il y, y a un foisonnement là, en ce moment, qui okay. est extraordinaire, vraiment. Ah, Tardidris, bonjour. Voilà, voilà, voilà. Bon, voilà, c'était la, la période euh, 18h35. Je suppose que Jean doit être dans les starting blocks. Pour qu'on parle de la, de, alors on, on parlait de, on, on parlait de, de, de musique. Je pense que j'en dois être euh, dans les starting blocks pour parler de libre arbitre. Alors, comme j'ai bu un petit café, etc. Voilà, je vais faire une petite pause rééquilibrage des fluides. Euh, les cailloux mes mortels ennemis. <laughs> qui dit oui, partons de l'importance culturelle de la Chine. <laughs> bon, alors je vais prendre deux minutes, de, enfin trois minutes de petite pause, le temps de rééquilibrer les fluides en, en évacuation et en refil. Et, euh, et, et je reviens et, et nous reprendrons. Euh, nous, nous, nous discuterons donc du libre arbitre avec Jean Robin. Alors, on essaiera de ne pas parler pendant trois heures, hein, Jean. Hein on, essaie de se... Puis on, on essaie de rester sur, euh, sur le libre arbitre, mais vraiment mais, par rapport à la Bible et tout ça. Hein, on essaie de se. Hein bon, voilà. Euh. Euh, et donc euh, voilà, on essaie de se, 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 se de, de, de rester dans les clous. Voilà parce que si on part dans les, on est très bavard tous les deux, donc ça peut être compliqué. Donc on essaie de rester dans les clous et euh, et donc euh, et donc voilà et donc là ça commence. À, je je, 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 je l'avais dit, qui proteste. Je ne voulais pas vous donner de détails, mais il faut y aller. Donc j'y je, je, vais. Je, je, je vous mets un petit peu de, de zizique. Voilà. Et je reviens. A tout de suite. Et voilà, je suis de retour. Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de Jean. Je vais donc aller le rejoindre dans le. Hop, 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 Qu'est-ce que je viens de faire Dans hop, 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 hop. le Discord. Euh, il est où le Jean Il est là. Et donc, je fais le faire monter. Pardon, excusez-moi. Hop. Degadek. Salut Jean, est-ce que tu m'entends Allô. Jean, m'entends-tu Ah, je m'entends pas Jean, je ne sais pas pourquoi. Ah, je, je... <laughs> salut Jean, m'entends-tu je Oui, très... salut, <laughs> ça va et toi Ça va, ça va très bien. Alors attends, juste, je vais juste faire un petit truc, c'est que je vais baisser ton micro baisser parce qu'il est... C'est ça, hein, la dernière fois on m'entendait plus fort que toi. Voilà, voilà, je vais hop, régler ça. Donc normalement on doit, on doit être pas mal. Pourquoi est-ce que je m'entends deux fois Je ne sais pas. Alors, pouf, tu sais que Jésus dit euh, en vérité, en vérité, je vous le dis. Donc, euh, ça, oui, tu oui, te prends pour oui. Jésus, peut-être <laughs> Non, pourquoi est-ce que tu dis non, 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 Je, je, je pas. deux fois. Euh, oui, je m'entends deux fois, je ne sais pas pourquoi. Sais pas pourquoi. Voilà. Euh, Jésus, lui, il savait pourquoi. C'est quoi ce bordel Je ne <laughs> <C 'est rire> pas ça, Jésus, t es t es par contre. <laughs> tu tu, tu n'en <laughs> <Tu rire> sais rien. Tu n'en sais rien. <laughs> il, a, il a traité les, les pharisiens, il les a pas mal insultés. Ouais, ouais et puis quand il a rencontré Marie-Madeleine, il a très bien pu dire c'est quoi ce bordel aussi. Euh, c'est vrai. Il a frayé avec euh, les prostituées. Absolument. Mais en tout bien, tout honneur. Paraît-il, paraît-il, mais on... écrit. compte tenu de la fiabilité des écrits bibliques. Après, c'est soit ça, soit Da Vinci code. Donc bon. Ah, je pense que je sais. Est-ce que tu portes un casque Non. Ok. Alors, c'est parce que ton micro reprend ce qui sort de tes enceintes ah merde, alors attends, je débranche et je rebranche alors Non, il faudrait que tu baisses un petit peu le son de retour de tes enceintes ou que tu mettes un casque. Ah, j'ai pas de casque, mais. Euh... Bon, attends, je vais essayer de me déconnecter, reconnecter. Non, 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 c'est pas. Bon, bah, tant pis, voilà, il s'est déconnecté, on est reparti pour un tour. J'ai aussi dit sérieux les clous c'est abusé, on n'en fait pas toute une histoire. Oh sorcière est là. Bonsoir sorcière. Ça fait plaisir de vous avoir. Hum. On a toujours besoin d'une chevaucheuse de balai. Alors, il est là le Jean, donc hop, je vais le remonter. Est-ce que tu <laughs> m'entends Tu m'as retrouvé Oui, ouais, oui, je oui. Voilà. C'est mieux ou pas Ah, bah, c'est impeccable. Je m'entends qu'une fois. Ah, bah, voilà. Tu... Ah, non, ça y est, tu, tu recommences non. à me capter, en fait. Non, donc soit il faut que tu diriges ton micro autrement. Alors je pense qu'il faut d'abord que tu peut-être que tu diriges ton micro autrement et puis c'est surtout que tu baisses tes enceintes en fait. Là c'est mieux. Ah ben là je t'entends plus. Ah bah voilà. Voilà, problème réglé. Non mais c'est bien. Ah non. Excusez-moi les copains Là, je t'entends faiblement. Voilà, mais je sais pas. Là tu m'entends ou pas Ah oui oui, je t'entends très bien. Et c'est bon Et je ne m'entends plus deux fois, c'est formidable. Ah bah voilà. On reste comme ça. On reste comme ça. Tu es au courant que ta caméra n'est pas branchée. Elle n'est pas branchée. Tu veux que je la branche ah bah comme, oui, tu veux, mieux, hein. comme tu veux, ouais, mais c'est plus sympa pour nos auditeurs. Ouais. Ils apprécient mon corps d'Adonis. Voilà, c'est ça, et ton magnifique t-shirt euh, Polynésien. Polynésien, oui, voilà. voilà. Je, je, je suis pour la diversité. Figure-toi, ah, ma est femme ça. est algérienne. Je sais pas quelle allusion tu faisais tout à l'heure, mais <laughs> c'est pas par rapport à moi. <laughs> Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, bah voilà, bah, écoute, bah, écoute, bienvenue. C'est vrai, bon, re... on est en ligne. Ah, non. Non, oui, bien sûr. J'avais pas, pas compris. <laughs> si, si, si. Ça y est, nous sommes. à remarque, peut-être qu'effectivement, il faudrait que je lance formellement l'émission. Donc, je vais juste lancer le générique. Voilà, histoire de dire que formellement, l'émission a commencé. D'accord? Ça marche. Allez! <mélique> Et voilà, nous sommes de retour avec monsieur Jean Robin, le fameux. <laughs> Ça y est, tu Salut es, Alexandre. Est, tu es carrément une vedette maintenant désormais. Est-ce que tu veux prendre deux minutes pour te présenter pour les gens qui. Alors, parce que moi je commence à te connaître un petit peu et puis. Les gens sont venus me parler de toi, de, enfin, voilà, et puis tu as une certaine réputation auprès des gens qui ont l'habitude de ce genre de, de, de discussions et de cercle mais euh, peut-être qu'il y a une partie de mon public qui ne te connaît pas du tout, comme moi je ne te connaissais pas vraiment il euh, y, a, y, a, y a encore trois semaines. Donc, si tu veux. <laughs> Comment tu ne me connaissais pas avant C'est incroyable, <laughs> incroyable. Euh, Voilà, donc je, 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 je t'en prie, prends deux minutes pour te, pour te présenter. Non, bah, simplement, je suis journaliste depuis euh, indépendant et, et d'investigation, c'est important. Moi, je ne suis pas commentateur, j'enquête. Je, et donc, euh, ça prend plus de temps, mais derrière, on découvre des choses, euh, normalement. Tu enquêtes euh, sur quoi J'enquête je... ah, sur euh, la politique en général. Euh... Et l'actualité en particulier, mais là par exemple, je viens de, de publier une enquête sur le, le 11 septembre. C'est intéressant parce que euh, on sait très bien que Messan racontait n'importe quoi. On sait aussi que euh, la thèse officielle est, est vraie en grande partie. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que les Russes apparemment euh, seraient impliqués aussi. Euh, Il n'y a pas que Al-Qaïda en fait. Al-Qaïda n'aurait pas agi seul euh, les Russes auraient participé. Et ça, c'est ce que je révèle dans, dans une dernière enquête, par exemple, là, une, une enquête récente. Et je suis le premier en France à le dire, mais il y en a d'autres qui en ont déjà parlé à l'étranger, notamment aux États-Unis. Donc voilà typiquement ce que je fais. J'ai été éditeur pendant 13 ans. Éditeur, et, de, euh, éditeur de quoi bah, De livres de non-fiction, comme on dit, d'essais okay. en tout genre. J'ai édité des gens de hotskist. De... Louis Dalmas, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Il a été Alors, été comme, éditeur, pour... comme, comme éditeur indépendant, ou tu as travaillé dans une grande maison d'édition Éditeur indépendant, oui, euh, pendant 13 ans. J'ai publié des livres refusés ailleurs pour de mauvaises raisons. Donc, Lego, mais euh, qui étaient refusés parce qu'il n'y avait pas de marché ou parce qu'on avait, avait peur de la censure, etc. Donc, euh, je me suis édité moi-même aussi parce que j'ai été refusé ailleurs pour de mauvaises raisons, et du coup j'en ai profité pour éditer d'autres. Donc euh, j'ai défendu la liberté d'expression, y compris de gens avec lesquels je n'étais pas d'accord, parce que c'est ça la, la vraie liberté d'expression. Sinon c'est... Euh... Tous les dictateurs sont pour leur liberté d'expression. Euh, voilà, et puis euh, bah là ça fait trois ans que j'enquête plus particulièrement sur ce que j'appelle la Troisième Guerre mondiale, et... parce que j'estime qu'on a été attaqué par la Chine dans une attaque biologique, et que depuis la guerre en Ukraine c'est la Oula. suite... Voilà. Alors attends, deux secondes... <laughs> <routine> <laughs> Si tu peux rembobiner, j'ai pas réussi à le suivre. <laughs> J'estime qu'il y a trois ans, on, on, on a été, le monde entier a été attaqué par, une at par la Chine qui a lancé une attaque biologique. Ah, euh, tu veux dire avec le Covid Avec le... Voilà, ce qu'on appelle le Covid, et que moi j'appelle le virus chinois. Comme euh, on devrait l'appeler. Ok. Et euh, mais Donc alors, euh, voilà. Si, si, ça prouve vraiment que les Chinois sont des cons parce que euh, si je comprends bien, alors tu, tu me diras le gouvernement chinois n'en a rien à foutre de sacrifier sa population, mais euh, évidemment, bien sûr. Mais c'est un peu comme le gaz moutarde. Si tu lances une arme biologique ou un truc comme ça, faut éviter de, de se prendre le coup de vent de, dans la gueule, quoi. Mais en théorie, sauf qu'après, quand on creuse un peu la stratégie, donc c'est Sun Tzu, passer pour une victime quand on est à l'attaque, c'est la meilleure des manières. Et quand on, on regarde un peu dans le détail ce que c'est ce, ce virus, il s'en prend aux vieux. Or, la Chine considère avoir trop de vieux, des gens improductifs, tu sais, dans leur système, c'est vraiment barbare. Donc, des vieux, et puis ça épargne les enfants, alors qu'ils manquent d'enfants, suite à leurs 30 ans de politique d'enfants uniques. Et puis, ça s'attaque surtout aux obèses, euh, ce qu'on appelle les comorbidités, mais notamment les obèses. Et euh, les États-Unis, qui sont leur ennemi principal, euh, c'est eux qui ont le plus d'obèses euh, quasiment au monde par rapport à la Chine qui en a très peu. Donc, en fait, on voit là l'arme biologique. Enfin, il y, y a tout un tas d'arguments, mais voilà comment on, on répond à ce genre d'objections, hein, puisqu'il y a plein d'objections et c'est normal. Moi, j'ai étudié, ah oui, je n'ai pas dit, je suis diplômé d'un master en intelligence économique de l'école de guerre économique, où j'ai appris justement. Euh, à, à identifier des, des manipulations, euh, soit de l'information, euh, soit euh, voilà analyser les stratégies. Et donc les Chinois sont des maîtres en stratégie depuis Sun Tzu. Et puis récemment, ils ont lancé, euh, enfin récemment, oui, par rapport à Sun Tzu, mais en 1999, ils ont lancé un concept qui s'appelle la guerre hors limite, qui consiste à faire la guerre euh, de façon non militaire. Et les armes biologiques en font partie. Or, c'est nous, la France, qui leur avons transmis, contre l'avis des Américains, euh, le laboratoire, le fameux laboratoire P4 à Wuhan, euh, dont proviendrait euh, quasiment certainement, maintenant, on le sait, euh, cette, euh, ce virus. Ouais. Et donc, entre... Je peux faire plus long, mais enfin, ce n'est pas le sujet. Ce euh, n'est voilà. pas le sujet, mais c'est-à-dire que, moi, <laughs> bon, étant un, un, un rationaliste sceptique, je, je m'accroche souvent à cette, à, à, à cette fameuse phrase. Est, il, il est plus compliqué de mettre sur le coup du complot, de l'intelligence et de la malveillance ce, 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 ce qu'on peut attribuer à l'incompétence et à la bêtise. Oui, mais le gouvernement chinois est très malveillant. Donc, euh, ça n'empêche ça ça, ça, pas, ça empêche, ça empêche pas de faire des bêtises. Ah ben, ils ont très bien pu. Alors, certains parlent d'une fuite. Mais euh, que ce soit une fuite ou que ce soit volontaire dès le départ, en tout cas, on a les preuves maintenant que, euh, ensuite, ça a été instrumentalisé euh, pour leur intérêt, c'est-à-dire ils en ont profité pour euh, annexer Hong Kong, ils en ont profité pour. Euh, Comme ça, de toute, façon, part... de toute façon, annexer Hong Kong, c'était prévu. Et, euh, et les vues sur euh, Taïwan, euh, la, la guerre pour récupérer Taïwan, elle n'est pas nouvelle. Donc. Euh... Non, non, un excès à Hong Kong, ce n'était pas prévu du tout. Il y avait des manifestations, justement. Une des conséquences du, du virus chinois, c'est que les gens ne peuvent plus manifester. Or, à Hong Kong, ils n'arrêtaient pas de manifester depuis 2019. Et, et ça a réglé le problème d'un du, coup. Ils ont imposé leur loi de sécurité nationale euh, et du coup, euh, tout le monde la, est rentré La, la loi de sécurité nationale et puis euh, les, 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 les étudiants ou les manifestants qui se faisaient tirer dessus, c'était avant le Covid. Précisément. Donc, ça veut dire que c'était intentionnel. C'est une des preuves qu'on sait que. Euh, C'était intentionnel. Il y en a beaucoup d'autres. Non, en fait. c'est pas une preuve. Là... Non, pour toi, c'est pas une preuve, mais non, c'est que... une hypothèse. C'est un faisceau. C'est d'hypothèses. C'est comme voilà sur la scène de crime. Euh, au bout d'un moment, moi, je suis depuis trois ans sur cette scène de crime, et donc j'ai suffisamment d'hypothèses de, de, et de faisceaux pour dire que c'est une preuve. Voilà. oui sauf que non. Une preuve, ce serait ce serait une sorte de wikileaks. Euh, ben, de, voilà, euh, l'équivalent de... Merde, comment il s'appelle déjà celui qui est en prison et qui devrait pas y être euh, Julian Assange euh, Voilà, Julian Assange. Il faudrait un Julian Assange chinois qui nous sorte des documents du gouvernement qui prouvent qu'il y avait eu une stratégie... Euh, voilà, là, tu aurais une preuve. Oui, mais il y en a plein. Et ça a été sorti, par exemple, euh, le New York Times a sorti que euh, Xi Jinping, dans un bureau euh, le 7 janvier 2020 a dit Nous allons confiner Wuhan comme les Ouïghours. Et pourtant, il a attendu euh, trois semaines. Euh, et donc, pourquoi il a attendu Ou deux semaines. Donc, pendant ces deux semaines, se sont passés notamment euh, un banquet géant euh, pour battre un record euh, au Guinness Book qui a permis de, de diffuser euh, la maladie à un maximum de gens qui n'étaient pas au courant puisque les statistiques ont été euh, censurées pendant cette période. Donc, c'est le banquet de Wuhan. Euh, le maire de, de Wuhan voulait l'interdire. Et le, le, la direction du Parti communiste chinois l'a maintenue. Euh, deux jours après, il y a eu euh, à Wuhan aussi un, un festival de danse où les gens arrivaient. On le sait d'après la, la presse locale, les gens arrivaient avec euh, en toussant, avec euh, quasiment euh, des, des, des douleurs importantes aux au poumons, etc. Donc ils étaient infectés, mais ils ont maintenu quand même tout ça. Et après, le confinement effectivement a permis ensuite de faire partir un maximum de gens, et là le gouvernement chinois a incité les gens à partir plutôt à l'étranger, ça on le sait grâce à la presse indienne, India Times, mais c'est pas sorti dans la presse française, c'est ça qui est dommage, parce que moi je fais mon travail si tu veux, mais je suis obligé de m'appuyer sur des presses étrangères qui sont pas euh, aussi influencées que la presse française par le parti communiste chinois qui, le, qui finance, ça c'est démontré aussi, euh, massivement, euh, le, les, les médias français, ou qui a fait via une captation d'élite. Euh, et là, effectivement, selon les anticomplotistes, on, on rentre dans la théorie du complot. Mais moi, ce n'est pas, pas de ma faute si euh, la stratégie de, du Parti communiste chinois. Est-ce que, est est que tu as des chiffres C'est de faire la captation d'élite. Est-ce que tu as des chiffres Des chiffres sur quoi le, le pognon qui est donné par les Chinois au grand quotidien oui. français Ça, c'est très documenté, oui. Il y a la lettre A qui a fait une, une, une enquête là-dessus. C'est qui la lettre euh... A La lettre A, c'est une lettre professionnelle. Ça appartient à un groupe qui fait aussi euh, Intelligence Online. Tu as peut-être plus entendu de parler de ça. Donc, c'est des lettres think... très chères. C'est un think tank, c'est quoi ah, Non, non, c'est euh, de, des journalistes professionnels qui euh, vendent leurs articles très chers. Je crois que c'est autour de 10 euros l'article. Donc, ils ont révélé euh, pas mal de choses. Mais. On donc, le sait aussi, le, le Figaro euh, était payé pendant de nombreuses années, un euh, million d'euros par an pour publier euh, des, euh, des cahiers spéciaux euh, diffusant la propagande chinoise, donc le Global Times notamment. Euh, et puis tu as... Euh, après, il y a la, la captation d'élite euh, avec les, les officines, tu sais, euh, comme le, la France-China Foundation, par exemple, ou le Paris Shanghai Club. Euh, par exemple, Radio France est dirigée par un young leader de la France China Foundation depuis 2014. C'était Mathieu Gallet. Et puis, maintenant, c'est Sybille Veil, là, qui vient d'être réélue. Et euh, je ne sais pas pourquoi les Chinois s'intéressent particulièrement donc, donc, à la radio publique française, mais, mais c'est ça ce, fait. Donc, ça te choque, toi, qu'il y ait des young leaders qui soient pilotés par les Chinois. Mais euh, est-ce que ça te gêne qu'il y ait des young leaders qui soient euh, pilotés par le, le, le... Oh, merde, le truc d'État américain, là Bien sûr. Il ah ben, y a des Young Leaders de la France, French American Foundation. C'est d'ailleurs ça que les Chinois ont copié. Euh, mais depuis 2012, en gros, c'est plus actif. Il n'y a, a que des... la petite bière, si tu veux. Il y a eu des gros bonnets avant, comme Hollande, comme Macron, même. Mais depuis 2012, en fait, ça s'est arrêté quasiment. Non, le département euh, a... d'État américain continue de choper, en particulier dans les banlieues, des, des représentants des diverses minorités, en particulier quand ils sont musulmans, pour venir les. Enfin pour les envoyer aux États-Unis pour les former entre guillemets à, à la contre entre guillemets ce qu'ils appellent la contre-propagande. Mm. Et c'est des gens comme Rocaille Diallo etc. Voilà et Diallo mais c'est ça fait longtemps qu'ils ont arrêté parce qu'ils sont avec Trump notamment ils sont redevenus isolationnistes donc ils ont même mm. voulu se retirer des instances internationales. Mm. C'est plus la Chine qui est à l'attaque depuis euh, Xi Jinping notamment qui est arrivé en 2012 euh, fin 2012. Et là, on a vu apparaître le Chinese Business Club en 2012, euh, le Comité France-Chine, la France China Foundation, et puis après le Paris Shanghai Club, et puis maintenant, il y a la France Asia Society. Mm -hmm. beaucoup, et à chaque fois, tu as dedans... Bah, tu, en, tu, quatre ministres en exercice actuels sont young leaders de la France China Foundation, dont Véran, qui est le plus, euh, plus évident, mais il y a Elisabeth Borne aussi, qui est elle de, du Paris Shanghai Club. Et tous ces gens-là ont, ont monté rapidement les échelons euh, de l'État, quand ils ont rejoint un, une officine du Parti communiste chinois. Donc euh, voilà, Ira Farin, qui est le premier ministre officieux depuis qu'il a quitté son poste en 2005, il est là, il a même été envoyé par Macron à la réunion entre chefs d'État et gouvernement en 2017 pour représenter la France au Belt and Road Initiative, c'est-à-dire la nouvelle route de la soie avec Xi Jinping, avec Orban, avec Poutine. Donc euh, c'est quelqu'un de très important, comme Fabius aussi à gauche, qui est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel et qui est un, un équivalent de Raffarin, si tu veux, à gauche. Et ça, euh, Raffarin, il passe partout, là, il vient de sortir un livre. Donc ça montre, si tu veux, qu'on on est... Euh, on est un peu sous leur affaire. Rafarin, oui. je veux dire, le mec est d'une telle subtilité que bon, genre, bref, le côté. Oui, euh, parce la que Chine est... est merveilleuse. Enfin bon, voilà quoi. Bref, euh, non, bref. Donc, euh, et, ouais, ça, fait quand même, ça fait au moins 20 minutes qu'on discute de ça. On va peut-être passer à autre chose. Donc, tu voulais nous parler du libre arbitre dans la religion ouais, chrétienne écoute, euh... Enfin, en tout cas, dans ta version à toi de la religion chrétienne. Ouais et puis euh, parler avec euh, avec toi parce que moi en tant qu'athée je, je croyais au libre arbitre mais pour moi c'était je me posais même pas la question c'était que évident on avait un libre arbitre et puis c'était tout tu vois Il y avait pas de... alors soyons clairs euh, je, je, je crois au principe du libre enfin en fait mon truc à moi c'est de dire quand je lis la Bible le Dieu que je lis dans la Bible ne peut pas accorder le libre arbitre pour plusieurs raisons euh, Dire qu'il y a le libre arbitre en s'appuyant sur la Bible est un non-sens. J'estime, moi, en tant qu'athée, que nous avons une part de libre arbitre, que les neurosciences, euh, cette, part, euh, cette part a été réduite par les connaissances que nous avons depuis quelques années sur les neurosciences. Effectivement, une bonne partie de nos façons de penser, de réagir aux événements, de, de, à cause de notre perception du monde et de la façon dont notre cerveau traite l'information, euh, notre part de libre arbitre est beaucoup plus réduite que ce qu'on pouvait le penser. <laughs> voilà, donc finalement je me demande si la, la, la discussion est particulièrement intéressante, puisque nous sommes tous les deux d'accord pour dire, alors toi tu dis qu'il n'y a pas de libre arbitre du tout, c'est ça Voilà, euh, moi j'estime que la part oui, est, je... est, est, assez, est finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, assez minime, puisque finalement notre cerveau nous dupe nous-mêmes pour nous faire croire que nous avons pris des décisions. Alors que euh, voilà, enfin, une, une, une expérience moi que j'aime beaucoup, c'est celle du réflexe où on se rend compte en fait que le muscle a pris la décision de bouger avant que, que le cerveau te dise bouge ton bras. C'est génial. Voilà. Ça. Mais c'est important ce que tu as dit là par rapport à la lecture de la Bible, c'est-à-dire que la plupart des chrétiens ou qui se disent chrétiens, donc c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas protestants réformés, croient au libre arbitre. Or, comme tu l'as très bien dit, on ne peut pas euh, légitimement croire au libre arbitre quand on, on se dit chrétien, c'est-à-dire soumis à la Bible. Par exemple, euh, un seul exemple, si la Bible euh, a été écrite par des hommes ayant le, le, le libre-arbitre, ça veut dire qu'ils ont pu se tromper. Ça veut dire qu'il y a pu des, avoir des erreurs dans la Bible. Mais il y en a. Et donc ça, c'est pas, pas acceptable pour un chrétien. Mais, euh, le fait est que euh, ça, ça se vérifie puisqu'il y a des erreurs. Mais ça, c'est l'argument athée, mais d'un point de vue mais non non, le... non, 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 c'est pas, pas l'argument athée. Je veux dire, c'est un argument Non, C'est ah, une, constatation... une, une constatation factuelle. Non, mais les catholiques disent aussi, j'en ai débattu avec Arnaud dumouche donc théologien catholique, il me dit qu'il y, y a plein d'erreurs dans la Bible. <laughs> donc il rejoint le point de vue athée, ce qui est quand même hallucinant. Mais, pour un chrétien, mais, mais, y a, y a... il ne peut pas y avoir d'erreur dans la Bible. Mais, mais, si, mais si, parce que justement... Parce que c'est inspiré par Dieu. Euh, je suis désolé, mais tu as, as, as quand même un certain, milliard, un certain nombre de, 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 de catholiques qui disent... Euh, que, euh, et en particulier des responsables catholiques, donc euh, les papes, les archevêques et choses comme ça, qui disent qu'on ne peut pas <coughs> reprocher aux auteurs de la vie, par exemple, de n'avoir pas. Euh, de n'avoir pas. Euh, comment dirais-je. Enfin, alors, quand on dit, bah oui, parce que Dieu n'a pas supprimé l'esclavage, n'a pas mis une vraie égalité entre les hommes et les femmes et choses comme ça, la réponse est toujours, <coughs> il faut, et c'est aussi la réponse que font les musulmans, de dire il faut recontextualiser parce que à l'époque compte tenu de l'époque et de leur culture et de la culture des auteurs, ils ne pouvaient pas avoir connaissance de Georges Jouk. Donc en fait, Dieu a inspiré un texte, mais s'il y a des erreurs dans la Bible, c'est de la faute des auteurs et euh, tout simplement parce qu'ils étaient victimes, enfin, ils faisaient partie d'une certaine culture à un certain moment et que donc pour eux, c'était parfaitement normal et euh, et, et, et ils disaient quelque chose qui était vrai dans leur culture, donc euh, ouais. ça pose strictement aucun problème. De mon point de vue, je trouve que c'est un fauderchisme absolument phénoménal, parce que ça sous-entend que Dieu n'est pas capable d'inspirer des informations correctes. Voilà, Là, bah, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que c'est un argument de mauvaise foi de la part de ces croyants qui n'assument pas leur texte. C'est-à-dire quand on lit le Coran, on peut voir qu'on peut frapper sa femme, hein, surat 34 du verset 4, ouais. J'en euh, ai débattu avec des musulmans, euh, certains le justifiaient, donc ça c'est encore autre chose, je le mets de côté parce que c'est encore une autre histoire, mais la plupart me disaient oui, mais à l'époque de Mahomet, c'était pas pareil, c'était culturel, c'était machin. Non. Ou le mariage Nous, avec Bible... Aïcha. Tout, mais tu peux tout prendre là, après la pédophilie, il y en a encore qui bien l'assument, bien le... 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 mais ça c'est encore autre chose. Mais tu as, as tous ceux qui disent oui, mais c'était le culturel, c'était l'époque. Non, effectivement, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire si on croit que la Bible est inspirée de Dieu, hein, attention, c'est pas. Mmh. Le Coran est écrit par Dieu mmh. directement. Mmh. Par contre, la Bible est inspirée de Dieu. Bon, la Bible nuance. est inspirée alors que le Coran est dicté. Voilà. Bon, c'est une nuance quand même parce que ça revient au même. Bah, c'est-à-dire que Dieu, c'est ah, servi. Non. non, ça revient pas au même. Ça revient. C'est-à-dire que non, non. dans l'argument qu'on donne, c'est-à-dire qu'on doit assumer euh, ce qui est écrit dans la Bible sans trouver justement le faux dont tu parles en disant non, non, non mais c'était la culture de l'époque, etc. Donc moi, j'assume absolument tout ce qui est écrit dans la Bible. D'accord. Et par contre. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est décontextualiser. C'est-à-dire que la Bible, ce n'est pas un livre, c'est une encyclopédie de livres. Et donc, il y a une histoire qui a une, un début, un milieu et une fin. Et donc, si on retire, par exemple, tu trouveras des horreurs dans l'Ancien Testament, euh, et on ne peut pas dire, voilà, c'est ça le christianisme déjà. Euh, moi, je ne rentre pas dans, dans la croyance. Non, on ne peut pas, pas dire que c'est le christianisme, mais sans ça, il n'y a ouais. pas de christianisme. Voilà, c'est le seul. C'est le seul. Oui, parce qu'on reconnaît l'Ancien Testament euh, en tant que chrétien. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs la seule religion, à ma connaissance, qui reconnaît un autre livre saint comme faisant partie de son livre saint. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres exemples. Et donc, c'est très important de voir que Dieu, il euh, y a une histoire de l'humanité qui progresse. Donc, euh, Dieu s'adresse aux Hébreux comme nous, on s'adresse à nos enfants. Et puis quand les enfants, c'est-à-dire on leur dit ⁇ fais pas ci, fais pas ça euh, ⁇ voilà, des interdits partout, euh, on les éduque vraiment à la schlag, etc. Et puis bon, quand ils s'éloignent, on, on leur tape dessus, etc. Et puis quand ils grandissent, donc ça c'est l'évolution de l'humanité, c'est c'est ce qu'on voit avec le Nouveau Testament, donc Jésus arrive, donc c'est l'humanité qui devient adulte, en tout cas qui passe de l'adolescence. Euh, euh, et donc tu parles plus à un ado, voire à un adulte, comme tu parlais à un enfant. Tu, tu, coup, tu considères passi, que Barabbas pas... vaut beaucoup mieux que Noé dans quel sens Est-ce que du strict point de vue de la morale, Barabbas c'est un mec bien Non, non, c'est ce que je dis. Non, Jésus est bien, est bien meilleur que Noé, oui. Mais Barabbas c'est un voleur, c'était un tueur, donc. Euh... Donc l'humanité n'a pas progressé. Alors non, c'est pas l'humanité. Enfin, l'humanité si elle progresse dans sa, sa compréhension de la parole de Dieu, c'est-à-dire que. Euh, avant, il fallait faire des sacrifices, par exemple. Ça, c'est promu par Dieu au début. Fait des sacrifices et tout ça. Et puis à partir d'Ésaïe, il commence à dire bon, euh, les sacrifices, ça me saoule, en gros. <laughs> J'en ai plus besoin. Je crois que c'était à partir d'Abraham, enfin d'Isaac. Non, parce que c'est encore un, un sacrifice. C'est pas un sacrifice humain. C'est un sacrifice d'un mouton ah. ou d'un. Donc, il continue après Abraham, mais à partir d'Ésaïe, euh, il dit voilà, les sacrifices, euh, ça suffit. D'accord. Maintenant. Il faut passer euh, aux faits, aux actes. Voilà. D'accord. Donc, donc prouvez-moi que euh, Abraham, Isaac, on, on met fin au sacrifice humain pour combattre Baal et ce genre de dieu. On est d'accord euh, Je n'ai pas étudié en, en détail, mais je pense que c'est un des messages. Il oui. y a oui. beaucoup de messages hein, dans ce geste, mais euh, ça, oui, ça peut ça... faire partie de cela, en effet. Euh, combattre les, les religions comme celle de Mitra ou de Baal qui exigeait qu'on tue son premier-né, etc., etc., <laughs> voilà, ok. Ensuite, donc, tu as Isaïe, Esaïe, comme tu dis, qui dit faut arrêter les sacrifices tout court d'animaux. Voilà. D'accord. Et ensuite, on a l'agneau de Dieu qui est sacrifié pour euh, racheter les péchés. Excuse-moi, j'ai du, ouais. du mal à suivre la, la logique. Si on met fin au sacrifice, pourquoi ouais. avoir un sacrifice humain ultime avec celui de Jésus C'est vraiment parce qu'il est ultime et qu'il n'y en a plus besoin après c'est-à-dire qu'il s'est sacrifié Depuis pour lui. Depuis il n'y en avait plus besoin. En fait, euh, c'est ce que dit Hébreu. Donc, ça, c'est dans le Nouveau Testament. C'est là, là où il faut suivre. Dans le Nouveau Testament, tu as un livre qui s'appelle le livre Hébreu. Mais c'est pas de l'Ancien Testament, d'accord Ça parle des Hébreux, mais c'est dans le Nouveau Testament. Et dans ce livre, il explique que euh, des gens de l'Ancien Testament. Attends attends, sont attends, sauvés. Attends, 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 attends. Les Hébreux, oui. c'est. Excuse-moi, hein, je prends ma Bible. Hmm. Ouais. Le Maccabée, l'Ecclésiaste, Joël, l'Évangile selon Saint Jean. excuse moi on a les quatre Évangiles. Ouais. C'est bien après, hein. vers la fin. Ah, d'accord. Ok, donc c'est après les Évangiles. Euh... Oui, bien bah, Les Évangiles, c'est les quatre premiers. Donc, Hébreu, c'est un des derniers livres de la Bible. D'accord. Tableau chronologique. Donc, ensuite, on a Saint Paul avec les Épîtres. Voilà, ben c'est encore après. D'accord, donc on est presque à l'Apocalypse de Saint Jean, en fait. Voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est vers la fin. Premier Épître de Saint Jean. Vivre, les compléments. Deuxième Épître, troisième Épître. Épître de Saint Jude. Non, Et... c'est avant. C'est avant Jacques. C'est entre Philémon et Jacques. Donc c'est avant euh, un Pierre, avant un Jean. Et là, je suis tombé sur l'Apocalypse. Hein. Non, non, t'es allé trop loin. <laughs> c'est après les lettres de Paul. Deuxième ça de, épître. Ça s'arrête de à Timothée, de les lettres okay. de Paul. Alors attends, Jacques, après, ta as titre, Philémon. Les épîtres catholiques. Alors attends. Ah, épître aux Hébreux. OK, d'accord. Voilà. Et donc, dans, les, dans cette épître aux Hébreux dont on ne sait pas quel est l'auteur en fait. Beaucoup tu ont peux, cru tu que c'était Il n'y a aucun auteur de la Bible. Je veux dire les, ah euh, si, les, les épitres ép... de Paul. Alors, ok, c'est le seul. C'est le seul. Non. Et toutes les épîtres, c'est le seul. Il y a très, ép... c'est euh, non. non, non, non. Ce sont gens, tous, ce sont tous, ce sont tous des pseudépigraphes. et aucun de ces gens-là n'était les apôtres. Donc voilà. Voilà. Non, en mais, tout cas, c'est ce je, ce je, je, Pardon, je précise, pseudépigraphe ce pour ceux qui ne savent pas, c'est comme San Antonio, c'est-à-dire que ce soit Frédéric Dard ou son fils, c'est toujours marqué San Antonio comme auteur, d'accord Mais en fait, vous avez plusieurs auteurs qui signent sous le même nom. Voilà. Donc on a des textes apocryphes qui ont été rassemblés sous le nom Évangile, euh, Marc, euh, Matthieu, Luc, je ne me souviens jamais de l'ordre, Jean et Luc. Euh, voilà. Donc Épître aux Hébreux, quand tu dis c'est un texte apocryphe, oserais-je dire Non, non j'ai pas dit que c'est un texte apocryphe. Euh, non, non. Ah bah si. C'est un texte de la Bible. Mais donc Les il, a... donc est, il, il est apocryphe. Que... Apocryphe, ça veut dire qu'il n'a pas d'auteur. Mais non, ça veut dire qu'il n'est pas reconnu dans le canon biblique. Alors ça, c'est on a deux, deux définitions différentes selon qu'on est athée ou chrétien. Alors. Parce que apocryphe pour un protestant, par exemple. C'est Judith. Voilà, Judith, c'est apocryphe pour les protestants. Nous, on ne l'inclut pas dans les livres reconnus du canon. Ça, c'est ce que les catholiques ajoutent, comme Maccabée, d'ailleurs, que tu as lu tout à l'heure. Nous, on ne euh, reconnaît euh, pas Maccabée. Attends, attends deux secondes. Hop, un hein, trésor de la langue française informatisée. Euh, Excusez-moi, hein, c'est le réflexe toujours de vérifier les choses. Voilà, donc apocryphe. Apocryphe, voilà, que je ne fasse pas de faute d'orthographe parce que sinon il ne comprend pas. Euh... Alors, effectivement, alors, apocryphe, la définition religieuse en parlant d'un texte, d'un livre dont l'Église ne reconnaît pas l'origine divine qu'elle place hors du canon. Euh... Et donc ça dépend quelle église. Donc alors je 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 n'ai pas fini. Euh, ensuite on a une autre euh, entre guillemets une autre définition qui est non authentique ou faux. Voilà. C'est ouais, ça, il y a, ce que je disais. Euh, il, y a, il y a deux définitions, la définition d'adulté, ce que tu as dit toi, et la définition d'un chrétien comme ce que j'ai dit moi. c'est euh, le même mot. Alors. L'adjectif étymo étymologiquement historique, dont l'authenticité n'est pas établie. Voilà, ça dépend par qui. Les athées euh, bah, n'ont pas le même euh, critère que les croyants, par définition. Euh... Donc je reviens juste sur hébreu. Euh, donc hébreu Non, 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 non que... mais non, non, les, ah. les critères. Euh, non, non, mais, pardon, mais euh, les critères pour dire si un truc a été écrit par quelqu'un ou pas, ça doit être un critère objectif, ça ne doit pas être un. Un, un, un critère, ça n'a rien à voir avec le fait de croire ou de ne pas croire. De, soit on a une signature et puis on est capable de dire c'est tel auteur qui l'a écrit. Saint Paul, on est capable de dire qu'effectivement, Paul a écrit les six premières lettres et les sept premières, c'est pas lui. Et les sept suivantes, c'est pas lui. Parce que justement, on a fait des études historiques et c'est un constat objectif. Euh, L'autre constat objectif, c'est que euh, les évangiles n'ont pas été écrits par une seule personne et n'ont pe, pas pu être écrits vraisemblablement par les apôtres. Voilà. Donc. Euh, c'est assez simple. Donc, voilà, ça, ça, ça illustre bien en fait les deux manières de, de raisonner, en fait. Non, ce n'est euh, pas un raisonnement, c'est un fait. Pardon. Oui, mais le fait est que il <laughs> y a deux manières de sélectionner des livres dans un canon biblique. Il y a la manière Non, là on euh... parle pas de sélection, on parle de l'étude. Non. J'en ai rien à foutre que, que, les, que les évangiles apocryphes, que des évangiles que tu considères apocryphes fassent partie de la Bible catholique ou pas tous les livres qu'on a pu étudier qui fassent partie de telle Bible ou de telle Bible sont tous par des, par des, par des auteurs anonymes. À part Saint Paul. C'est le seul pour lequel on a une certitude de l'auteur. C'est factuel, c'est historique. L'Église, euh, si tu veux, l'Église. Nous, on, on reconnaît l'Église jusqu'en 451. Euh, les conciles jusqu'en 451. Est-ce que tu de, reconnais de... ce que je viens de dire je reconnais que tu as une définition athée. C'est ce qu'on vient non. de dire. Là. Il y a deux définitions. Non, bah, il si y a, non, de dire, le même nom mot a non. deux définitions. Une définition non, athée y a et pas. une définition religieuse. J'ai la définition devant moi. Apocryphe, adjectif et substantif. Un, religieux. D'accord Adjectif dont l'Église ne reconnaît pas l'origine divine. Dont l'Église ne reconnaît pas l'origine divine. Qu'elle place hors du canon des livres inspirés. Deux, par extension, adjectif non authentique, faux. Voilà, donc il y a deux manières de, de dire apocryphe et donc de reconnaître les écrits. Euh, donc l'Église, elle, ben, ça dépend, il y a l'Église protestante et il y a l'Église catholique. Donc l'Église protestante, elle, elle reconnaît jusqu'au Concile de 451 et elle dit, euh, les livres euh, authentiques, c'est-à-dire inspirés par Dieu, sont tels livres, selon leurs critères à eux, si tu veux, qu'ils ont considérés entre euh, docteurs de la loi. C'est eux qui définissent. Ouais. Et moi, je ne suis pas docteur de la loi, tu vois, je, je fais confiance à, à l'histoire de, de l'Église, puisque tous les protestants reconnaissent ça. Donc moi, je ne vois pas pourquoi je... Pardon, mais tu, tu, te, tu te... Pardon, mais j'ai l'impression que tu te... Je, je ne comprends pas ton raisonnement. Si, si tu reconnais jusqu'en 451, enfin, je veux dire, tu, tu, tu inclus le choix des bouquins ou pas ah bah oui, les, les, les choix des bouquins, comme tu dis, ils ont été faits bien avant 451. Hein. Ils ont été faits le, le premier siècle, dans les, pre dans les deux premiers siècles. Bah, ce, euh, alors attends, c'est à Nicée que le truc est fixé, en 300, euh, 365 ah, trois, premier siècles. Okay. Hein trois premiers siècles. Ça, c'est reconnu par les protestants. Hein. Nous, on reconnaît jusqu'en 451, et là, le, le canon était déjà reconnu. Simplement, les catholiques ensuite ont rajouté d'autres livres que nous, protestants, on considère comme apoc apocryphes, donc non Ok. okay. Voilà, C'est ça la différence. Et... Donc, dont Maccabée, dont Judith, et dont quelques autres. Ce qui fait que la, la Bible catholique a 73 livres. Et vous, vous n'avez que 66. On a 66. Voilà. Voilà. Et donc, pour revenir sur Hébreu, euh, il est expliqué dans Hébreu que, avant donc, euh, que Jésus arrive, euh, les gens étaient quand même sauvés, mais par leur foi, non pas par leurs œuvres. Donc les sacrifices par exemple, c'est pas parce que tu faisais des sacrifices ou que tu étais juif. D'accord. Bah, c'est ton, ton identité, voilà, ton. Mmh, mmh. D'accord. C'était voilà, pas ça. C'était la foi en fait. Et ça c'est expliqué dans le Nouveau Testament. Mais les juifs eux sont restés à l'aspect plutôt ethnique, ce que Jésus contredit justement. C'est ça tout le but de, de, du Nouveau Testament. C'est dire tous les juifs ne sont pas élus et Parmi les non-juifs, il y a des élus aussi. D'accord. Il y a des il des élus chez les gentils. C'est ça. Voilà. Okay. Donc c'est profondément antiraciste en fait déjà. C'est important. Euh, et puis, ce notion de peuple élu, c'est le... la même notion qu'avec le peuple hébreu. Mais on sait très bien que tous les hébreux ne sont pas sauvés. Parce qu'hébreux ne sont sauvés que ceux qui avaient la foi. Et ça, personne ne le sait, euh, sauf avec l'histoire. On sait que... Parce que justement, Hébreu nous dit, par exemple, que Abraham avait la foi, donc il est sauvé. Euh, Noé avait la foi, donc il est sauvé. Euh, etc. Mmh. Il n'empêche que euh, Jésus est un sacrifice humain, alors que c'est pas un progrès. Alors, Jésus est un sacrifice euh, non pas humain mais euh, divin. C'est Dieu qui... Offre Jésus n'était pas pleinement humain Il était pleinement humain, mais ce n'est pas donc un sacrifice. Bien, donc c'est un sacrifice humain. Ce n'est pas un sacrifice humain au sens où il faut le reproduire déjà, puisque c'est Une fois pour toutes... Oui. Si, si Jésus était pleinement humain, le fait de le mettre à mort est un sacrifice humain, qui sert de bouc émissaire. Mmh.

mais non il faut toujours contextualiser j'ai bien dit que justement il ne faut pas sortir les phrases de leur contexte d'accord ça c'est différent ça, non, non 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 ça c'est différent tu es en train de passer de contextualiser ce qui est décrit dans la bible au niveau culturel et là tu es en train de t es en train de changer sur contextualiser euh, les f... les phrases c'est pas du tout la même chose alors je sais pas pourquoi on se comprend pas on dit la même chose c'est à dire que il ne faut pas euh, effectivement dire c'était une autre époque, donc euh, on a le droit. Ça, je suis d'accord. On est d'accord, on ne peut pas contextualiser Mais oui, donc. Mais contextualiser, c'est-à-dire. Ah, contextualiser dans, dans l'époque, oui, ça, je suis d'accord. Mais il faut contextualiser les, les versets dans leur contexte. Il ne faut pas sortir les phrases de leur contexte. C'est ça qu'il euh, faut dire. quest ce que tu donc... appelles le contexte Je ne comprends plus. Tu veux dire ce qui le a contexte, marqué ce qui, est est ce qui a marqué au-dessus et en dessous bah, notamment oui, et puis euh, quel genre de, de, de thème de texte, c'est si c'est un texte historique, c'est pas comme si c'est un... par exemple, l'ancien testament, c'est souvent euh, un texte historique. donc, c'est pas, à part les dix commandements, euh, ce n'est pas des choses qu'il faut faire et que dieu nous invite à faire. comment, euh, comment ça, c'est un texte historique? Bah, l'ancien testament, c'est une description historique euh, de ce qui s'est passé. non? Pour montrer justement Dieu le fait pour montrer l'horreur le, que les horreurs que faisaient les humains non. avant qu'ils qu se manifestent à eux. Non. Notamment les sacrifices. Euh, pardon, 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 On va on va, va, va s'arrêter sur le terme. Historique. Qu'est-ce que tu appelles quelque chose d'historique Moi, quand on me raconte une guerre napoléonienne, c'est historique. On a des preuves, on sait que Napoléon a existé, qu'il y a eu des guerres, qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas contents qu'il existe, etc. Bon, on a des documents. Jules César, c'est pareil. Alexandre le Grand, on est d'accord. Euh... Adam et Ève. Bah, comment tu veux avoir des preuves que Adam et Ève ont existé? Historique. Comment tu vas avoir des preuves historiques. Tu es en train de me dire que, oui, la, Bible, moi, que, que la Bible est un... Est Donc, un tu est crois un... qu'il y a eu un Big Bang. Il n'y a pas de preuve qu'il y a eu un Big Bang. pas vrai. Et pourtant, tu y crois. Il n'y a pas de preuve qu'il y, Big... y, qu y a eu de Big Bang Comment ça, il n'y a pas eu de preuve qu'il y a eu tu, de tu... Big Bang Pardon Ben oui. C'est en train d'être mis en question. La science, elle, elle avance. Il y a 100 ans... Personne ne croyait au Big Bang, maintenant tout le monde y croit, et puis demain personne n'y croira parce qu'on aura trouvé autre chose. Et okay. Alors, déjà, alors déjà, déjà, on va s'arrêter sur un oui. premier truc, c'est que personne ne croit au Big Bang. Le Big Bang est un modèle scientifique du développement de notre univers et de son apparition. Ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas une hypothèse. C'est un modèle explicatif. C'est une théorie. Au, ah, sens, une théorie. Oui, au sens scientifique. Je m'étonne que quelqu'un qui est à culture et ton savoir confondent le mot théorie dans son acception scientifique, qui veut dire un modèle explicatif de ce qu'on a de plus solide, avec la notion d'hypothèse qu'il y a dans le grand public. Mmh. Mais le Big Bang, c'est un modèle oui, cosmologique. Et donc, on n'y croit pas. On n'y croit pas. C'est le. Y non, c on n'y croit pas. Oui. On fait confiance aux scientifiques qui nous expliquent que c'est le meilleur modèle explicatif de l'apparition. Oui. Parce que sinon, à ce moment-là, on pourrait dire oui. un, 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 ça, avion, un avion, c'est magique parce que tu crois qu'il va voler. Mais pourquoi est-ce que tu crois qu'il va voler Parce que tu sais qu'il y a des ingénieurs qui ont travaillé dessus, qu'il y a des mecs qui font de la maintenance, des types qui ont mis du kérosène dedans et qu'il y a un pilote dans la cabine, dans la cabine de pilotage. Donc tu crois, quand tu montes dans un avion, que tu vas arriver à bon port. Mais est-ce que c'est une, croy... est -ce est une croyance équivalente au fait de dire, euh, si je souffle sur les dés, je vais avoir un double 7 Non, parce que le mot croire euh, a différents sens selon le contexte, justement, d'où l'importance du contexte. Oui, mais le problème, le problème est exactement, comme comme exactement comme le mot théorie, et ta réaction de dire, ce n'est qu'une théorie, c'est exactement le même genre de manipulation du langage. Donc, excuse-moi, mais ce n'est pas très honnête. Surtout que tu le sais. Moi, Surtout que... Que tu te marres parce que tu les le gens... sais. Tu te marres non, parce que... Tu te marres parce, que... tu te marres parce que... Non, 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 on était en train, parler en train de parler du mot théorie. es en train de dire que les gens ne croient pas au Big Bang. Moi, je dis, si, les gens croient au Big Bang. Et le fait est que les gens croient au Big Bang. Non, les gens, gens croient... Euh... Non, les gens croient les scientifiques qui leur disent que le Big Bang est le meilleur modèle explicatif. C'est complètement. Même. Non, pas, oh, du, pas du tout. Ce n'est pas du tout les non. mêmes choses. C'est pourtant ce qu'on dit tout le temps partout, euh, non, y non, compris non, dans des non, religions. Non, 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 non. non, non, non. C'est ce que les religieux passent leur temps à dire que les gens qui soutiennent ce modèle disent. exactement comme le, 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 la théorie de l'évolution. On ne croit pas à la théorie de l'évolution. On constate la théorie de l'évolution. On a des faits qui montrent que la théorie de l'évolution est le meilleur modèle explicatif. De l'apparition et du, du, de, de, de la diversification du vivant. Et on ne devait pas parler du libre-arbitre, en fait. <laughs> Moi, je veux bah, bien parler d'autre chose. Non, non, mais, mais c'est difficile de. Si, on peut parler, là, on peut parler du libre-arbitre. Mais le problème, c'est que si tu crois véritablement à une lecture primaire de dire qu'il y a eu un premier humain, et une enfin, un... Adam et Ève, ça doit être pris littéralement dans la Bible, on va avoir effectivement un problème de compréhension. Je, je ne crois pas que parce qu'il a plu des milliards d'années sur une pierre euh, la vie soit apparue je ne crois pas à l'impossibilité scientifique de l'apparition de la vie à partir de la non vie c'est vrai je n'y crois pas c'est une impossibilité scientifique tout comme non, je ne crois non, pas. Non non, non 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 ne parle pas à la place des scientifiques tu n'es pas scientifique les scientifiques disent que c'est le meilleur modèle jusqu'à ce qu'on arrive les à la Oui, la science, les scientifiques c'est à dire les géologues, les astrophysiciens, les biologistes, les spécialistes de l'ADN, etc., etc. Tous ces gens-là sont beaucoup plus compé compétents que nous pour parler de ce genre de choses. Quand j'ai un pilote de chasse en face de moi qui m'explique comment fonctionne un avion supersonique, je ferme ma gueule, je l'écoute. Mmh. Mais il y a un débat dans la science. Euh, non, il n'y a pas de débat. Sujet. Non, c'est faux. Ça, c'est mmh. ce que les croyants disent systématiquement. Il n'y a pas de débat au niveau de la communauté scientifique. C'est faux. Il y a quelques... Non, il y a quelques... Non, je, demande, y a quelques... Quelques... Non, je suis désolé. Enfin, il y a... Moi, je parle de l'apparition de la vie. Il n'y a pas de débat Non, il y a des théories concurrentes. Il y a des hypothèses concurrentes. Merci. Ça s'appelle un débat. <laughs> ok. Mais Donc... Non, non. Mais non. Sauf qu'il y a un débat sur l'origine exacte des premières molécules, mais il n'y a pas de débat sur l'évolution. Je ne parle pas de l'évolution, je parle de l'apparition de la vie. D'accord, donc tu as changé de sujet, en fait. Non, c'est ce dont je parlais. es passé du On était parti sur le Big Bang. Revenons au Big Bang. On était parti du libre Ok. Revenons, revenons. Non, non, parce que sur la science, on ne s'est pas d'accord. Revenons au Big Bang. Donc tu crois que tu crois que tu toi tu crois dans un truc qui a été inventé par un catholique. Mais ça n'a pas ça a été inventé par un catholique. Il se trouve que c'était un scientifique catholique qui a ah. fini, qui a travaillé sur un truc, et que des tas de scientifiques juifs et athées ont confirmé ce qu'il disait. Quel était l'intérêt pour eux de confirmer une théorie, entre guillemets, qui donnait raison à l'Église catholique, ou à, la, ou, à la, ou à la croyance générale que Dieu a claqué des doigts pour faire apparaître l'univers. Quel était l'intérêt Il n'y avait aucun ah non, intérêt. Confiant. Il n'y avait aucun intérêt. Ce pas du tout euh, ce que disait l'Église catholique, puisque l'Église catholique euh, était avant, euh, ne reconnaissait pas du tout... Euh, ce, elle, elle reconnaissait l'apparition, la création de l'univers, mais pas euh, il y a 18 milliards d'années, ou je ne sais pas combien, 14 milliards d'années. Euh, L'Église catholique, avant, elle croyait que l'apparition de l'univers datait de 10 000 ans. Non. Comment ça, non avant C'est-à-dire avant, le, avant le, le, le Big Bang Si, bien sûr. Non. Euh, c'était la, la croyance générale. Non, la croyance générale, c'était que l'univers était éternel et que Dieu, éternel aussi, avait créé l'univers il y a 6000 ans. Oui, voilà. Mais bon, en gros, c'est ce que j'aime dire, non Non. Non, c'est pas du tout... tu ce qui m'échappe. Mais en gros, euh, c'était pas les, la, la vision de l'Église catholique, euh, celle du Big Bang, c'était pas du tout... Je dis juste que c'était un scientifique catholique. Mais si la vision était celle du Big Bang puisque à partir du moment où il y a une création une expansion de l'univers la différence c'est que l'église catholique croyait que avec le clic l'univers avait la forme que nous lui connaissions à ce moment là ce qu'a fait, euh, ce qu a fait euh, comment il le maître, ça a été tout simplement de s'appuyer sur Hubble qui montrait la dispersion des galaxies et donc l'augmentation de la taille enfin, c'est pas une bonne expression mais qu'il y avait une, une inflation de l'univers et qu'on euh, pouvait rembobiner le film. Et en rembobinant le film, on arrivait à, entre guillemets, euh, parce que, ce que ce que le, le génial Aristote appelait l'œuf primordial. <laughs> enfin, en tout cas, euh, euh, qu'il y avait un point, entre guillemets, de départ. Et puis on est arrivé, et puis on s'est heurté au mur de Planck où euh, ben on sait pas exactement... Ce qui a déclenché le truc. On sait qu'à ce point-là, voilà, il y a une création de molécules, il y a une expansion, euh, 13,7 milliards d'années, mais euh, au mur de Planck, euh, tout ce que nous savons de la physique, euh, enfin tout ce qu'on sait de la physique, ne s'applique plus. Donc, on est incapable de dire si effectivement le boulet de canon a été lancé par une fronde, un canon ou, euh, ou un géant euh, ou une licorne géante. Voilà. Donc euh, c'est tout. Mais le fait que l'univers est en expansion et qu'il a entre guillemets un point de départ et j'aime pas cette expression. Enfin, en tout cas, il a entre guillemets une origine. Euh, je veux dire, il n'y a, a même pas de débat dans la communauté euh, scientifique. Ah si. Non, euh, ça aussi. Non, il n'y a pas de débat sur le modèle, non. C'est pas sens... le sujet du jour, donc j'ai pas creusé. Mais non, mais de toute façon, le libre-arbitre, pourrais... on est tombé d'accord sur le fait que toi, tu penses qu'il n'y a absolument aucun libre-arbitre et moi que la part est très très faible. Donc, je veux dire, à partir de là, il n'y a pas grand-chose à discuter. Bah, si, parce que j'aimerais que tu m'expliques d'où elle vient cette part et comment tu peux la démontrer scientifiquement. Parce qu'à ma connaissance, c'est impossible. Non, alors, le, le sujet, c'est de, de, de savoir pourquoi toi, tu crois qu'il n'y en a strictement aucune en te basant sur la Bible. Ah ben en me basant sur la Bible, c'est simple. C'est-à-dire que euh, tu as un nombre très important de versets qui le dit. Et pourquoi est-ce qu'on devrait euh... faire confiance à la Bible Voilà, parce qu'on est, on est chrétien et que c'est notre source. Non, de, tu de es vérité. chrétien. Pourquoi moi vie. qui ne suis pas chrétien oui, Donne-moi des éléments je dis. qui me permettent d'être convaincu par toi qu'il faut faire confiance, qu'il faut avoir confiance en la Bible quand elle raconte ce genre de choses. Eh ben. C'est pas possible puisque toi, tu ne crois pas, donc euh, tu ne penses pas que la Bible est la révélation de Dieu. Donc tu ne peux pas y croire. Moi, je n'y croyais pas quand j'ai Mais pourquoi je n'y crois pas euh, Parce que... Pourquoi est-ce que je crois euh, qu'un avion Dieu... va voler et pourquoi est-ce que je crois, comme tu dis, euh, en la théorie ouais. du Big Bang ou euh, la théorie de l'évolution Alors, c'est quoi la différence ça, une... La différence, c'est que Dieu ne... soit ne t'a pas choisi avant la fondation du monde, et ne t'as pas, pas converti, et ne te convertira jamais. Ça, un, donc ça veut dire que tu n'es pas élu, première possibilité. Soit tu es élu, mais tu n'as pas encore été converti. Et il faut être converti pour avoir le, la compréhension de la Bible. C'est ce que okay, dit alors, la Bible. Me... Qu'est-ce qui peut me convertir À Dieu, c'est la seule chose. Non, je ne te demande pas qui, je te demande par quels moyen. Il y, a, il y a plusieurs moyens. Est-ce que tu penses que tu peux plus... être un agent envoyé par Dieu pour me convertir C'est ce que dit la Bible, c'est-à-dire que tous les chrétiens ont pour mission d'évangéliser, c'est-à-dire proclamer la, la, la bonne nouvelle, ce qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est-à-dire que les gens ne sont pas tous destinés à l'enfer. Parce que sans cette bonne nouvelle, on, on serait tous destinés à l'enfer puisqu'on a tous péché. Ok. Alors... À la question que je t'ai posée, euh, tu n'as donné que deux réponses alors qu'il y en avait une troisième. Quelle question déjà <laughs> Quels sont les éléments qui sont dans la Bible qui, 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 ouais. qui, Pourquoi est-ce que je devrais faire confiance en, à, à la Bible en La Bible. Pourquoi je devrais avoir confiance ah, je sais en elle Dis-moi le troisième peut-être ça m'a peut échappé. Bah, la troisième possibilité, c'est que compte tenu de ce que dit la Bible et ce qu'on sait du monde, il n'y a aucune raison de croire qu'elle dit la vérité. Il a aucune raison. Mais que, sur ben, quoi donne tu te mon, bases pour... Donne-moi une. Donne-moi ah, moi, donne une. Une. Donne ta pas... meilleure raison, quel est pour toi le meilleur argument pour me convaincre, toi chrétien, que je suis peut-être un élu et que je n'en ai pas pris conscience. Fais-moi prendre conscience que la Bible est la vérité et que je suis un élu. Ben, euh, la meilleure manière de le savoir, c'est si, si tu y crois. Donc, tant que tu n'y crois pas, ça veut mais, dire que tu n'es pas un élu. Alors, mais... pour, quelle Donc, raison, pour quelle raison je devrais y croire Si tu dois évangéliser... Il ah, n'y tu... a aucune raison, en fait. Ah. Ce pas la raison. Parce que bah, la à la, Bible, race, tu la, peux la pas. Si, si, tu, si tu ne crois pas que tu peux me donner des raisons de croire en la Bible, tu ne peux pas remplir ta, ta mission d'évangélisation. Oui. Ah ben non Ah si, puisque je, je, je peux t'annoncer la bonne nouvelle, qui n'est pas basée sur la raison, mais sur la foi. D'accord. Donc, c'est deux, en fait... Euh, faut bien comprendre les athées. Euh, moi, quand j'étais athée, ma source euh, de vérité, c'était ma raison. Donc c'est un, un raisonnement circulaire. On revient toujours à sa raison. Mais alors que quand tu dois prendre quand, une décision quand, croyant, dans ta vie, quand tu prends une décision dans ta vie, est-ce que tu te bases sur une révélation ou est-ce que tu te bases sur ta raison Alors, toute décision que je prends dans ma vie de chrétien est censé et là je dis bien censé parce qu'on n'est pas parfait malheureusement on est pêcheur, mais est censé suivre la volonté de Dieu c'est-à-dire que si j'ai okay, par exemple un... donc comment tu sais comment tu peux déterminer quelle est la volonté de Dieu au moment où tu dois traverser une route et qu'il y a une voiture qui arrive non bah ça c'est simple <laughs> je regarde à gauche et à droite d'accord donc Maintenant... tu fais pop 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 donc as dit de chrétien donc tu te bases sur ta raison pour prendre ce genre de décision, tu fais appel à ta raison. Oui ou non Ce genre de décision, oui. Mais là, je te parlais d'une décision plus morale. Non, 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 je ne te parle pas de décision morale. Je ne te parle pas de décision morale. Il y a tout type de décision, on ne peut pas tout généraliser. C'est-à-dire que les décisions morales... Tu décides de ne pas payer la pension alimentaire de ton ex-femme. Tu te bases sur ta raison pour prendre la décision ou pas Ou de poursuivre quelqu'un en justice c'est une décision exactement, morale exactement. ou c'est un truc raisonnable Ça dépend du contexte, c'est-à-dire que en tant que chrétien, on est censé respecter les lois, même non, si en elles tant sont que injustes. chrétien, tu es censé pardonner aussi, mais tu es censé respecter les lois. Donc lesquelles euh, Les lois du pays dans lequel tu vis. D'accord. Donc ouais. les lois humaines surpassent les lois divines. Voilà, C'est ce que nous dit la Bible, c'est-à-dire que les lois humaines euh, sont celles qu'on doit respecter même si elles mènent à notre persécution. Ah, C'est pour ça que... Pardon, ton, ah, pardon, ton micro a été coupé. coupé parce y avait un... ouais. Donc même si ces lois mènent à la persécution des, des croyants, on doit les respecter. C'est pour ça que les protestants se sont fait massacrer, littéralement, persécutés pendant des siècles, euh, sans réagir, à de rares exceptions près, euh, sans réagir par la violence. Euh... Et sans vouloir euh, tuer le roi, il n'y a pas de régicide protestant. Tous les régicides sont euh, catholiques dans l'histoire de France. Donc, euh, c'est effectivement... Tu as raison, as pas as raison de préciser de, dans l'histoire de France. Ah oui, je précise dans l'histoire de France. Oui, mais euh, donc, ce n'est pas, pas l'histoire euh, euh, du protestantisme en général. Bah, généralement, dans le protestantisme, après, il y a des exceptions. Mais on doit respecter la loi du pays où on se trouve... Euh, on doit respecter le monarque ou le président ou le responsable de l'autorité parce qu'il est le, le responsable de Dieu sur Terre. C'est ce que dit la Bible. Après, si on la suit, ben on, on le croit. Moi, par exemple, Macron, je ne peux pas vouloir, même si je le déteste, même si je tout ce que tu veux, je dois, un, euh, prier pour lui, pour qu'il aille dans le sens de la volonté de Dieu, qu'il se repente de ses péchés, etc., qu'il se convertisse. Donc, d'accord, ça, je dois faire ça. Et je dois, par exemple, j'ai été traîné au tribunal, tu sais, on en avait parlé la dernière fois, et euh, eh bien, je n'ai pas résisté à l'oppression, pourtant. Tu sais, c'est un droit de l'homme, théoriquement. J'aurais pu résister à l'oppression qui m'était faite, mais non, je m'y suis soumis euh, parce que c'est la, la justice de mon pays. Et donc, j'ai été traîné au tribunal injustement, j'ai été condamné injustement, lynché médiatiquement injustement, euh, tout comme Jésus s'était fait euh, lynché. Carrément. Carrément. Et même crucifié, oui, parce que c'est notre modèle. Donc, euh, il, 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 ça ne veut pas dire qu'on se prend pour Jésus, hein, attention. Non, non, mais ça veut dire qu'il est, qu est notre modèle. C'est-à-dire que Jésus n'a pas opposé de résistance. Quand les euh, soldats sont venus le chercher, il a dit, faites ce que vous avez à faire euh, et faites-le vite. Ou il a dit ça à Judas et puis après aux soldats. Et puis après, il a porté sa croix jusqu'à se faire crucifier et euh, il n'a pas, c'est euh, pas plein euh, il n'a pas euh, émis de, de, de violence quelconque. Il est mort, mais il est ressuscité. Voilà. Donc ça, c'est ça notre modèle. On sait très bien que même les protestants qui sont morts euh, sous les coups euh, des, des catholiques, pendant euh, ce qu'on appelle les guerres de religion, et que moi j'appelle euh, la persécution des, des protestants par les catholiques, eh bien, ils ont, ils ont fait d'autres euh, vocations, ils ont fait naître d'autres vocations. Tu sais, C'est comme Blandine euh, à Lyon qui se fait bouffer par les lions. Et puis, qui derrière, ça, euh, ça, ça, lance tout un mouvement. Il faut que je vérifie sur Blandine. J'ai toujours entendu parler de, de cette histoire de Blandine, mais je, 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 je pense que, comme beaucoup de martyrs chrétiens, c'est une légende urbaine, une ancienne légende urbaine. Quand, quand on commence à enquêter sur les martyrs chrétiens, on ne trouve pas grand-chose. Hum, je vais te demander un, un tout petit peu de patience parce que j'ai une obligation physiologique. Je, je, je mets en pause une, une minute et je reviens. <laughs> Pas couvrir les péchés de toutes les personnes qui ont existé. Et puis deuxièmement, Dieu n'a pas sacrifié Jésus, etc. Je je, je comblais l'antenne. Ah bon. Voilà, nous sommes de retour avec Jean. Euh... Donc, euh, je vais vérifier juste un petit truc. D -d -d normalement, nos micros sont ouverts. Ah non, hop, je découpe, Je ne sais pas pourquoi je suis rendu muet. Voilà, donc normalement, là, non, tu, tu, tu dois pouvoir parler on doit pouvoir t'entendre. Hum, ouais. euh, donc, euh, si tu veux bien, on va prendre une ou deux minutes pour regarder ce que le chat raconte euh, voir s'il y a un sujet qui veut, euh, qu on, qu on, sur lequel ils veulent qu'on revienne. Euh, voilà. Euh... Alors, bon, beaucoup de choses. Hein. Bon, j'ai une audience, enfin euh, je ne sais pas si tu vois le, le chat, mais j'ai une audience, tu, tu, tu les connais, ils sont, <laughs> ils sont assez blagueurs. <laughs> je... <Voilà. rire> Tout le monde en prend pour son grade, ils font toujours des jeux de mots complètement débiles et extrêmement sophistiqués, que j'aime beaucoup. Euh... C'est que Jésus était blagueur aussi, hein. c'est pour ça que ce que je dis souvent aux catholiques, c'est que vous, toute votre foi... Souvent, tu sais, ils citent un seul verset à l'appui de leur foi, c'est Matthieu 16-18. « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. » Tu je connais ce verset ?« mon... Je bâtirai mon église, oui. »« Je bâtirai mon église. » Voilà, donc ça, c'est un jeu de mots, en fait, de Jésus, <laughs> qui ne parlait pas français, donc c'est pas « Pierre, euh, sur cette pierre », mais c'est « Petro », c'est « Petras », en fait, en grec. Et donc, il, il a fait un jeu de mots. Euh, Jésus euh, ne donc... parlait pas araméen, il parlait grec. Euh, en tout cas, euh, là, c'était en grec. Si il parlait araméen aussi. Ouais, donc c'était euh, quoi, quoi le jeu de mots en araméen Alors ça je ne sais pas. Et voilà. Personne... Mais en tout cas, Et, mais, en mais, grec... mais, mais, non. Mais je... stop. Voilà. Personne ne sait. Euh, L'araméen, on n'a plus de traces. Si je pense qu'on pouvait... Mais si tu ouais. veux en français, ça marche aussi. Tu vois Pierre sur cette Pierre. je suis Pierre. Ouais, enfin, pierre. on est au niveau de Lacan quoi. Ouais. C'est vachement fiable. La, on fait de la lecture lacanienne euh, et, et, et méta, on fait de la métaphysique lacanienne. C'est assez rigolo. Ah, c'est assez, pas que assez ridicule. C'est assez ridicule. Non, mais Jésus était juif et, et donc mange juif, c'est connu. Il joue, il joue sur les jeux de mots, etc. Euh, ouais, mais on, donc, c'était pas... pas, pas, même pas on peut même pas le retrouver en hébreu. C'est un peu ridicule. Enfin, un Tous les textes qu'on a, c'est du grec ou du latin. Et trucs qui datent de 3-4 siècles après les soi-disant transmissions orales, puis écrites, d'un mec. Enfin, en fait, c'est les suivants d'un mec qui prétendent qu'ils avaient suivi un type qui est ressuscité et qui était le fils de Dieu. Sérieux. Bon, bref, c'est totalement absurde. Euh, c'est rigolo, tu vois, je suis tombé sur une vidéo de, de, du frère Paul Adrien il y a pas longtemps où il parlait de Marie-Madeleine. Et euh, un mec qui est payé à, 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 à s'occuper de la grotte, là, je ne sais, sais plus où ça se trouve, là, dans le sud de la France, euh, où, où soi-disant Marie-Madeleine serait venue mourir. Il euh, euh, y a son crâne et tout, enfin, bon, il voilà, y a des reliques, c'est merveilleux. Euh, c'est génial, ils ont un crâne, mais ils, du, du, un crâne donc effectivement d'une femme qui, qui, effectivement au point de vue génétique, euh, viendrait du Moyen-Orient. Et ils sont persuadés, ça peut être que la femme de Jésus. Ça, c est, c est, c est peut être, forcément c'est Marie Madeleine, ça peut pas être une no name euh, Voilà, bref, c'est absolument réalité. Nous, on reconnaît pas les, les, les reliques. Bref, que euh, ouais, enfin, vraiment... Une grosse différence entre les deux religions. Oui, non, non, mais je suis d'accord. <laughs> mais en attendant. <laughs> Euh, en, en attendant, le, 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 le mec était en train d'expliquer que. Euh, pourquoi est-ce que je parlais de ça euh, Oui, il y avait une, une vidéo de, de, de donc de Paul Adrien sur sur Marie Madeleine, et, euh, et c'est absolument fascinant de voir que euh, sur des sur des sur des sur des trucs, mais c'est tellement ténu que c'est tellement ridicule, les mecs construisent des enfin, tout... Mais en fait tu te rends compte que toute la Bible est construite sur des trucs qui sont ténus comme ça. c'est enfin, absurde. Ça, 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 c'est Je sais que tu as une révélation et que de tout ce que je pourrais dire on ne pourra pas te convaincre mais, mais... Enfin, ça tient pas de il y a rien qui tient de bout dans cette histoire. Rien du tout.

Voilà, donc je pensais que la Bible c'était un tissu de conneries, et donc je, je cherchais tous les biais de confirmation euh, qui me permettaient de, euh, de, de renforcer. Euh, ce, mais ça, c'est ce ta façon de fonctionner, et tu oui, comptes. Continue... Non, non, aussi, tu non, aller... non. Tu lu, mais non, ne fais pas de généralité comme ça. Je ne fonctionne pas comme ça. La plupart des clair, gens pardon. fonctionnent comme ça, mais il y a déjà combien, combien de livres de pasteurs protestants tu as lu ça n'a aucun rapport. Zéro. Ça n'a aucun rapport. Bah si. Prouve-moi que tu as fait la démarche scientifique dans ce domaine, comme dans les autres. Mais il n'y a pas de démarche. Lu... Il, ne peut pas si. y... non. il ne peut pas y avoir de démarche scientifique à propos de la métaphysique. Ça n'a aucun sens. Non, je suis désolé. Ça n'a aucun sens, ce que tu es en train de dire. Toi, tu dis, je passais mon temps à faire des biais de confirmation. C'est exactement ce que tu fais avec ton obsession chinoise. Tu n'as pas changé. Pas tu, tu ne fais. C'est l'exception Je, je, suis... je n'en ai jamais parlé. Je suis, dés... avant je suis... 2020. Je suis. Je suis... Donc, je... Je... Je ça, ce n'est pas factuel. Tu vois, par exemple, Pardon. je n'ai pas d'obsession chinoise. Ce n'est pas factuel. Je n'en ai... ai jamais parlé avant 2020. Ensuite, j'en ai parlé parce que la Chine a envoyé un virus qui a tué 100 000 Français. Donc, excuse-moi de m'y intéresser. Je suis patriote. Je veux savoir pourquoi ils nous ont envoyé cette merde. Mais ensuite, tu sur la vie Mais il n'y a jamais eu aucune preuve que c'était un truc volontaire. Bordel de merde. C'est absolument incroyable. Oui, mais, mais, mais non. Mais non ce ce que tu appelles des preuves, je... tout à l'heure. Tu... non, Je suis journaliste. Que tu n'es pas. Pardon. A priori. non. Donc, tu n'es pas journaliste. Je, Donc, suis moi, je sais mon métier, 17 ans, j'enquête sur tout un tas de sujets. C'est un, un, un argument d'autorité qui ne tient pas, puisque non, la plupart des gens n'arrivent ah, pas aux mêmes conclusions que toi. C'est ça, tout comme euh, la dérive des continents n'a pas été crue pendant un siècle ou 50 ans. What Et alors, oui, la dérive des continents a été niée par la totalité de la communauté scientifique. Pendant un demi-siècle. Et il y a plein d'exemples de choses. Les aérolites, par exemple, on n'y croyait pas non plus. Euh, les pierres qui tombent du ciel. Jusqu'à ce que euh, des pierres tombent du ciel euh, sur la tête d'un scientifique qui faisait partie de l'Académie la, ouais. de des sciences. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Et, 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 et qu'est-ce qui s'est passé Donc ça veut dire. Le et qu'est-ce qui s'est passé Et qu'est-ce qui s'est passé ben, Ils ont changé. Voilà. Ah, au bout de 50 ans, oui, au bout de 50 oui, ans, oui, là ça oui, fait oui, 3 ans. Ils ont il y a eu l'attaque biologique. OK, qui... ça fait ça fait 3000, ça fait ça fait ans. Ça fait, 000, ça fait, 000, ça fait, ans, ça fait ans que les croyants n'ont pas changé. Mais tu parlais de mon obsession de la Chine. Donc tu peux changer de sujet, mais là non, je suis sur l'obsession de la Chine. Ah non. Ah, non, non tu... pardon, tu as dévié. C'est pas toi qui as parlé de mon obsession de la Chine je, Non, je dis simplement que ta façon d'analyser les choses reste celle d'un croyant, je suis désolé. C'est-à-dire ah, qu -ce que tu considères qu'il y a un faisceau d'indices et que ce faisceau d'indices constitue des preuves Non du tout bah c'est ce, ce que tu as dit tout à l'heure par rapport, euh, par rapport à, à, à justement le fait que ce soit la Chine qui soit responsable de nous avoir en ouais, balancé là, des... parle, là, 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 oui mais j'ai parlé parce que j'ai si tu veux sur une scène de crime quand tu as un indice c'est une chose mais quand tu en as 100 c'est pas la même chose es d'accord tu peux conclure au bout d'un moment que un tel a tué euh, un tel parce qu'il y, y a ces empreintes digitales il y a un mobile il y a etc donc moi j'ai tout dans cette enquête ce pas parce qu'elle n'est pas reconnue par les. Ce ne sont autorités. pas des indices. Une, preuve, une, une empreinte digitale, c'est une preuve. Oui, et donc. Une empreinte génétique, c'est une preuve. Parce qu'il ne peut pas y avoir là. de contestation. Donc, soit ouais, mais là, soit je fais un exposé d'une heure et demie sur toutes les preuves. Non, que trouvées, je, suis désolé, preuves. je suis désolé, tu confonds indice et preuve. Je ne suis pas d'accord, ce pas la même chose. Tu ne sais pas de quoi je vais parler. Si tu me laisses présenter. Ce n'est pas mon but aujourd'hui, mais simplement tu conclus avant d'avoir pris connaissance de mes preuves, de ce que moi j'appelle preuves. T'en donner une, si tu veux, une seule. Mmh. Mais le Délimel, le 8 mai 2021, euh, a démontré par des documents de l'Armée populaire de libération euh, chinoise que dès 2015, ils avaient l'intention de déclencher la troisième guerre mondiale avec un coronavirus. C'est les documents de l'armée populaire de libération, c'est dans le daily mail, le 8 mai 2021, tout le monde peut vérifier. Dans ces termes-là, dans ces termes, -là, ces termes précis. Bah, tu m'enverras les liens. Bah, tu cherches, tu tapes ces mots-clés, tu vas les trouver facilement, en anglais, évidemment, puisque c'est dans le daily mail. C'est le, le journal le plus euh, connu au monde, le plus visité au monde. Voilà, le daily mail. Et c'est pas un journal complotiste. Donc, euh, simplement, okay. ça dérange le gouvernement français, euh, mes révélations, parce que le P4 de Wuhan, c'est la France qui l'a transmis. Contre l'avis de la communauté du renseignement, euh, de, du ministère de l'État. Apparemment, il y avait aussi des Américains qui travaillaient dans ce P4. Après 2017. Mais avant 2017, c'était les Français. On a transmis ça contre l'avis des Américains. Les Américains et... sont arrivés après. Donc, les, donc la... les Américains travaillaient dans ce laboratoire P4 avant le déclenchement du col de la Covid-19. Des Américains, déjà. Et contre l'avis de leur propre gouvernement. C'est pas la question. C'est sans le financement. C'est pas la bah, question. Non. Bah non. ils faisaient ça en douce. C'était pas officiel. Alors, qu'est-ce qui t'empêche ce qui oui, de... Qu'est-ce qu qui t'empêche qu de penser que ces Américains étaient des agents, euh, par exemple, de la CIA. Non, tu sais pas, ce que je dis voilà, ouais. qui ont. Non pas de la CIA, mais, mais Fauci. Non, 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 non. non, 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 la non vac, laisse, -moi laisse -moi finir, laisse-moi finir ma théorie. Ouais. Des agents américains envoyés par le gouvernement américain pour accuser la Chine. D'avoir balancé un, un virus. Ça, si tu veux, moi je pourrais y croire si la Chine le prétendait, mais même vu que même la Chine ne le prétend pas, il n'y a pas aucune raison d'y croire. D'accord. Ok. Par contre, on a des preuves que Fauci a participé euh, entre 2017, donc, qui est l'année où euh, l'interdiction, tu sais, le moratoire sur la recherche des gains de fonction est levé. Donc, Obama l'avait interdit de 2014 à 2017. En 2017, ça a été levé, donc on pouvait à nouveau en faire, mais plutôt à l'étranger, et c'est pour ça qu'ils se sont servis de la Chine. Donc, il y avait des gens comme Fauci, Peter Dazak. Ils ont demandé des financements à la DARPA, qui leur a refusé, parce que c'était considéré comme trop dangereux. Donc, DARPA, c'est le ministère mmh. de la Défense américain. Ils l'ont refusé, donc ils l'ont fait en douce. Et Dazak, c'est celui qui est proche de l'OMS aussi, et qui et qu a mandaté pour aller faire l'enquête, <laughs> c'est-à-dire pour s'accuser lui-même. Et c'est le. Donc évidemment, il a dit euh, circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est le même qui a fait un article dans le Lancet, c'est là où la presse scientifique est corrompue, là aussi. Il ne faut pas euh, se cacher la vérité. Il a écrit un article euh, disant, donc en février 2020, en disant, tous ceux qui prétendent que ça vient d'un laboratoire sont complotistes. Et à partir de ça... Des Rudy Reichstadt, fondation Jean-Jaurès et autres, les, ceux qu'on connaît bien. Attention, attention, basés... attention. Il a dit ceux qui disent que ça sort d'un laboratoire ou que ceux qui disent que ça a été modifié dans un laboratoire. Que ça sort d'un laboratoire. La, le, son papier, c'était est-ce est que euh, le truc sort d'un laboratoire ou bien est-ce que c'est naturel? Tu ah, d'accord, d'accord. c'est ça le débat à l'époque. Oh, okay. Donc, donc pour toi, le, le, le fait de dire sort d'un laboratoire, ça implique forcément une manipulation euh, humaine. En fait, moi, je ne rentre même pas dans. Ce non, débat non, 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 mm. réponds à ma question. Tu dis que ça sort d'un laboratoire. Quand tu dis ça sort d'un laboratoire, ouais, ça, ça veut dire qu'on qu a collecté un virus, qu'on l'étudie et que suite à une mauvaise manip ou une attention malveillante, on l'a fait sortir. Dans le, à l'extérieur et on l'a répandu ou ça sous-entend que ça c'est arrivé après une manipulation humaine en lui ajoutant je sais pas des brins d'ADN de, de, et tout ça pour le rendre plus létal ou plus euh, voilà qu'est-ce que tu entends exactement par ça sort d'un laboratoire ah ben, Ça ne veut rien dire. Justement, c'est pour ça que je ne m'appuie pas là-dessus, moi, pour ma démonstration. C'est-à-dire qu'il peut sortir d'un laboratoire tu, un tu virus. Puis, là ouais. Tu t'appuies là-dessus en disant ce type qui devait enquêter pour savoir a dit de circuler, il n'y a rien à voir, ça, ça ne sort pas d'un laboratoire. Et tu es en train de ouais. me dire, euh, pourquoi tu fais référence à ça si ça ne rentre pas en ligne de compte Je comprends Parce pas. Parce que c'est un autre volet. C'est un autre volet de l'aspect de Peter Dazak qui a participé avec bon. les Chinois okay. à ce gain de fonction. Mais je ne m'appuie même pas là-dessus, moi, pour démontrer ce que je dis. Donc, montré. tu dis gain de okay. fonction, donc manipulation humaine. Le bah, gain de fonction, c'est démontré maintenant. Montagnier en a parlé, mais... Ah oh, non, okay. Alors, stop. ok, alors, stop. Voilà. Bah, c'est ce que vient de confirmer... Non non non, 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 ok, c'est bon. Non, non, euh, mais non, non la référence dire? Montagnier, c'est bon. On arrête la discussion. Ah. C'est une espèce de vieux monsieur gâteux euh, qui, qui, qui comprenait déjà même pas exactement ce que c'était le VIH. C est, c est... Non, il faut arrêter. OK, bon, bah on va s'arrêter là. On va là mais mais, 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 ça... oui, mais ouais, j'en ai rien à foutre. J'en ai, ai, ri... ah bah voilà. ai rien à foutre. D'abord, son prix Nobel, ah bah ouais. c'est son équipe qui le méritait. Et en fait, c'était juste parce qu'il était le directeur de recherche. Lui, il n'a pas vraiment euh, travaillé sur le truc. Il, il, il maîtrisait le truc pas vraiment il a eu son prix nobel parce que c'est lui qui a signé le papier parce que c'est lui qui était le directeur de recherche. ça c'est déjà la première chose. ensuite la deuxième chose c'est que montagnier ensuite il a complètement perdu les pédales. il disait strictement n'importe quoi au point que l'académie de médecine plus des prix nobel plus etc. ont fait des papiers pour dire il faut que montagnier arrête d'ouvrir sa gueule parce qu'il dit des conneries. d'accord et ça c'était dès 2017 euh, même largement avant d'ailleurs. Euh, donc non montagnier n'est pas une référence et euh, l'argument d'autorité, c'est un prix Nobel, désolé, non. Ça ne fonctionne pas, Montagnier était un vieux monsieur qui racontait strictement n'importe quoi depuis au moins une dizaine d'années. Donc non, je ça, c'est vraiment le pire des arguments que tu pouvais utiliser. Désolé. Voilà. Donc oui, bon, euh, après on... toi mais c'est non 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 non, non 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 ouais, je, non 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 non, non non, non non, c'est non, je... c'est pas d'après moi, c'est d'après l'Académie de médecine. Euh, ouais, de, non, 200, 200, 200, 200, prix, 200 prix Nobel qui disent qu'il est victime du ah, syndrome Nobel. Là, Nobel ça va. Oui, non, prix mais Nobel, là, ce pas un. Voilà. Là, c'est pas un. C'est 200 prix Nobel, voilà. 200 prix Nobel ouais. dont des prix Nobel ouais. de médecine, ouais. qui disent. Ça, tu penses que je, je, je suis 200 désir... prix Nobel ne peuvent pas se tromper Si, 200. P... Penses... Ce, ce, voilà. Mais alors, 200, se... 200 prix Nobel peuvent se tromper. Absolument. Et non, bah, là, non, mais c est c est tout vrai. à fait. Effectivement, il peut y avoir un mec qui a raison contre 200. Ce voilà. Quand c'est Quand c'est qu y a des pressions. Quand, quand y a... Y a... Non, non, mais arrête, euh... arrête, non, arrête. Je suis désolé, je suis désolé, ça, ça c'est de la pensée complotiste. T'es en plein. Non, je suis désolé. L'Académie de médecine... tu pars du principe... principe. Non, pardon, tu pars du principe qu'à partir du moment où ça ne rentre pas dans ton narratif, tout le monde est corrompu. Dans Il y a des pressions, on est corrompu, etc. Ça tient pas debout. Je suis désolé. Je ne dis pas ça, je dis que ça existe. Tu nie qu'il y ait des pressions politiques et financières sur les scientifiques tu vis dans quelle réalité C'est faux. D'accord. Donc ce sont exactement les mêmes, quelle que soit la nationalité et la spécialité des prix Nobel qui s'expriment. Donc t'as 200 prix a... Nobel, t'as 200 prix Nobel qui sont partout dans le monde. Et ils subissent les mêmes ouais. pressions de, de tout le monde. Bah, Figure-toi que le, le, la pensée dominante, elle est dominante partout non, dans le monde. Non, elle n'est pas la même partout. Par exemple, en Inde, euh, en Inde, des gens ont dû retirer leur papier qui disait la même chose que Montagné. C'était l'Inde, et, et pourtant il avait rien à voir avec la France. Oui, ils ont, dû, ils ont dû retirer leur papier parce que scientifiquement, ça ne tombait, ça ne tienne, ça ne tenait pas. C'est super simple, en fait. Si c'est publié dans des revues où en fait tu payes pour avoir ton article, que c'est un article qui n'est pas revu par les pairs, je suis désolé, le consensus scientifique dit c'est de la merde. Donc tu retires ton papier, c'est tout. Donc euh, Dazak, puisqu'on parlait de lui, a retiré son papier aussi dans lequel il disait, comme ça vient d'un labo, euh, ceux qui disent que ça vient d'un labo, c'est complotiste. Et là-dessus, se sont basés euh, ben, Rudi Reichstadt et ses copains pour dire, voilà, tous ceux qui pensent ça sont complotistes. Bon. Et aujourd'hui, on, on sait que c'est faux. Et ils n'ont toujours pas fait de mea culpa. C'est okay. gênant. Bien sûr. Alors, bon. Euh... Sûr, on, va, en fait, on va on va on va on va on va se reconstruire. Tu, euh, tu, tu as creusé le sujet parce que là c'est un fait à partir du moment je suis désolé à partir du moment où tu prends pour référence Montagnier tu euh, t'es mal prends pas pour référence Montagnier Mais je tu dit que c'est un acteur incontournable de ce sujet parce que le 17 avril 2020 il a pris la parole sur CNews et il a et dit que, continue moment, il a continué à dire des conneries voilà c'est tout et, et suite. Suite à ça, il a été lynché comme l'avait été oui. Galilée sous les. Oh, la différence, que... c'est que Galilée avait raison, d'accord. Ouais. Et tu as décidé que avait tort. Non, mais, mais tu es en train ouais. de dire que, que la science se comporte comme l'Église catholique. Il faut arrêter les conneries, oui. quoi. Non, ça n'a aucun rapport il y a eu un lynchage intégral de cet homme oui. pour ce qu'il a dit. Oui, parce que c'était de la connerie et c'était irresponsable. Non. Parce que ça a mis il la panique. Avoir... Je suis désolé. Un mec qui t'explique qu'il faut se méfier des vaccins, c'est une catastrophe. Tu cautionnes le lynchage. Je suis désolé. Il doit y avoir.. En non, science, non, 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 tu appelles, appelles ça un lynchage. Oui, moi, j'appelle oui. ça un barrage de sauvegarde. Voilà, oui, quand, un, quand un grand scientifique vrai, utilise son autorité et son aura pour dire une stupidité qui va foutre le bordel, euh, alors qu'on est en pleine pandémie, qui va faire paniquer les gens, euh, qui va pousser le mouvement anti-vax, euh, mouvement qui va causer des morts et des catastrophes, oui, il faut lui dire de fermer sa gueule. Oui, ça me pose strictement aucun la... problème. C'est pas de la censure. Pas de la science ça. Mais c'est lui qui ne faisait pas là, de science. Vois... C'est lui qui ne faisait pas de science et tu viens exactement de dire le contraire de ce que tu disais tout à l'heure parce que la science fonctionne sur le consensus. Quand tu as 200 mecs qui sont comp... qui sont compétents dans un domaine qui disent ce mec là dit de la merde, eh ben la science, le consensus scientifique et la façon dont fonctionne le, le processus scientifique veut que a priori on fasse confiance aux 200 mecs qui disent il dit de la merde. Et surtout quand ces 200-là Disent, toi qui affirmes ça, est-ce que tu as des preuves scientifiques à nous apporter qui permettraient qu'on change d'avis Et le mec répond Vous êtes trop con pour comprendre. Donc, non, ça ne marche pas. Ouais, C'est ce qu'il a dit, Montagnier c'était ce, que, c était, c était ce qui est, bien ce qui était sous-entendu dans sa, dans, dans sa réponse ah, ou sur, sur ton d'accord euh, d'accord ok on, on, euh, remarquera, on remarquera on ouais. remarquera une seule chose tu remarqueras une seule chose toi qui te, te basais sur l'épreuve c'est que au lieu de répondre en publiant un article scientifique qui apportait les, la démonstration factuelle scientifique de ce qu'il avançait il a rien publié pourquoi alors il y a le docteur Limenian qui a. Non les non les non ne me de... parle pas de Limenian on est en train de parler de Montagnier. Oui, elle a démontré la même chose que ce que disait Montagnier donc. D'accord donc c'est une et donc est-ce que son papier a été retenu? Ben, il me semble elle en a fait deux après le, le pré-print et le print et je sais pas quoi après tu vas mettre en question peut-être le papier le, la revue dans laquelle c'est c'est paru. Bah oui oui c'était science... dans quelle revue? Voilà le problème. C'était la... dans quelle pas, revue tu... tu sais pas? Oui, là, je, fait, je, croyais que, je croyais que, que tu étais journaliste et que tu connaissais ça par cœur. Et que tu vérifiais tes ouais, sources. Je suis un robot. Mais là, ce n'était pas le sujet. Ce matin, on devait parler de libre-arbitre. D'accord. Okay, okay, okay. Moi, je m'étais préparé pour ça. Bon, d'accord. Euh, simplement... ben, on a essayé de parler de libre-arbitre. Mais effectivement, le problème, c'est que le libre-arbitre, on peut le juger par rapport à... Un, à un... Comment, comment juger qu'on a son libre-arbitre ou pas Ça, c'est une bonne question. Mais je pense, que, je pense que notre conversation a déjà assez duré. Il est, il est déjà 20h et des patates. Hein. Ça, ça fait quand même une heure et demie que que nous devisons. Euh... Ouais, mais oui, mais c'était intéressant. Oui, oui, tout à fait. Je, mais je pas remarque, je pas je pas remarque que euh, tu perds quand même tes moyens sur un sujet. Je ne perds aucun sans moyens. Moyens. Non, je ne perds absolument pas ah, si, Non. Tu as complètement perdu tes moyens sur Montagné. On mais dit non. un mot comme Galilée sous l'Église catholique. Non, c'était le même, euh, euh, si tu veux, truc de Pavlov. J'ai dit un mot, c'est comme, es comme si tu si, si étais en train de me dire, Aristote avait raison sur la euh, théorie de la gravitation. C'est aussi stupide. Sauf qu'on n'a pas le recul qu'on a pour Aristote, et que les effets secondaires du vaccin, euh, tu ne les connais pas, parce qu'il n'y a pas eu d'études précises. Et là, ce qui sort, ce que je constate, c'est que tous les gens qui étaient anti euh, contre ce vaccin expliquaient que ouais. Montagnier a bien dit que tout le monde allait mourir dans les deux ans. Ça, c'est. un je ne sais pas qu'il a eu raison sur tout. Hein. Ah, je n'ai jamais dit ça. Bah ça. Voilà. Mais oui. Mais qui a raison sur tout toi Mais évidemment. Non, mais bien ouais. sûr Personne a raison oh, le parce parce on Montagnier, il on pauvre Montagnier on n'aurait pas dû lui dire ferme ta gueule quand il a dit ce genre de conneries voilà mais ceux qui disent ferme ta gueule à Montagnier aujourd'hui euh, ils sont à des places euh, qu'ils ont acquises non, certainement grâce au gouvernement arrête. généralement Arrête. arrête. Non. parce que Raoult lui il est bien à la place à laquelle il est tu vas pas défendre Raoult parce que lui ça a été lui le, celui qui a le plus critiqué Montagnier c'était Raoult donc tu es de son côté aujourd'hui mais ça ne veut pas dire pour autant que tu cautionnes tout ce qu'il a dit, n'est-ce pas Donc c'est un faux procès, en fait. D'accord. OK. Parce que moi, Raoul, je le critique pour d'autres raisons. Et est... on, discutera une... est... on discutera une autre fois sur les points précis sur lesquels Montagnier avait raison. Ah ben moi, je vais parler que d'une seule chose hein. c'est l'origine euh, du laboratoire, c'est-à-dire modifié. Et il a, en et hein. il a été prouvé par la a communauté. D'accord Quand tu dis qu'il sort d'un laboratoire, c'est est-ce qu'il y a eu manipulation de la part des humains pour modifier le virus Est-ce que ça... C'est là où c'est... un peu différent de mes autres enquêtes. Attends, je te réponds. Mais c'est que d'après mes enquêtes, euh, je n'en ai pas la certitude. Voilà, C'est là où j'ai un léger doute, mais je dirais à 99%, euh, je pense que c'est un gain de fonction d'après mes enquêtes. Mais je n'en ai pas... Très bien. Je ne peux pas te dire, j'ai des preuves. Pour l'instant, voilà. la communauté scientifique estime qu'il n'y a pas eu de manipulation. Voilà. Fin du, fin du débat. Bon, alors, alors ça. Et elle change la communauté scientifique. Oui, parce qu'elle a des enjeux Elle, elle change. Elle changera quand il y aura des quand il y aura des preuves qui effectivement factuelles scientifiques. Et la Chine empêche les enquêtes. Oh, C'est ça qu'il faut ah. voir. C'est qu'il y a un contexte politique. Mais on l'a le puis, virus. On l'a le tu virus. Peux pas. On l'a le non, virus. Regarde. En examinant le. En... Ils ont refusé de transmettre la séquence originale, la souche originale. On l'a pas. Ils l'ont jamais euh, transmise, ils ont supprimé des bases de données qui la contenaient, euh, ils interdisent les enquêtes sur place, et ils envoient leur affidé Peter Dazak pour aller faire cette pseudo enquête. Et l'OMS couvre. C'est là où, euh, après, moi je suis complotiste, bien sûr, tout ce que tu veux. Mais les faits, c'est les faits. Mais, donc, donc, euh... donc, alors, sur quoi travaillait Raoult? Sur, sur quoi ont travaillé les gens qui ont fait le vaccin? Il te faut bien une souche pour Raouf, travailler. Il te, te faut bien hein, une souche pour travailler sur le vaccin. Ah, ben ça, c'est toute la question après des vaccins ARN. Je, je, croyais, que les, je croyais que les vaccins ARN avaient été euh, fabriqués par Pasteur. Moderna. Donc Moderna est le premier. Donc à avoir fait Moderna, ça, ça, pardon, Moderna, ça appartient à la Chine Indirectement, oui, parce que c'est euh, Biomérieux. Euh, ça vient de. Bo Bancel, c'était l'ancien patron de Biomérieux. et Merieux, il a reçu la médaille de l'amitié du Parti communiste chinois en 2018. Or, on découvre que le vaccin Moderna, ils y travaillaient en 2019 déjà, avant donc le lancement du virus. Ce n'est pas, pas ce que dit hold Up. Mais moi, je suis pas Holdup, je hein. m'en fous Holdup, hold up, ils cautionnent eux aussi euh, la Chine, ils la dédouanent de toute responsabilité. Et donc, moi, je suis pas du tout sur leur position. Toi, tu défends Holdup non 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 je dis simplement que c'est d'un côté la communauté scientifique a un scénario et que vous comme les platistes vous avez 36 000 scénarios différents j'ai aucun rapport avec Hold Up. moi je les ai dénoncés dès leur sortie ce, ce documentaire débile dont a fait partie d'ailleurs Philippe Douste-Blazy proche de Raoult qui est au, au, à l'institut euh, universitaire de Marseille euh, et qui est aussi à la fondation franchine. moi je les ai dénoncés ces gens là dès le début parce qu'ils refusaient euh, de dire que la Chine était coupable, responsable et coupable. Ils l'ont toujours dédouané, ils ont mis ça sur le dos des Américains. Donc là pour toi, il y a eu évidemment comme tu pars du principe que à 90%, tu penses qu'il y a eu manipulation et que c'est la Chine qui a fait exprès. OK, d'accord. Bon, donc, euh, sur ce, on, on va, va, on on va, va, va s'arrêter là Chine. parce que je suis pas On est sur une chaîne, enfin c'était c'était pas bon, d'esprit critique, mais bon. on peut parler musique aussi. Moi, je peux te parler de Jean-Sébastien Bach et comment il a révolutionné la musique et que c'était un protestant. Mais tu vas me dire ah non, ça n'a rien à voir. Et puis on peut parler aussi des États-Unis puisque c'était le, le sujet et que tout vient de là-bas quasiment ou d'Angleterre et que ce sont deux pays protestants. Mais tu vas me dire mais non, mais ça n'a rien à voir. Et à chaque fois tu vas nier les faits parce que ça ne va pas dans ton sens. Mais euh, les musiques en général, les plus créatives, les plus innovantes, ces dernières années. Et puis le compositeur de musique Mozart, le plus influent. Mozart était quoi? Il n'est pas reconnu par les experts comme étant le plus grand compositeur de musique. C'est Bach qui est reconnu, et y compris par Mozart. Mozart reconnaissait que Bach était infiniment supérieur à lui et qu'il avait posé les bases, en fait, parce que Mozart, euh, Bach, c'est euh, un siècle avant Mozart. Hein, ou pas un siècle, mais Tant 50 mais ans au moins avant Mozart. Que... Je n'ai pas besoin d'être euh, convaincu que Bach était un hyper génie musical. Euh, voilà. Euh, encore, oui, mais tu encore, vas dire encore... ça n'a aucun rapport avec le protestantisme. Mais, ah, ça n'a aucun rapport avec le protestantisme. Voilà. <laughs> et il était protestant, mais ça doit être un hasard. Et que Magnus Carlsen soit le, le, le joueur d'échecs le plus important de toute l'histoire des échecs, selon son classement Elo, et qui vienne d'un petit pays qui s'appelle la Norvège et qui a été quatre siècles protestant. Pour toi, ça n'aura aucun rapport non plus. Non. Tu diras, bah, c'est le hasard. Non, c'est pas le hasard. Non, 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 non ça s'appelle la, la sélection naturelle. Bah, donc, elle fait bien les choses, parce qu'à chaque fois, c'est des protestants ou, ou des gens issus de de protestantes. Quasiment. Ou alors des des juifs voilà. c'est marrant. C'est soit des juifs. Alors tu, tu remarqueras que la Bible, c'est la Torah, la partie juive, et la partie... no, la partie. no, 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 De go no, mmh. pas, pas un jeu universel. Les échecs sont un échecs universel. un échecs universel. un non, universel. Non 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 oh, non. un jeu stop. stop, stop. Cet argument-là ne tient pas. C'est pas parce qu'un jeu a eu du succès, comme le football, qui par exemple, c'est comme dire par définition, comme le football est plus populaire que le rugby, c'est un, euh, un jeu qui est supérieur. C'est idiot. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun rapport. Alors qui est le champion du jeu de goût Allez, Jean, on va aller dans ton sens. Bah, là, tu, 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 peux, tu peux chercher, mais depuis un siècle et demi, c'est soit des Coréens, soit des Japonais. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est culturel. Et pourtant, ouais, et donc, ils ne sont pas protestants. Ah oui? -ce que, tu, tu connais le taux de protestantisme en Corée du Sud? C'est un des plus élevés sur Terre. Par oui, habitant. oui, mais pas, pas depuis 150 ans. Bah, je ne sais pas, quelles sont tes, tes sources là? Parce que je vois le champion effectivement actuel, c'est un Sud-Coréen. Mmh. Euh, et donc, en, en Corée du Sud, en effet, il y a. Euh, un taux très important de, de protestants, ce qui explique Et Il y, développement... y a aussi énormément de sectes. Et en particulier ouais, évangéliques. Ce n'est pas les protestants euh, qui, qui, qui peuvent te plaire. Tu vois Parce qu'il y a des temples ouais. évangéliques euh, à euh, 10 000 personnes et trois messes par jour. Donc, je suis désolé, mais ce n'est pas, pas du calvinisme que, que tu penses être la religion supérieure. Il y a beaucoup de calvinistes. Et. et... En mais c'est pas la question, mes euh... gens, mais, mais c'est même pas question, du biais hein. de confirmation, c'est une obsession de confirmation, c'est quoi ce délire Il y a des gens intelligents, fait, mais, mais des... non, il y a des gens intelligents, il y a des gens intelligents et qui sont doués pour des tas de trucs. Il y a eu toute une période où les gens qui dominaient les échecs dans le monde, c'était les Russes, des athées. Ouais. Euh, on aurait eu cette conversation il y a 30 ans, t'aurais pas pu avoir cet argument Oui, et donc, aujourd'hui, tu te fous de ma gueule. <coughs> tu es en train de dire le plus tous... grand champion du monde d'échecs actuel euh, vient d'un pays protestant. À quoi je te répondrais oui. À quoi j'aurais pu te répondre il y a 30 ans Le plus grand champion d'échecs actuel est un athée. C'est débile Non, parce que là, je n'ai pas parlé simplement du champion actuel j'ai parlé de toute l'histoire des échecs. Mais parce que mais bien sûr, mais le classement Elo, ça fait combien de temps qu'il est en place Ça c'est déjà la première chose. Deuxième chose, deux si... non, pas depuis des siècles. Euh, le classement Elo tel qu'il est euh, appliqué maintenant, ça fait pas des siècles, non. Allez le chat oh, au <laughs> <laughs> travail. Depuis combien Moi non plus, je sais pas, mais je découvre. <laughs> euh, 1960. Donc tu vois, ça fait pas des siècles. Le classement Elo, c'est 1960. Okay. Donc, tu vois, tu balances des chiffres, ouais, aucun ouais, rapport, mettons, ça, ça, ça fait 60 ça fait, ça fait ans, donc c'est ridicule. Non, ben déjà non mais c'est ridicule, depuis 60 ans, très bien, il y a eu pas mal de joueurs d'échecs, du... mais c'est c'est, pas la question, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un, un classement qui se met en place et que tu as une pratique qui devient plus systématique avec des fédérations qui cherchent des joueurs avec de l'entraînement et des choses comme ça. Tu prends un joueur de tennis des années 80. C'est comme si tu me disais, on va comparer les performances et les capacités de pilotage euh, enfin ou de, ou de joueurs euh, d'un Djokovic ou de, enfin, des, des, des derniers grands champions de, de tennis de ces 15 dernières années avec les mecs qui jouaient dans les années 80, avec Lendl, Connors, et voilà, etc., qui étaient très doués, ils dominaient leur, leur truc. Mais en face des joueurs actuels, tu prends le, 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 le Connors des années 80, tu le mets en face de Djokovic, je m'attends, il se fait rétamer la gueule. Parce que, meilleur entraînement. Euh, systématisation de, 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 de la détection des gens qui sont doués, professionnalisation, etc. Ça a plus rien à voir. Et c'est exactement la même chose dans le foot, c'est la même chose dans la F1. Tu mets Fangio euh, au pic de ses capacités, tu regardes Fangio, ce que c'était l'athlète Fangio. Voilà. Tu prends n'importe quel pilote de F1 maintenant, tu regardes le physique des mecs et tu compares à celui de Fangio qui est un espèce de petit gros. Alors peut-être qu'il pilotait très bien, mais tu le mets dans une F1, Fangio, il ne fait pas un tour. C'est impossible. Okay. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des échecs. C'est que là, il n'y a pas mais... très peu de phénomènes euh, d'apprentissage. Tu te euh, fous de ma gueule. De de, dans, les très peu. Dans, les dans les clubs, mais tu te fous de ma gueule Les mecs ne font que non, ça. Sinon. Quand ils se non, profitent, quand, moyens, quand ils, ils commencent. Ouais. Mais, mais non, puisque c'est. Le classement un... Halo moyen augmente Mais champions. non, puisque euh, euh, c'est un rapport ouais. des uns aux autres. Il y a un mec qui peut sortir et avoir des meilleurs scores que tout le monde. Mais il y a toujours un plus mauvais. Le plus mauvais, il a toujours le même score hello Le score Hello, c'est par rapport à ce que tu fais par rapport aux autres. Non, je suis pas sûr de ça. Est euh, si, le classement si, Elo si. attribué aux joueurs suivant ses performances passées, un nombre de points. Voilà, tel que Deux merci. joueurs de même force et le même nombre de points. Voilà. Plus le joueur est performant et plus son nombre de points Elo est élevé. Oui, mais donc c'est pas c'est pas ce que tu dis. Mais si. si c'est relatif. Suivant... C'est relatif. Pourquoi on compare alors les joueurs euh, à travers les âges Mais euh, c'est une connerie. C'est une connerie. C'est une connerie. Voilà. Mais, Donc, tu raison, mais tu as raison. Mais tu as raison. tu as raison. Tu as raison. Tu prends un gamin de 15 ans de maintenant et tu le, tu le balances au 18e siècle. Il est le plus grand joueur d'échecs de l'époque. Il y a même pas de comparaison. Il domine tout le monde. Il tue tout le monde. Parce qu'à 15 ans, les mecs qui sont doués pour les échecs et qui vont au club d'échecs et qui jouent aux échecs, ils connaissent un nombre de parties en particulier avec, la, avec le, la possibilité de jouer des, des, des parties en ligne, et on a exactement vu le même phénomène avec le poker. Quand tu joues au poker avec des gens, tu peux faire quoi 50, 60 parties dans une soirée. En ligne, tu peux en faire 500, 600. Tu multiplies par 10 ta capacité à intégrer de l'expérience et de, et de l'intelligence. C'est pareil pour les échecs. Donc non, je suis désolé, ton argument ne tient pas. Non. C'est parce que tu relativises tout ce qui ne va pas dans ton sens. C'est ça que tu veux pas. Mais c'est toi, toi, toi qui refuses de, décider, de relativiser. Tu mais as décidé que. Je refuse de relativiser. Mais tu refuses de relativiser. Mais, mais... Oui, tu refuses de relativiser. Eh ben, c'est une erreur. Tu fais pas eh ben oui. Il y a des faits. Non. Et, et quand non, toi, on alors tu relativises pas. Tu fais du cherry picking. Tu choisis. Si. Je suis désolé. comment il y a eu non mais la musique classique, c'est pas du cherry picking. Il y a eu ce n'est qu de qu'une oui. opinion. Ce ah n'est bon, qu'une opinion. Ce n'est qu'une opinion. Il y a un consensus sur effectivement. Mais voilà. Il y a un consensus sur les spécialistes de consensus. la musique classique qui disent que ouais. Bach était, a été le plus grand compositeur de la musique classique. Après, ah ouais. il y a des gens qui vont dire ouais, oui, ouais. oui, mais tu peux pas comparer la musique. Euh, du, du, du 17e à celle du 18e et à celle du 19e déjà parce qu'il n'y avait pas exactement les mêmes instruments euh, de la même manière que euh, tu peux pas mesurer euh, un, un tu, 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 tu ne peux mesurer un génie que par une seule chose c'est la persistance de sa, de, de son oeuvre hein, les artistes la persistance de son œuvre à travers les âges on sait que Molière est un auteur oui. majeur parce qu'on continue à jouer du Molière. On sait que Shakespeare est un auteur majeur parce qu'on continue à jouer du Shakespeare. Mais Bach, il y a eu une période pendant 150, presque 200, enfin, presque 300 ans, il est tombé complètement dans l'oubli. On l'a redécouvert au oui. début du XXe siècle et tout d'un coup, putain, mais ce mec est un génie. Comment on a fait pour oublier ça Mais il a failli tomber dans l'oubli. Et donc. <laughs> Bah, C'est-à-dire qu'au début, si début, début du XXe siècle, au début du XXe siècle, enfin, fin du XIXe, tu parlais de Bach, un spécialiste de la musique, il t'aurait dit, qui ça Parce qu'il était pratiquement tombé dans l'oubli. Donc, le classement, c'est le plus grand, c'est extraordinairement relatif. Peut-être que dans deux siècles, le plus grand compositeur de la musique classique, je ne sais pas, Buxtehude Même période mais tu vois, on parle de Carlsen, tu me dis, il y a 30 ans, on aurait dit autre chose. Et là, je te parle de Bach, tu me dis, dans 200 ans, on dira autre chose. Donc à chaque fois, tu tu esquives, quand même, reconnais. Non, je t'explique qu'il n'y a pas de vérité absolue. Toi, tu viens absolument, tu, ah voilà, tu, tu, tiens, donc tu il tiens pas de vérité absolue. Eh ben, donc ça, c'est une chaque, vérité absolue. Chaque, voilà. chaque fois que tu assènes un truc en disant, c'est comme ça et c'est pas autrement, ben, je te prouve que ton argument ne tient pas debout. Désolé. C'est moi qui viens de te prouver qu'il y a une illog... euh, quelque chose d'illogique dans ce que tu viens de dire. Tu dis, il n'y a pas de vérité absolue. C'est une vérité absolue que tu viens de dire. Oui, d'accord, ok. Ah oui C'est la logique. Donc, euh, c'est important. Donc, pareil, vous venez de parler de musique. Euh, tu as, sur ta chaîne, fait l'apologie de musique venant des États-Unis, dont tu venais de dire, ah ben, c'est un pays que j'aime pas trop parce que machin. Donc là, c'est contradictoire aussi, non Zawinu, il était juif. Et il est devenu musulman. Et il venait d'Europe. De quoi Zawinoul. Le leader. Ouais. était d'origine viennoise. Mmh. Et euh, de... mais il vivait où Il est parti aux États-Unis, mais. Ah bah merci. Il est il est. Mais c'est pas la Il n'était pas de culture américaine Non. Et puis, on ne parlait pas de Zawinul en particulier, on parlait de, de, du style euh, qui est apparu le jazz, après le jazz fusion, après, euh, avant le blues. Enfin, tous ces styles de musique ultra révolutionnaires dont on bénéficie tous aujourd'hui, c'est comme Internet. Et à chaque fois, tu me dis non, 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 à chaque fois. Et puis, c'est le mais est ça seul aucun sur la liste, non, non, aucun au rapport, voilà. Mais ça n'a aucun, aucun rapport. Rap c'est à chaque fois les États-Unis, mais... mais ça n'a aucun rapport. C'est marrant. Mais ce qui a fait le succès, c'est qu'il y a eu des juifs pour vendre cette musique, mais il y a eu des gens absolument extraordinaires euh, aussi en Russie soviétique. Mais ils n'avaient pas le choix, c'était compliqué de s'exprimer. Se, il y a eu des gens formidables en Angleterre, il y a eu des gens formidables en France. Il se trouve simplement que, par exemple, un des plus grands jazzman qu'on ait eu, euh, qui s'appelle Jean-Luc Ponty, euh, qui était euh, violoniste, eh bien, il a eu son grand succès parce qu'il a joué avec Frank Zappa et ensuite il a fait carrière aux États-Unis, tout simplement parce que euh, tout ça. Okay, tout simplement parce qu'il y avait des gens là-bas qui savaient comment vendre sa musique. C'est n'est pas son talent. C'est pas l'Amérique qui a inventé le talent de, 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 de Jean-Luc Ponty. Et en plus, il, a, il lui a permis de, de s'exprimer, d'exprimer son talent, de le révéler même. C'est ça aussi le protestantisme, c'est-à-dire c'est la liberté d'expression. C'est les juifs qui l'ont produit. C'est des juifs Alors, qui l'ont produit. C'est des, des, des juifs qui l'ont produit. Et, 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 et bah, non, 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 mais les Voilà, Beatles sont anglais, ils ne sont pas américains. C'est ça. Ben, C'est dans la culture protestante. C'est l'Angleterre, anglicane, protestante. Désolé, je dis revenir à chaque fois. C'est pas mon obsession. C'est que les Beatles n'auraient pas pu apparaître ailleurs qu'en Angleterre, précisément. Ils auraient peut-être pu apparaître euh, aux États-Unis, mais aux États-Unis, il y avait Elvis. C'était complémentaire. Puis il y avait beaucoup d'autres choses. Il y avait les, les... Enfin, si on prend tous les groupes, euh, en gros importants du rock, euh, du hip-hop, tu peux, tu... enfin, ça crève les yeux. Et pourtant, tout le monde les écoute. Mais c'est pas pourtant, le protestantisme le pas. qui produit ça. C'est la culture protestante. Si. C'est. Il des fruits de la culture protestante. C'est la culture dominante aux États-Unis. Même les anti-chrétiens aux États-Unis. Euh, se réfèrent d'une manière ou d'une autre, si tu regardes Netflix, tu as toujours des références à Jésus. Si tu regardes Matrix, c'est un film qui tourne autour de la, de la référence christique, Trinity, Neo, etc. Donc, euh, et pourtant, les, les, les deux réalisateurs sont anti-chrétiens et ils ont même euh, changé genre, de genre. De la même manière que je suis de culture chrétienne et catholique parce que je suis né en France. Mais catholique, pas protestante, parce que le protestantisme a disparu de notre pays il y a trois siècles. Donc euh, c'est différent, justement. On n'est pas aussi producteur et innovateur qu'on l'aurait qu qu été si Louis XIV n'avait pas fait sa connerie de, de révoquer les de Nantes et de faire les dragons. Oui, parce parce qu'on en a déjà discuté, parce qu'il y a aussi les Juifs qui se sont barrés en Hollande et en Belgique et en Allemagne. Aussi. Mais à chaque fois, c'est pas que les Juifs. Mais si les, les Juifs avaient pas été Donc... là pour donner du pognon aux protestants, mais... il n'y aurait pas eu l'industrie protestante ça va de pair, justement. C'est-à-dire que les juifs et les protestants, ensemble, ils font des. Mais c'est juste miracle. parce que. Non, c'est juste parce que ce sont des minorités. C'est pas la nature de leur croyance qui fait ça. C'est parce que ce sont des minorités. Mais il y a plein de minorités qui font de la merde, excuse-moi. Euh, c'est pas une question d'être une oui, minorité. Oui, 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 il, il, il y a plein de sectes évangéliques et protestantes qui ouais. font de la merde. La protestante, c'est pas une secte. Le protestantisme, ah bah c'est si, une, une, une secte. Euh, non. Ah bah si, c'est une, une secte. Ah bah si, c'est une secte. Voilà. Mais si. En quoi c'est secte On te dit tu ne peux pas y rentrer, c'est le contraire. Mais parce secte. que. Parce que. Qu Il y a que Dieu qui peut y rentrer. Non, non, c'est le, le contraire. Non, 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 non. Moi je non, dit, non, je ne peux non, pas non. te convertir. Donc c'est le contraire d'une secte. Une secte par définition, une religion par définition, c'est une secte qui a réussi, puisque par définition, oui. une secte, c'est quelqu'un qui fait la différence entre les gens qui sont comme lui et ceux qui ne le sont pas. Ah bah, tu as une autre définition de secte que moi, parce que moi une secte c'est on y fait rentrer quelqu'un section euh, degré, séparé. de force. Section séparée. Tu sépares le monde en deux. Ah, que... bah, pour toi le monde magnifique. se divise pour toi le monde se divise en deux. Il y a les croyants et les non croyants. Et alors? Oui ou non. Toi aussi. Toi oui ou non. Le monde se divise en deux. Mais, mais, mais moi j'ai jamais, jamais, euh, jamais nié la chose. C'est toi qui as nié la chose. Il y a les, y les, et les croyants. Il y a les athées Ce et les croyants. D'accord. Pour revenir au libre-arbitre, justement, nous on ne croit pas on peut... Pourquoi tu changes euh... de sujet C'est parce que c'est le même sujet depuis le début, c'est le libre-arbitre. Non, 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 ah, ça, non, 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 non on n'est pas mais en train de parler du libre-arbitre, que... tu es en train de dire que le protestantisme est le seul moteur d'innovation dans le monde, pratiquement. Non, je n'ai pas dit ça non plus, puisque j'ai reconnu que les Juifs l'étaient aussi, et il y a d'autres, le catholicisme peut l'être aussi, tu vois, je suis en train de lire Blaise Pascal. Euh, c'était un grand scientifique un grand inventeur. Bon, il était janséniste, c'est-à-dire la théologie protestante. Et si tu regardes oui, tous les arts euh, en Italie juste avant euh, voilà. pardon, la il Renaissance, il le... y a que des catholiques, il ouais. y a que ça. ça. Mais j'ai Donc... même plus loin, c'est-à-dire le capitalisme est né en Italie catholique. Le problème, c'est qu'ils l'ont tué dans l'œuf parce que c'était contraire. À l'esprit catholique. Par contre, les protestants mmh. l'ont fait renaître de ses cendres et l'ont développé dans le monde entier. C'est ça la différence. C'est-à-dire voilà. que inventer un truc, tu sais bien, en France. Donc l'hyperconsommation, et euh, le réchauffement climatique est dû aux protestants. Merci. Je vois pas le rapport. Hein. Bah si, puisqu'ils ont, le... si, puisqu ont inventé. le capitalisme et la, la consommation de masse. C'est ce que tu es, euh, le... es en train de me dire aujourd'hui. pollue le plus au monde. C'est pas la question. C'est ce que tu es en train de me dire. Le réchauffement climatique. Les pays qui luttent le plus contre le réchauffement climatique sont les pays chrétiens et de culture chrétienne. Donc, sectes. Les pays qui luttent le moins sont les pays euh, non chrétiens, c'est-à-dire islamiques, euh, athées, comme la Chine, euh, ou l'Inde. Ce voilà, sont les pays les plus pollués aujourd'hui. Si tu vis dans une ville en Inde, euh, une grande ville... Oui, mais à euh, cause de quoi Oui, mais parce qu'ils ils se, ils se, euh, se sont tous convertis au capitalisme inventé par les protestants. Ah, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs oui stades. Oui ou non oui, parce que Merci. il y a une voilà. inégalité de départ. Oui, mais justement, il y a une inégalité de départ. Si tu le progrès, c'est pas tout le monde progresse en même temps de la même manière. C'est on progresse par étapes. Alors, et donc, rev... euh... pardon, pour en revenir, pour en revenir à la définition de secte, ouais. euh, groupement organisé dont les membres ont adopté une doctrine et des pratiques différentes de celles de la religion majoritaire ou officielle. C'est bien ce qui s'est passé avec le protestantisme par rapport aux catholiques ou pas au début, oui. Mais aujourd'hui, non. C'est au pas la, milieu, la question. Oui ou non. Ah. Oui ou non. C'est pas ça la seule définition oui, de secte. On va continuer. On va continuer. Ah. Oui ou non. Oui au début. C'est pas ça la oui définition de non. secte. Si, la, oui ou non. Si, c'est la définition du secte. Je suis en train de dire la définition de la secte. Bah, je suis dessus aussi. Et et secte secte bouddhiste chrétienne, janséniste, juif, orthodoxe, protestante, secte des anabaptistes, des cathares, des donatistes, des mormons, des quakers, des témoins de Jéhovah, secte de la Grèce, de l'Inde, de l'Orient. Euh, organisation d'inspiration religieuse ou mystique, voire politique, dont les membres vivent en communauté et sous l'influence d'une ou plusieurs personnes. C'est parce qu'il s'est passé avec le Calvin et Luther. Pardon? Il n'y avait pas que Calvin et Luther Non, mais ce n'est pas la question. Que... Ah bah si, c'est la question. Euh, pardon, c est, c est pardon, que pardon. Genève, qu Genève, 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 il y a quatre bons hommes hein, sur, les, sur, 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 le, sur le monument euh, des créateurs, euh, des créateurs du, du protestantisme. Non, mais ce pas les seuls. Oui, on ne pouvait mais, pas mettre tout le monde. On ne pouvait pas mettre tout le monde, mais on est d'accord que c'est les quatre principaux. Ah oui, il y a des principaux, on pas voit. comme partout. D'accord, et on est bien d'accord qu'il y a eu une période où le mec qui dominait absolument, c'était Calvin. Qui dominait, oui. C'est-à-dire il avait Merci. Euh, plus de légitimité. Donc, et alors, donc, donc, de quoi donc tous les membres de la communauté suivaient l'influence de Calvin. Pas du tout. Il y avait beaucoup de débats et certains n'étaient pas du tout d'accord avec Calvin. c'est pour ça qu'il est luthérien. Et, et, comment, et y comme, comment, minutes. comment, ils ont fini Les gens qui n'étaient pas, con... pas d'accord avec Calvin, ils ont fini au bûcher. Bon, voilà. Pas du tout. Justement, tous, il y en a un. Pas tous. non, non, non non non, 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 non. Il n'y en a pas eu qu'un. Il y en a eu plusieurs. Euh, le plus connu, c'est Servais, mais il y en a eu d'autres. Euh... Ah, euh... Mais là, tu as sauté Tout la groupe... première définition de secte. Tu... Pourquoi euh... tu as sauté Je suis devant la, la, la TNF aussi. Ensemble, c'est une oh, personne personnes de... personnes... qui se réclament d'un même maître où il professe sa doctrine voilà. philosophique, religieuse Merci. ou politique, ses opinions. Oui, voilà. Alors dans ce cadre-là, on peut dire que le christianisme est une secte puisque on a tous le même maître qui est Jésus. Là oui, là je serais d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que je dis c'est pour ça que je dis que, là, je, que, je dis que les c'est pour ça que je dis effectivement que les religions abrahamiques sont des sectes à succès. Mais aujourd'hui, on sait tous que euh, la secte, c'est celui où il y a un gourou qui veut extirper de l'argent euh, ou euh, de, du sexe ou de la gloire ou d'une manière ou d'une autre. Or, le protestantisme, justement, c'est la seule foi au monde où on ne croit pas aux libres précisément, donc on n'oblige pas les gens à faire quoi que ce soit. On ne peut pas les manipuler. C'est la différence avec toutes les autres fois qui demandent aux gens, comme le disait Nietzsche, euh, à manipuler. C'est pour ça que le libre arbitre est très précieux pour les, les religieux en général. Il faut noter cette différence de nature et pas de degré entre le protestantisme réformé qui ne croit pas au libre arbitre donc qui ne dit pas vous devez faire ça pour être sauvé et toutes les autres fois sans la moindre exception. C'est quand même important, non On doit pas croire en Jésus Si. Mais ben voilà. C'est parce que je dis. Si. C'est tout. Ah, comment ça, c'est tout On ne doit rien faire. Non, croire, ce n'est pas faire. Attends, c'est deux, deux choses différentes. Pardon Oui, croire, ce n'est pas faire. Prier, y pas aller à, fait. à la messe Non, 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 justement, eh ben non. Non Tu vois D'accord, mais enfin, il faut croire en Jésus. Voilà, c'est la seule chose. Donc, c'est bien une obligation. Ce n'est pas, pas une action. Ce n'est pas une action, tu peux la mesurer. C'est bien, quelque une, chose que tu as bien une obligation. pour avoir la foi, oui, mais ce n'est pas une obligation de, 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 de quoi que ce soit à faire, donc tu ne peux pas manipuler les gens. Tu as dit le contraire, qu parce que faire. ce que tu dois faire, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est une obligation, c'est évangéliser. J'ai dit que c'était une obligation Ah bah, pardon, mais... Euh, tu as, 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 as dit que c'était un devoir, pour être exact. Voilà, c'est pas pareil. D'accord. C'est-à-dire que Dieu nous y invite et nous y incite à le faire, mais ce n'est pas une obligation. Par exemple, l'exemple, justement, dans la Bible, c'est, tu sais, le bon larron qui était crucifié à côté de Jésus et qui ne pouvait rien faire par définition, puisqu'il était crucifié. Et donc, tout ce qu'il a fait, c'est de croire. Et Jésus lui a dit, Tu seras au paradis avec moi ce soir. C'est génial. Donc, on ne sait rien de ce mec là Peu importe. Attends. Si, ça importe énormément. Parce que on sait que c'était un voleur, quand même. On sait que c'était un voleur. Voilà, au minimum, c'était un voleur, pour ne pas dire pire, parce qu'un voleur, en général, on ne se donnait pas la peine de le crucifier. Hein. Non, donc, un malfrat. Voilà. Selon les lois romaines, on attention, crucifiait. on crucifiait aussi les chrétiens hein, chez les Romains. Pour rien. Pour euh, dissension de foi. Hein, donc. On les brûlait euh, la nuit pour qu'ils. Euh, on les brûlait vivant la nuit pour qu'ils illuminent Rome, hein, quand même. C'était euh, pas détendre hein, les Romains. Ils crucifiaient les ouais. gens, justement. Oui, bah, alors tu, tu... là, tu fais un saut de 300 ans. Hein. On va revenir à Jérusalem. Ah oui, tu es en train de me parler des Romains euh, quand il y avait des chrétiens à Rome. Ah oui. Oui. Donc... Sous Jésus. Ah Jésus. Ah bah Pendant Jésus. Ah bah non, ah bon non, bah non, on... bah non. non. Non, 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 des non, des non, 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 non. Il n'y a pas de chrétiens à Rome à l'époque de Jésus. Ah bah si, mais les disciples que, de Jésus. Mais qu'est-ce que tu racontes Ils n'étaient pas chrétiens, Et... les disciples de Jésus Si, mais ils étaient en Judée, ils n'étaient pas à Rome. Voilà. Ils n'étaient pas à Rome la chrétienté s'est répandue ensuite. Ah oui, oui. Ensuite. oui. Ah oui okay. ça aucun rapport. Il y, y a trois siècles de différence entre les deux histoires. Donc le pont ah, le bien. pont larron, ok, c'est un oxymore. Le larron, pour se retrouver crucifié auprès de avec Jésus et et un autre, il a dû faire un sacré paquet de saloperies. Ah oui, d'accord. Ça montre que okay. non, 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 non 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 ça montre que tu peux faire les pires saloperies, ah. tu es pardonné ah. simplement parce que tu crois en Jésus. Bah, je suis désolé, c'est un délit absolu de justice. Oui, ça c'est la vision athée, et je la partageais. Mais la, vi la vision chrétienne, c'est que Dieu peut pardonner. C'est pas, pas, pas la vision athée, c'est qui... la vision morale en fait. Non. Ça, ça, sa, sa, la seul, sa seule bonne action il se repent pas de ses crimes la seule chose qu'il fait c'est il dit oui je crois, je crois que, te, que, que tu es Dieu ok c'est tout Quel mérite à ça et, deuxi et deuxième chose et deuxième chose qui peut pardonner les péchés pour quelqu'un d'autre, qui peut pardonner les crimes je peux aller en prison à ta place si tu fais une connerie, je peux dire un truc bah, je vais faire son temps de prison la... mais je... je... Je ne peux pas. Qui qui peut oser dire à quelqu'un qui a commis un crime, je te pardonne au nom de la victime. Le fils de Dieu. C'est totalement immoral. Non alors sur le mérite, ça tu as un bon point parce que effectivement nous on dit on ne mérite pas d'être sauvé. Moi je ne mérite pas d'être sauvé. Il n'y a rien qui me différencie de toi à part la volonté de Dieu de me sauver. Moi je ne voulais pas. Il est venu contre ma volonté. Contre un lait d'entrée. C'est là le, le but de ce verset. Et tu, de tu, tu tu, le le tu, pêcheur tu, ne veut pas de Dieu. Tu, tu, tu te rends compte Et que Donc que tu... ce dont l'Aaron n'a aucun mérite. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu... Il a aucun, on n'a aucun mérite. Tu... Moi, je ne me tu... glorifie pas d'être croyant. Si, c'est exactement ce que tu viens de faire. En quoi je me glorifie Je te dis que j'ai aucun mérite. C est, c est... Dieu est venu est... me chercher contre sauf ma volonté. Que, Sauf que c'est un magnifique exemple de fausse modestie. modestie. Mais tu t'en ouais. rends même pas compte. Modestie, je sais pas. Tu permets que je t'explique pourquoi Oui, dis-moi. Parce que tu es en train de faire le name dropping ultime. Tu es en train de dire le maître de l'univers, le créateur de l'univers, Dieu, est venu me chercher. Il ne m'a pas laissé le choix. Il a décidé que moi, j'étais suffisamment important pour qu'il me ramène dans son giron. Tu te rends compte à quel point c'est ah, du non. modestie folle Ah non, alors ça, c'est. La théologie chrétienne nous enseigne que nous ne sommes rien. Et c'est dit à de multiples reprises dans la Bible, si tu l'as lu. Mais déjà dire que nous ne sommes rien, c'est totalement immoral et c'est stupide. Il ah bah faudrait savoir. Alors, soit on est immoral et stupide parce qu'on considère qu'on est rien, soit on, on est orgueilleux parce qu'on considère que le maître de l'univers vient nous chercher. Il faut choisir. Donc, Mais, Mais qu sauf que, sauf sauf qu'il sauf, y a une différence c'est que l'athée dit je constate que je ne suis rien dans l'univers et ma disparition n'a strictement aucune importance. Alors que le, ouais. le chrétien dit Oh, je ne suis rien, mais Dieu m'a choisi. Tu, tu vois le, le paradoxe mais Je pense que moi, je, je pense que, que je peux dire que, là, que la, 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 la ne disparaît parmi les. que c'est un drame, drame. Qu'il disparaît, est-ce que je sais, je s'il est resté athée jusqu'à la dernière seconde. Si Dieu ne le, l'a pas il va aller où Eh bien, en enfer. C'est ce que nous dit la Bible. D'accord. Pour être torturé pendant l'éternité, ce qui n'est pas, est -ce ce pas sympa. Est-ce que c'est moral? Là, c'est mérité, oui. C'est ce qu'on mérite tous, en fait. Parce qu'on a péché pendant toute notre non. vie contre Dieu. Non. Contre ses commandements. Non. On a menti, on a volé, on a oui. fait tout ça. Absol ça, c'est oui, Mais Dieu En quoi le fait d'avoir. Donc on a une dette. On a une dette envers personne. C'est lui qui nous a créé. Dieu. Mais on a une dette envers personne, puisque nous n'avons pas de libre arbitre. Ah, ça, c'est la question de la responsabilité, mais on a une conscience. Le libre arbitre n'a pas été démontré scientifiquement précisément. Par contre, la conscience si, et elle est reconnue euh, y compris. Dans non, 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 tu te contredis. Mais si on n'a pas de libre arbitre, on n'a aucune raison d'être puni ouais. pour des actions pour lesquelles nous n'avons pas le choix. Si. C'est-à-dire que si un taureau, par exemple, qui n'a pas de libre arbitre, tu es d'accord, un taureau, c'est un taureau. Euh, s'il vient euh, rentrer dans euh, une personne, là, il, on le laisse partir, il rentre dans une personne, il la tue. On va dire ah ben bah, c'est un taureau, donc euh, c'est pas de sa faute. Si. On va dire, c'est de sa faute et on va le tuer derrière. Non. On va l'enfermer non, 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 pas forcément. Non, Pour éviter qu'il recommence déjà. Non, y a une différence entre, il y a, y, a une envie, différence entre, y a une différence entre un accident et un animal, entre guillemets, qui, par exemple, qui est malade de la rage, euh, qui a une maladie et un accident. Tu peux très bien être victime d'un accident. Le taureau, il peut très bien te tuer sans faire exprès, sans, sans mauvaise intention. Ça. Mais dans ces cas-là, on Mais qu'est-ce donne... que tu vas faire avec le taureau après Qui n'a pas de libre-arbitre un taureau trébuche et il tombe sur un enfant, il l'écrase. En quoi il est responsable ouais. d'avoir trébuché Tu vas le tuer Non, il a tué un enfant. Non, tu le comme non, ça, as un taureau, non un enfant. pas du tout, c'est pas vrai. Ouais. Mais Exactement. non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est tellement, tellement pas vrai. C'est tellement pas vrai qu'il y a des animaux entre guillemets mordeurs qu'on rééduque, qu'on ne pique pas forcément parce qu'on se rend compte qu'on peut les rééduquer parce Qu'ils ont été oui, mal éduqués. Justement, on leur fait quelque chose, donc on est d'accord, on leur fait quelque chose bien qu'ils aient pas de libre-arbitre. Donc moi je dis pas que je suis pas pour la peine de mort, c'est tu dis un je truc dis et que... tu dis le contraire. Tu, 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 ah, tu tout, te rends compte de ce que, que tu as pensé. Bah, excuse-moi, mais ta pensée elle là, se contredit elle-même. Non, là, le, le, le débat c'est si on n'a pas de libre-arbitre, on n'est pas responsable. Moi je te dis, si on n'a pas de libre-arbitre comme un animal. Eh bien, on est quand même responsable. Donc, l'animal, tu vas soit le tuer, soit le soigner. Et donc, soit, donc toi, tu es parti pour faire, pour faire des procès à des porcs, à des chevaux ou à des chats Et Non. C'est aussi, aussi stupide. stupide. Non, c'est que je considère que, euh, comme on n'a pas de libre-arbitre, on est responsable malgré tout. Ben bah non. Ce n'est pas le libre-arbitre qui détermine notre responsabilité, la preuve avec les animaux. Si je n'ai pas donc, de libre-arbitre, je ne suis pas responsable de mes, de mes actions, puisque tout est piloté par Dieu. Tu es responsable non. parce que tu as... Tu non. non À mais... partir du moment où mais tu dis des... non, je veux dire c'est de la simple logique, si tu dis par définition on n'a pas de libre arbitre, si je n'ai pas de liberté, ouais. je n'ai aucune marge d'action personnelle. Je ne peux pas avoir, je ne peux pas être rendu responsable. C'est comme si tu disais je vais rendre responsable la tuile qui m'a fracturé le crâne. Elle est responsable de rien. Alors, tu vas faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres tuiles ensuite qui tombent sur les gens. Donc, tu vas avoir une action comme ça. Ok. Quelqu'un me lance une pierre à la gueule. Est-ce que c'est de la faute de la pierre okay. Celui qui a lancé, c'est Dieu. Non. Celui qui a lancé, c'est Dieu. La pierre, c'est juste un objet. Mon crâne, c'est moi. Ok Est-ce que je peux en vouloir à la pierre ou à celui qui a lancé la pierre Il fera en sorte. Justement, quand on n'a pas de libre-arbitre, on n'en veut pas à la personne, on la pardonne. C'est ça l'intérêt. C'est que quand on je, prend au je... libre-arbitre, on en veut à la personne. Et c'est pas bon. C'est un, une incitation à la haine, en fait. Or, euh, ne croire qu'on n'a pas de libre-arbitre, c'est une incitation au pardon. Puisque même le meurtrier de ton enfant, je prends un cas extrême, tu vas le pardonner, mais tu voudras quand même qu'il soit en prison pour éviter qu'il recommence. Mais il ne peut pas avoir de responsabilité. Oui. Pas auprès... Oui. Mais, alors, auprès des hommes peut-être, mais pas auprès de Dieu. Voilà. Auprès des hommes peut-être, mais auprès pas auprès de, de Dieu. Ah, voilà, donc déjà on avance. Donc auprès des hommes, tu es d'accord, il a une responsabilité, même s'il n'a pas de libre arbitre. Non, donc ça, on est non, non. Ouais, le... C'est ce que tu viens non, de dire. Mais on est, on est d'accord da par, par rapport aux hommes parce que on veut l'éloigner de la société si on estime qu'il est dangereux. Voilà. voilà. Ou on le punit parce qu'on pense effectivement qu'il est responsable. Mais la société ah ouais. la société croit au libre arbitre et c'est justement pour ça que tu as une responsabilité. Non, si. Même si elle y croyait pas. Non, ouais, je, je suis un... désolé. La responsabilité non. vient avec le libre arbitre. Et c'est parce que la société humaine pense que tu es responsable de tes actes, parce que tu as le choix, donc que tu as ton libre arbitre. Mais je comprends que ça soit difficile à, à envisager. Non parce mais il n'y a rien à envisager, c'est de la simple logique. Oui, mais Samarie, tu, euh, tu te rappelles euh dont on a parlé la dernière fois, il explique bien dans son livre, justement. Je te prends un exemple qu'il prend lui-même. Il prend l'exemple du grizzly euh, qui va aller buter quelqu'un. Eh bien, le grizzly, on considère qu'il n'a pas de libre-arbitre. Et bien, pourtant, on va soit le buter, soit l'enfermer, soit l'empêcher de recommencer. C'est la même euh, similarité, c'est la même analogie qu'il qu prend. Et C'est pour ça que je la prends. Après, au niveau de Dieu, c'est autre chose. Et là, c'est plus théologique au niveau de Dieu. Tu es d'accord On peut pas avoir la même analogie. Parce qu'il y a la justice Alors, de pourquoi est-ce qu que tu justice... as mélangé les deux pas mélanger. Ah si tu as dit on que... a une responsabilité, tu n'as pas précisé on a une responsabilité au vis-à-vis -vis des humains et pas par rapport à Dieu. Ah, parce qu'on a les deux. On a une responsabilité vis-à-vis -vis des humains. Donc ça c'est la justice on humaine. On peut avoir une responsabilité ça, enfin, auprès des humains parce que les humains considèrent qu'on a notre libre arbitre. Si Dieu décide que nous n'avons pas notre libre arbitre, nous ne pouvons pas avoir nous ne pouvons pas être tenus pour responsables vis-à-vis -vis de Dieu de nos actions. C'est de la simple Alors, logique. Moi je me suis je me suis plongé dans, dans une société où les gens croient majoritairement qu'on n'a pas de libre-arbitre, et comme l'a fait Samaris dans son livre, mais un peu différemment, et dans, dans, ce, dans ce livre qui s'appelle Déterminium, j'ai expliqué ce que serait une société qui ne croit pas majoritairement au libre-arbitre. Elle ferait la même chose qu'une société qui y croit, c'est-à-dire qu'elle évacuerait le problème des personnes qui posent problème, de la manière la meilleure selon les règles déterministes, c'est-à-dire que si on pense qu'un pédophile peut être récupéré, on va essayer de le traiter, de le castrer, je sais pas quoi. Si on pense que c'est pas possible, eh ben on va faire autre chose, on va le mettre en prison, on va peut-être le tuer selon les lois du pays. Hein. Et dans le cas de Dieu, donc ça changerait rien en fait, et on pardonnera plus facilement. En plus, on n'aurait pas cette haine euh, qu'on a au cœur quand on croit au Libarbite, c'est-à-dire qu'on croit qu'il aurait pu faire différemment. encore une fois, es... Ça, encore une une fois tu es en train de justifier le traitement humain. Je te demande de justifier le traitement inhumain de la part de Dieu qui te punit Alors, pour les si te... Je qui parlait. te non 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 au début de notre conversation on était sur le fait que tu vas on va des deux. non au début on était en train de parler de du fait que Dieu te tient responsable de tes actes et te punit pour ça en t'envoyant en enfer ce qui est totalement ignorable pour deux choses parce que si tu n'as pas de libre arbitre tu es pas responsable de... tu peux, peux pas être tenu pour responsable de tes actes c'est justement c'est pour ça qu'on considère euh, le, la sanité mentale des gens. C'est pour ça qu'on fait des expertises pour dire est-ce qu'il était responsable de ses actes. Parce qu'on considère que s'il est saint d'esprit, il a son libre arbitre et il est responsable de ses actes. Et que s'il est fou, il n'est pas responsable de ses actes. Et qu'on ne va pas le punir autant parce qu'on considère que bah, comme il n'avait pas, pas le choix, il était euh, piloté par sa maladie ou son instinct, j'en sais rien. Bref. Or, si Dieu ne nous donne pas le libre arbitre, comme tu le dis, il ne peut pas nous tenir pour responsables de nos actes. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que nous punir pour l'éternité, pour des actes euh, ponctuels et qui durent à peine la durée de notre vie, c'est-à-dire 80 ans en moyenne, c'est ignoble, c'est inique, c'est cruel, c'est inutile. Dieu est un connard. Voilà, c'est tout. Je peux répondre à ce dernier point en premier parce que c'est intéressant. Ah oui. euh, en fait, si tu ne crois pas à Dieu, tu ne crois pas non plus à l'enfer, donc tu ne peux pas lui en vouloir pour t'envoyer en enfer auquel tu ne crois pas. Tu es d'accord là-dessus Bon, pourquoi tu lui en veux alors Mais qui a dit que j'en voulais à Dieu ah, Tu viens de dire Dieu est un connard. Pour toi, il n'existe même pas. Donc tu ne devrais pas avoir ce genre de réflexion. Okay. D'ailleurs, je précise, si Dieu existe... C'est un connard. Ah. Et donc, et donc, et donc, même si un jour, même si un jour, j'ai la, la preuve, une révélation qu'il existe vraiment, je continuerai à lui dire que c'est un connard. Parce que de toute façon, je suis déjà voué à l'enfer. Donc, quitte. Non, pas du tout, euh, quitte, personne n'est voué à l'enfer euh, jusqu'à jusqu ce qu'il meure. Euh, on est tous. On, on mérite tous l'enfer, puisqu'on est pécheur, donc d'après Dieu, c'est ça le critère, en fait, il n'y en a pas d'autre. C'est Jésus est le seul à, à je avoir ne marché pas, sur terre sans crois je une je seule. ne crois pas en Jésus. Voilà. Oui, mais d'après la théologie. C'est-à-dire que si tu crois en Dieu, ça veut dire qu'il t'aura donné la foi, et donc comme moi qui n'y croyais pas et qui tenais le même discours que tu tiens aujourd'hui... Tu tiendras le même discours que moi aujourd'hui. Et je re retombe sur mes pattes. C'était Il t'a donné la foi, Dieu m'a donné la foi, je ne sais pas. J'ai dans le ah cœur, il bah. te dit de mes pas. Euh, eu. Voilà, c'est une catastrophe. Hum, quand on voit <laughs> où ça l'a menée, on se dit qu'elle aurait mieux fait de choisir autre chose. Tu vois, une protestante qui n'a pas, pas bien réussi. C'est pas une protestante, je Winter. C'est une juive. Ouais. Mmh. Elle n'est pas protestante. À On peut parler de leur amène aussi, si tu veux. Voilà. Qui Je connais pas. C'était euh, une des deux sœurs de euh, Native. Voilà. Elle est connue oh bah, est, elles, 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 Quand elles ont commencé à passer à Taratata, -ta -ta, elles, elles, elles ont fait un bon carton. Elles étaient belles, elles chantaient super bien. Euh, les, les compos étaient mortels. Euh, enfin voilà. C'est ça passe, ça marchait oh. <laughs> mmh. Voilà. Bref. Euh... Euh, de toute façon, tu l'as dit. Tu sais que dans la Bible, tu as, tu as la parabole du riche et du pauvre, et c'est le pauvre qui va au paradis, et le riche qui va en enfer. Oui, Donc, oui, oui, non, tout à fait. La de, mais, Donc, mais de Mais de toute façon, euh, si Dieu existe, oui, de toute façon, je continuerai, je ne plierai pas le genou devant lui parce que je considère que c'est un, un personnage malveillant, cruel, bête, euh, stupide. Dire, tu penses pas qu'il a le, le pouvoir de te faire plier le genou Pas Dieu, alors s'il s'il ah bah, me fait plier le genou. Euh... il prouve simplement qu'il est un tyran. Pourquoi S'il te libère de tes chaînes, dont tu n'étais pas conscient avant. Bon, me libérer de mes... Me en... mes chaînes me mettrait à genoux. En général, on oui. libère des chaînes pour que les gens se tiennent droit en fait. Non, par exemple, si on... Es c'est oui, oui. complètement inverse. Quoi. Je, c est, c est... Tu, tu mais penses non, que c'est une libération d'être de de, de, humilié C'est génial Non. non. Si toute ta vie on t'enseigne que deux et deux font 5 et tu y crois, et voilà, bon, tu t'y soumets à ce mensonge, d'accord Et puis un jour il y a un gars qui vient dire en fait non, deux et deux ça fait 4 et tu vas remercier si tu y crois, et tu vas te soumettre à cette vérité que deux et deux font quatre. C'est pas euh, mal de se soumettre à la vérité, c'est bien. C'est pour ça qu'il dit euh, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Mais, tu auras un nouveau maître, mais, tu mais, seras l'esclave. Comment on, comment, on peut... et on le esclave. comment on peut imposer une vérité, mais de toute façon, de toute façon cette discussion n'a aucun sens puisque à partir du moment où tu pars du principe qu'on n'a pas de libre arbitre, je ne peux pas être tenu pour responsable des actes que je ne choisis pas. C'est aussi simple que ça. Ah oui, j'ai pas répondu, j'ai pas répondu à ta question. Donc euh, Dieu en fait envoie en enfer les pécheurs non qu'il n'a pas choisi avant la, la fondation du monde pour les convertir parce qu'ils ont péché pendant toute leur vie d'une part et ensuite une fois en enfer, ils continuent de pécher en fait. Et donc, euh, pendant l'éternité, il continue de pécher. Donc Dieu, à chaque nouveau péché, euh, prolonge la peine. Si tu veux, c'est comme si quelqu'un était en prison, qu'il avait la vie éternelle, et que tu lui disais bon, euh, à chaque fois que tu vas insulter le gardien, tu eh ben t'auras un an de plus. Ben, le gars, il continue d'insulter le gardien parce que il veut sortir mmh. ou je sais pas quoi. D'ailleurs, euh, c'est enfin, ce que la Bible enseigne. Non, c'est pas ce que la Bible enseigne. Ça, c'est une interprétation qui est faite. C'est l'interprétation protestante en tout cas. Voilà. Alors, je sais que les catholiques mais euh, non, parlent mais du purgatoire et la ah mais ça, c'est pas dans la Bible. C'est euh, quelle que soit l'interprétation, on se fout de savoir qui fait une interprétation. À partir du moment où ça peut être interprété, ça n'a pas beaucoup de base. Non, je veux dire, le purgatoire n'est pas dans la Bible. Donc, c'est une création, c'est même pas une interprétation. Mmh. Ils ont inventé pour payer. Et c'est et là où tu vois la et, et donc, c'est intéressant, c'est ce que, que avant la chrétienté, l'enfer n'existe pas non plus. Donc, le gentil Jésus, puis, non. Ah, bah non, La littérature intertestamentaire, déjà, elle existe. Et même dans l'Ancien Testament. Pardon, il y a de l'autre Je viens de lire un livre sur le sujet. Excuse-moi, je me suis un tout petit peu intéressé au sujet, parce que j'ai fait une vidéo dessus, sur l'enfer. Donc, je suis chrétien. J'ai quelques. On va dire, peut-être pas tes connaissances. pour je, je pense. Bah, tu connais le Sheol, alors par exemple. Voilà. Chez les... Le Sheol. mais c'est pas, alors, ça n'a rien à voir. Vrai. Alors le Sheol, ben c'est un endroit, c'est pas l'enfer, c'est c'est juste un endroit où les âmes vaquent en se faisant chier, grosso merdo, euh, voilà, mais elles ne souffrent non. pas. Non. Elles La GN, c'est un autre truc, et Ce euh, voilà. et, euh, et c'est pas c'est pas euh, c'est pas éternel la GN. Tu sais d'où ça vient le, le nom GN Ça vient euh, de qu'à l'époque. On brûlait euh, les on cadavres. On brûlait les cadavres à l'extérieur. Oui, les détritus et tout un tas oui. de choses. Et donc, c'est là qu'on. Alors, a le, droit, le feu, donc, oui, mais ça n'a rien d'éternel. Bah, Dieu est éternel, donc forcément, s'il te condamne, c'est éternellement. Et ton âme est éternelle aussi, que tu y crois ou non. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu ne crois pas qu'il que y a une limitation de vitesse qu'elle n'existe pas. Et que tu ne vas pas devoir payer euh, l'amende si tu la respectes pas. Mais tout, on en revient à la croyance. C'est soit tu crois, et donc tu vas être couvert par Dieu. C'est ça la, la croyance chrétienne, hein C'est que Dieu, Jésus a payé pour toi ta dette. Ouais, alors, euh, enfin, pour... euh, oui, oui, mais je n'ai pas de dette, en fait. Bah, tu estimes ne pas avoir non, de, dette, pas de dette. Mais j'ai pas de dette, puisque, en principe, j'ai pas de dette, puisque en principe, Jésus a payé pour les péchés à venir. De ses élus. La Bible précise bien. Ah, bah je suis un euh, élu de son peuple. Trouve-moi, je suis pas un Ce bah, C'est pas toi qui. D'accord. C'est pas toi qui. Donc, aussi un point intéressant, c'est que une fois que je suis en enfer, tu dis que la peine est prolongée parce que j'insulte le gardien. Euh, Est-ce que j'ai mon libre arbitre quand je suis en enfer Alors bonne question. Euh... Bah non, toujours pas. Voilà. Donc, si j'insulte le gardien, c'est parce que Dieu me fait insulter le gardien. Euh, C'est surtout parce que non, non nature pécheresse est pas non, non, non. compensée par euh, Dieu. En fait, il n'y a que Dieu qui peut nous faire euh, faire le bien. Donc, nous, par nous-mêmes. Qui, 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 qui a décidé que j'étais de nature pécheresse Qui a décidé Oui. Qui a, dit, qui a euh... inventé de la notion de péché Et qui estime, qui estime que à la naissance même, parce que je suis un descendant d'Adam et Ève, je suis pécheur ah bah ça c'est Dieu, mais tu n'y crois pas donc ça te dérange non pas. Non mais c'est pas la question, c'est pas la question. Ah bah c est... C est... Non. Mais je te réponds oui, c'est Dieu. C'est Dieu qui a tout créé, le bien et le mal. Donc Dieu a tout Donc créé. Dieu savait parfaitement ce qui allait m'arriver et il choisit de m'envoyer en enfer dès le départ. Parce que si je ne crois pas. Oui alors ça c'est intéressant aussi c'est que il ne peut pas sauver tout le monde sinon il ne montrerait que son amour et pas sa justice. Or mais Dieu. Il... Son en, but, quoi, en, quoi, en quoi, en quoi... Ah, Oh, oh, je suis tellement merveilleux. Oh, je suis formidable. Oh, regardez ma grande justice. Oh, vraiment, mais je suis miséricordieux. Mais regardez-moi, mais louez-moi, mais aimez-moi. <laughs> Franchement, c'est un peu ridicule. D'un point de vue humain, oui, mais pas d'un point de vue divin. Dieu a tout, il a tout créé, mais il peut tout nous faire. Nous ne pouvons euh, juger les choses euh, que d'un point de vue humain. C'est pour ça que c'est biaisé et donc c'est pas juste. Merci de m'apporter de l'eau à mon moulin. <laughs> je m'y attendais pas. Mais nous, mais le problème, c'est que nous, on est capable d'estimer effectivement et de dire euh, qu'il nous arrive d'être injuste et on, on, on le, on l'assume. Ton Dieu n'assume pas le fait d'être cruel, bête, méchant, injuste. Il est injuste puisque dès ma naissance, il décide que je vais aller en enfer. Je suis désolé, pourquoi est-ce que je respecterais et est-ce que j'aimerais quelqu'un comme oh. ça oh, C'est une bonne remarque. Donc Dieu est juste. Désolé pour les chiens derrière, mais je ne peux pas. Donc Dieu est juste parce que euh, ceux qui ne croient pas en lui euh, vont en enfer, mais ça ne les dérange pas puisqu'ils ne croient pas en lui. Et ceux qui croient ah, en si, lui si, vont si, en si, enfer. S'ils me faire torturer pour l'éternité, ça me dérange. Si tu y croyais, mais tu n'y crois mais pas. Tu dis que ça existe et que c'est le destin qui m'attend. Moi, c'est ce dont j'aimerais euh, te sauver. D'accord. n'est pas de moi. Partons du principe. Partons du principe. J'y crois pas, mais il existe vraiment. Est-ce qu'il est juste que je sois puni pour ne pas être convaincu, pour ne pas être choisi par Dieu, pour être un élu C'est quoi, bah, dé... quoi, quoi, ma... quoi ma faute au départ à part naître À part naître, mais bah ça, tu ne l'as pas choisi. Hein. Non, c'est Dieu qui l'a choisi. Mais tu n'as rien choisi dans ta vie, on est d'accord. Mais donc comment mais tu, mais tu te tu comment est-ce que tu te rends compte de l'inanité de ce que tu es, es en train de dire Tu es en train fait, de dire que tu n'as rien choisi et tu seras puni du fait librement. que tu n'as rien choisi. C'est quand même dingue. Non, librement. C'est-à-dire que tu as fait tout un tas non, y a pas, de choses. Non, il n'y a pas de choix libre ou pas libre. Tu ne peux choisir que si tu es libre. Si tu n'as pas de libre arbitre, tu n'es pas libre. De la même manière que. La liberté conditionnelle, ce n'est pas la liberté. Oui, mais je suis d'accord, tu n'as pas de libre arbitre. Et donc, toutes les actions que tu fais jour après jour sont des actions qui sont mauvaises aux yeux de Dieu. Et c'est lui qui... Comment peux-tu me punir pour une action dont je ne suis pas responsable Justement, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, la responsabilité ne vient pas du libre arbitre, qui n'existe pas, mais vient de la conscience qui existe. Comme tu as conscience de faire le mal. D'ailleurs, c'est pour ça que ta conscience te dit, oh là, là, j'ai fait une connerie, mais tu l'as fait quand même parce que tu es pêcheur. Et, et on est tous pécheurs. Moi aussi, je suis pêcheur et je fais des conneries. Et donc je je me ne peux avoir conscience que ce que je fais est mal que si Dieu a implanté en moi une morale qui me permet de me rendre compte que ce que je fais est mal. Voilà. Et Dieu, si tu veux, Dieu nous met devant le fait accompli. Ça, je suis d'accord. Il nous montre que le, le protestantisme, par exemple... Mais pourquoi est-ce que tu t'échappes Revenons. Mais pas. si, reviens au raisonnement. Tu trouves des excuses, tu passes ton temps à trouver des excuses et des échappatoires. Je suis désolé, regarde les choses en face. Ton raisonnement ne tient pas. Désolé. Quel raisonnement Je ne comprends pas. Dieu est la mesure de toute chose. Tu, tu sais, sais que, ton chat, tu sais que ton chat aime le ton. D'accord c'est son instinct de chat, tu sais que quand tu ouvres une boîte de thon, le chat est là. Tu ouvres une boîte de thon, tu la mets sur le sol au milieu de la cuisine, là où normalement il y a sa pâté. tu ouvres la porte et tu lui dis, ne touches pas, hein? si tu y touches, tu seras puni pour l'éternité. Est-ce que mon action est juste Tout dépend de, du plan que tu as pour ton chemin. Non. Le plan de Dieu, c'était de se glorifier. Se glo Attends, et, je, en quoi, je et en quoi question, ça me glorifie de le torturer pour l'éternité s'il touche au plat de. à la boîte de thon? Je t'explique. Donc euh, Dieu euh, permet le péché, d'accord, pour mieux le, euh, le vaincre. Il ne le permet pas. J'ai pas le choix. Je parle du péché en général. Donc il laisse le péché, parce que là, ta question, c'est pourquoi le péché est entré dans le monde en Mais fait Mais non, il l'interdit. Pourquoi tout le monde n'est pas sauvé pa... il... Je t'expliquais tout à l'heure pourquoi tout le monde n'est pas sauvé, c'est parce qu'il ne pourrait pas montrer sa justice. Il montrerait que son amour. Tout comme s'il ne sauvait personne, il ne montrerait que sa justice et pas son amour. Donc lui, il est parfait, donc il veut montrer de manière parfaite son amour et sa justice. Pour montrer sa justice, il faut envoyer ceux qui le méritent en enfer. Ceux qui le méritent, ce sont ceux qui ont péché. Personne et... ne mérite, je suis désolé, personne ne mérite d'aller en enfer. Personne ne mérite d'aller en enfer parce que nous n'avons pas de libre arbitre. Et pour les chrétiens, si Non. Personne, parce que c'est Dieu qui non, nous le dit personne, et qu'on le croit. Non, personne ne mérite d'aller Mais toi, tu n'y crois pas. Donc, personne. En fait, tu te mets dans la perspective mais chrétienne. Tu n'arrêtes pas de choisir. Dans, la, dans perspective... la perspective. Athée. Attends, attends, je vais jusqu'au bout du raisonnement et tu pourras y répondre parce que c'est intéressant. Soit tu te mets dans la perspective athée, dans laquelle Dieu n'existe pas, donc l'enfer n'existe pas non plus. Et tu dis, bah, je m'en fous. Voilà pourquoi même on a cette discussion. Soit tu te mets dans la perspective chrétienne. Et dans ce cas-là, tu dis, bah, c'est logique, puisque non, Dieu est parfait. Je suis dans là, la perspective logique. chrétienne et je dis, ah, voilà. je Donc, tu non. prends ma perspective, je prends ta perspective, oui. tu es ah, tu es chrétien alors Je prends je <laughs> ouais, je, je bien, prends ouais. la perspective que Dieu existe et je je prends cette hypothèse si Dieu existe que je n'ai pas de libre arbitre. Tu y crois alors si tu y crois, Pardon, tu crois que ce, ce qu'il fait et dit est juste. Non, non mais c'est ça en fait. Non, Il faut prendre le... non, tu prends la moitié. Non, facile. non, non. J'ai ma conscience. Ok, donc ma conscience peut s'appliquer à moi-même et aux autres. Je peux juger de la moralité des actions des autres. Oui, mais de manière cohérente. Très bien. Dieu y compris. Évidemment. Bien. Merci. Si Dieu existe, et comme tu le dis, je n'ai pas de libre arbitre, alors, de par la simple logique des lois logiques instaurées par Dieu, avec la conscience, le cerveau et la morale et toutes les capacités cognitives dont il m'a doté, je constate qu'il y a une contradiction logique entre l'omniscience, l'omnipotence et le libre arbitre. Et que si je n'ai pas de libre arbitre, à partir du moment où on dit que je ne peux pas avoir de libre arbitre parce que Dieu est omniscient et omnipotent, alors je ne peux pas moralement être tenu pour responsable de mes actes puisque c'est Dieu qui les décide à ma place c'est là où je, dis, où je dis que tu joues sur les deux tables. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Non, si tu, es, si, parce que non. tu... attends, attends, laisse-moi expliquer. Ah bah, tu veux pas que j'explique Mais ça fait quatre fois que tu expliques en disant que je. Non, j'ai pas encore expliqué. Si, ça fait plusieurs fois pas. que tu dis. Tu dis ça parce que c'est un point de vue à Non. Bah, j'ai pas dit encore. Donc... Mais c'est ce si que tu as tu parles, dit. Ou... Hein. Du... Parce que tu l'as dit, je... <laughs> dit quatre fois. Mais, Mais ça fait quatre fois que tu me réponds ça. Que... Alors Mais moi je veux bien que tu. Étonne-moi. Voilà. Si tu pars, là il faut être dans la logique pure. Hein. Mmh. Donc si tu pars du principe que Dieu existe, mmh. c'est ça, c'est ça ton, ton point de départ. Mmh. Dieu existe. Mmh. D'accord. Il a créé l'univers. Mmh. Il est parfait. Il est juste. Non, il est bon. non, 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 ah ben, non. C'est quoi ce Dieu alors Tu inventes un Dieu qui n'existe pas alors Ok. Donc ok. C'est ça la définition de Dieu. D'accord, d'accord. Il est parfait, il est Dieu juste. Dieu est parfait, okay. omnipotent, omniscient, juste. Ok. Ben, ouais. Donc si tu pars du principe que Dieu existe, tout ce qu'il entreprend est juste. Donc d'envoyer ceux qu'il considère euh, devoir euh, mériter l'enfer est juste. Et ceux qu'il sauve sans qu'il le méritent est juste aussi. Donc il est juste dans tous les sens. Maintenant, d'un point de vue athée, encore une fois, il hein, faut, faut la respecter vache, la logique et la, la vache. C'est-à-dire le monde est. D'un euh, point de vue athée, Dieu n'existe pas, et donc, mais euh, donc... il n'est pas injuste, puisqu'il n'existe pas. Mais donc Ça, euh, ouais. si j'ai pas de libre arbitre Donc dans ton monde, euh, bah, désolé, je ne comprends pas ton monde. Si tu n'as pas de libre arbitre, et tu n'as pas de libre arbitre, je te, je te, le, je te le dis, il n'y a que Dieu qui peut te convertir et te sauver des flammes de l'enfer. Simplement, nous, on est là, les chrétiens, pour dire aux gens, voilà ce que vous devez faire, euh, si euh, pas faire, voilà ce que vous devez croire. Euh, pour être sauvé, c'est tout. Euh, ouvrez la Bible, lisez-la. Bah, tu l'as fait déjà, Mais donc tu as fait la première le étape. Le problème, c'est que ensuite... si, si je ne crois pas, si je ne crois ouais. pas, c'est du fait de Dieu, puisque j'ai pas de libre arbitre. Exact. Exact. Et si tu crois, et ben bah, si, je, fait je, de je dieu, suis désolé. Aussi. Ton raisonnement, euh, je suis dieu. désolé. Je, je reste bloqué sur ce raisonnement, c'est qu'à partir du moment où je n'ai pas de libre arbitre, je n'ai pas de choix, je ne peux pas être tenu pour responsable d'actes que je n'ai pas décidé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est le point de vue athée. Non, logique. non, c'est un point de vue de logique. Alors ça que... n'a rien à voir avec le point de vue athée, c'est un point de vue logique. Simplement, non, que... Dieu prétend, ouais. Dieu, si Dieu existe, il prétend être parfait et il prétend être juste. Le problème, c'est que ses actions contredisent ses, euh, contredisent sa, euh, ses, ses prétentions. C'est tout. Tu n'as pas plus loin que ça. Donc, il ne peut pas être Dieu. D'où la vidéo que j'avais faite qui, qui disait Dieu n'est pas divin. Je ne sais pas si tu l'as regardé. Mais euh, non, ça, je n'ai pas ça, vu ça, mais je, je, je Voilà, donc en fait, je détruis, euh, je fais la démonstration que toutes les théodicées ne tiennent absolument pas euh, la route. Voilà. Alors, il faudrait que tu t'attaques à une théodicée intéressante, c'est celle de Leibniz Mais je, je la défonce. Euh, je si je la défonce. Ah oui mmh. Dans cette vidéo-là Ah oui, bien sûr. Je, je m'attaque à toutes les théodicées, dont celle de Leibniz. Voilà. D'accord. Donc. En fait, tu relais la propagande. Qu Quelle propagande dans... Enfin, moi, j'ai lu. Quelle dit... propagande Non, parce que quand candid... tu dis propagande, non, de quoi tu, tu parles Parce que à l'éducation nationale, on a, on doit tous j lire Candide. J'ai, j'ai, alors j'ai lu, j'ai lu Candide, mais euh... je l'ai lu à une, à une époque où je pouvais pas comprendre toutes les implications. Soyons clairs. Oui. Non, moi non plus, mais on nous l'a tous fait lire. Ça veut dire que c'est au programme, c'est très important. Il y a la, Oui, mais alors mes arguments, euh, Voltaire, de... Mes, mes, de... Mes, argu... <laughs> mes arguments, s'ils rejoignent ceux de Voltaire, euh, ceux de Voltaire, ne sont pas ceux de Voltaire. Ce sont les miens. J'ai réfléchi tout seul dans mon coin comme un grand. Bien. Voilà. Mais tu reconnais quand même qu'il y a une propagande. C'était. Qu en débat quoi, quoi c'est une propagande disais, Il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'endoctrinement. Or, Candide est au programme depuis des années, et des années. Des années tu moi, veux qu'on parle de l'endoctrinement chrétien dans la société en général L'école, il un... L'éducation nationale n'est là que pour contrecarrer la propagande chrétienne qui a eu lieu pendant 1500 ans. Et depuis, a et, depuis, pas, et depuis a... depuis a... qu'on a, et et qu a, euh, qu a renoncé à cette contre-propagande, ben on se retrouve avec l'islamisme radical. Ah oui, mais ça, c'est un problème. C'est-à-dire que la nature. Sauf, a que, vide, sauf que... que Dieu nous punit. Quand, 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 on fait, quand on supprime les élus de Dieu, il y a les élus, euh, alors je ne vais pas généraliser, hein, tous les musulmans ne sont pas comme ça, mais il y a des gens en effet d'une autre foi Ils qui sont viennent... aussi des élus de Dieu, selon eux. Alors on ne va pas, on ah, va ouais, pas ouais, rentrer oui. dans cette discussion-là, oui, 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 mais je... ça prouve juste une chose c'est que quand on cesse de combattre les, la propagande religieuse, celle-ci reprend le pas dans la société. Et effectivement, vu le nombre de protestants qu'il y a en France ou de juifs, eh ben, les religions dominantes n'aiment pas les minorités, quelle qu'elle soit la religion. Hein. Les seules sociétés qui respectent toutes les minorités, enfin en tout cas qui font leur possible pour respecter toutes les minorités, sont les sociétés sécularisées. C'est tout, démonstration. C'est aussi simple que ça. Mais non. Est-ce que tu considères que le, le, la, Corée, la Corée du Nord est une société sécularisée Ah ben non, c'est une religion d'État. Non, voilà. Mais c'est une la, religion. C'est une religion. C'est une religion. Une... Attends, tu peux pas. Alors, toi, tu es en train de me dire que Jésus est vivant parce qu'il est ressuscité et que c'est lui qui est ouais. le maître de l'univers. Voilà, ah, c'est une foi. Voilà, très bien, en Corée du Nord c'est pas le mec vivant actuel qui dirige le pays, c'est son grand-père qui est mort officiellement dans la doctrine il est pas, de. il n'y a pas aucune preuve, il n'est pas là il ne vit pas avec les mais, gens, c'est un mensonge Mais il et ben c'est un mensonge menso men ben, moi je dis qu'il y a ah, une religion. Un, moi je dis qu'il y a un mensonge sur les suivants de Jésus qu'il n'est jamais sorti de son, son tombeau, voilà, c'est tout mais alors, une question quand même intéressante parce que comment tu expliques que le, le, le christianisme sans parler du protestantisme Non, me parle pas de son christianisme... succès. Me parle pas de son succès, ça tient pas debout. Non, non, mais non, non, je parle pas de son succès. Mais comment il a fait pour se diffuser comme si, ça C'est ce que tu es, es en train de faire. Je viens de te dire, ne me parle pas de la diffusion, c'est exactement ce que tu fais, ne me parle pas de son succès et de sa diffusion, c'est pas parce que c'est vrai que ça s'est diffusé, c'est parce que c'est un instrument politique qui a été, qui a été euh, particulièrement bien forgé, en particulier par, la, par, euh, par Rome, c'est tout, ça s'est diffusé comme n'importe quelle histoire, ça, comment s'est diffusé, diffusé l'islam, comment ça se fait que l'islam ait autant de succès dans le et monde, c'est bien, bien, bien une propagande. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que la différence avec l'islam, c'est une différence de nature et pas de degré, c'est que l'évangélisation, ce sont les chrétiens qui ont été massacrés. Et plus on, on massacrait les chrétiens, plus ça faisait des martyrs, plus ça faisait des vocations. Alors que l'islam, c'est l'inverse. C'est eux qui tuaient les autres, et c'est comme ça qu'ils se sont diffusés. Oui, ça, tout, en, tout, sont, tout, en, tout, tout en se présentant comme des martyrs. Mais ça, c'est autre chose. Sauf, Sauf que, que la quand, réalité, on les quand on cherche les martyrs chrétiens dans l'histoire, on ne les trouve pas. On ne trouve pas de vrais... Si. Non il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Mais, je suis désolé. Des vrais. Rigole, non, je rigole pas du tout. Si on prend tous les saints du calendrier, et a priori tous les saints du calendrier, c'est des martyrs chrétiens, on est d'accord ou pas Non. Pardon Ça, c'est des, cath... des saints catholiques, mais pas euh, chrétiens comme on les reconnaît nous. Euh, pas que je sache. Ça, Blandine, elle n'est pas dans le... Aussi, Pardon dans le calendrier, mais il n'y a pas beaucoup. Il y a pas beaucoup de Blandine. J'ai pas étudié cette question. Que tu que, que une cousine qui s'appelle Blandine, donc me raconte pas d'histoire. Ok, c'est très, très peu courant. Non, pas, pas, existe, de pas, pas de ma génération. C'est pas, c'est pas peu courant du tout. C'est oh. Blandine, ouais, j'en ai, j'en ai connu au moins trois. Ouais. Euh, voilà, c'est comme Sandrine et avec toutes les, avec toutes les, toutes les orthographes que tu peux imaginer. C-E-N-S-E-N-S-A-E. À quel sein en fait? Tu penses à quel saint. Euh, mais du tu calendrier prends n'importe quel saint de, 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 du calendrier, normalement c'est un martyr ah bon Je n'ai pas creusé cette question. Moi, il me semblait que c'était plutôt des, euh, des inventions non. des catholiques non. pour coller. Euh, bah, saint Benoît, par exemple, c'était pour coller euh, à, des, à des religieux, à des, à des dieux. Mais, mais euh, Bien Paris, sûr, mais. Ils ont mais, mais ça, bien sûr, mais. Ah ouais. bah, ben, bien mais évidemment, mais tout en inventant l'histoire d'un martyr. Oui, tu as les deux phénomènes en même temps. Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de martyrs inventés, attention. Par contre, il existe des vrais martyrs chrétiens. Enfin, tu rigoles. Aujourd'hui même, là au moment où on parle, il y a des millions de martyrs chrétiens. Arrête, mais arrête, arrête, arrête. monde arabo musulman les coptes, par exemple, ils sont pas des Mais bien sûr, bien sûr, c'est immonde ce qui est dans le truc. Mais de la même manière qu'il y a des, entre guillemets, il y a des martyrs juifs. Mais de l'autre côté, tu as des gens qui vont te dire, il y a les martyrs palestiniens. Ben oui, c'est pour ça que je... Mais moi je n'y parle pas donc, les donc, est donc toi non, 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 non. Mais ce que je veux dire, c'est que non, tu, tu pars du principe que le fait qu'il y ait eu des martyrs, ça permet la diffusion du truc et ça prouve sa, vé... sa véracité. Désolé, il y a des matières palestiniens qui prouvent la véracité du, de l'islam, selon les musulmans. Non, justement. Je n'ai pas, pas fait la conclusion. Moi je te posais juste la question. J'ai pas dit ça prouve la véracité, puisque, comme je l'ai dit et je le répète, il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu. Merci. Il n'y en a pas. Très bien. Donc, ne, mets, ne mets pas ça dans la bouche non, non, parce non, que non. je l'ai cru à un moment, et mais je ne plus. Je te demandais simplement, honnêtement, enfin, voilà, c'est une question honnête, comment tu expliques que des chrétiens euh, aient été prêts à mourir pour un mensonge parce que Mais parce qu'il y, y a des communistes qui ont été prêts à, de, à mourir pour un mensonge, parce qu'il y a des bouddhistes qui ont été prêts à mourir pour un mensonge, parce qu'il y a des musulmans tous les jours, justement, en, euh, dans le conflit israélo-palestinien, qui sont prêts carrément à sacrifier leurs enfants.

le fait pour pour d'envoyer un, un gamin de 10 ans sur un marché avec une ceinture d'explosifs. Non. Ah, j'ai pas comparé ça. J'ai comparé l'enfant en dehors de, du ventre de la mer et à l'intérieur du ventre de la mer. Pour moi, il n'y a aucune différence. Ben, c'est un enfant. Ben, non. non. Toi, tu fais une différence parce qu'il y a le ventre de bah, la mer. Oui, ça fait une sacrée différence. C'est la folie mais actuelle. Mais non, ce pas, pas, pas la folie actuelle. C'est depuis très très longtemps. Et c'est pour ça que depuis très très longtemps, on a trois mots. Embryon, fœtus, bébé. Mais l'embryon, il a le cœur qui bat. Et alors bah, C'est quoi alors Une bête bah, On a tous été ça. C'est pas encore un humain. C'est un humain potentiel, oui. Un ah, potentiel, ah, c'est beau. Ouais. Mais là, voilà, c'est là où on ne suit pas. Au niveau moral, nous, voilà. On dit ça, c'est immoral, tu vois, par exemple. De dire un, un humain potentiel, c'est ce que disait. Je ne veux pas faire de comparaison, je ne vais pas t'accuser de quoi un truc, ça. un truc qui est gros Mais... comme ça il voilà. y a une les, maison les, en les, feu. Les... D'un côté, il y a un bébé qui hurle. De l'autre côté, tu as une éprouvette avec ça. Tu choisis ça Il n'y a pas à choisir. On sauve les deux. Non, tu te retrouves dans une situation où tu peux pas sauver les deux. Tu es obligé de choisir. Mais pourquoi je... Non, mais je te mets dans une situation où tu peux pas choisir. Mmh. Tu sauves quoi La boîte de, de... 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 de pétrie ou le bébé qui bleut. La boîte de quoi la boîte de pétri. C'est tu sais ce que c'est une boîte de pétri. Quoi une boîte de pétri, tu sais, c'est un truc comme ça là, c'est où tu fais des cultures de cellules. Ouais. D'accord. Par exemple, pour une fève, ouais. on prend du sperme, on prend un œuf, piti euh, piti et c'est pas dans le ventre de la maman, c'est dans une boîte de pétri. Puis après, on prend le résultat et puis on le met dans l'utérus. mais les deux sont une vie humaine. Très bien. En plus. Très bien. Voilà. Très bien. Non, tu ne les tu non non tu ne peux non je te mets dans pas un pas non je te mets bon. dans un dilemme où tu ne okay. peux pas choisir je te mets dans un dilemme où tu ne peux pas choisir tu rentres dans une maison en flamme. à droite il y a un bébé qui braille et de l'autre côté il y a une boîte de pétrie laquelle des deux vies tu sauves je dis les deux bon tu es de mauvaise foi ok non, parce que moi je te dis maintenant, choisis entre ton père et ta mère, tu vas faire quoi Ah, je choisis ma mère. Tu vas pas choisir Ah, si ami. si, je choisis ma mère. Ah bah, voilà, bah ah mais, oui, je choisis ma mère. Je choisis ma mère parce que elle n'était pas très douée, mais elle m'aimait vraiment. Alors que mon père était un sacré connard qui m'a massacré psychologiquement. Ça, oui, mais, 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 très... mais Ça c'est personnel. Oui, c'est personnel. c'est très. Mais effectivement, tu touches du doigt le fait que c'est très personnel parce que effectivement. Quand quelqu'un rentre dans une baraque entre son bébé et le bébé de la voisine, a priori, elle va choisir son bébé. Et entre un bébé et son chat, a priori, elle va choisir le bébé. Entre son chat et un chien errant, elle va choisir son chat. Oui, nous sommes attachés aux objets qui nous sont proches. C'est comme ça, c'est oui. humain. Donc, euh, les, les cas d'avortement, c'est pas euh, ces cas-là qu'on a. C'est soit on sauve euh, le bébé de la mort. Et on l'adopte après, on peut faire ça. Oui, mais, veux. Mais, mais ça n'arrive jamais. On le, on mais ça n'arrive jamais. Tue. Tu es dans une position théorique. J'avais vu un reportage absolument immonde en Russie où il y avait justement l'équivalent de Civitas ou de SOS tout petit, l'équivalent de SOS tout petit pour chez nous, hein, où tu avais en hum, genre un numéro vert pour aider les femmes enceintes qui ne pouvaient pas garder le bébé parce qu'elles étaient dans des situations un peu compliquées euh, socialement, etc. etc et en fait il faisait tout pour les convaincre de ne pas avorter parce que c'était un crime que c'était pas enfin, Bon, alors il leur, il leur disait pas ça hein. yeah. ils se présentaient pas ils se okay. présentaient jamais okay. ils se présentaient jamais sous l'aspect moral en disant mais oui mais on comprend votre douleur on va vous aider nana et ils accompagnaient la nana jusqu'à son accouchement d'accord donc elle était léger okay. logée nourrie machin, etc on sauve une vie c'est merveilleux formidable okay. voilà si c'était toi, tu serais bien content. Ouais, voilà. Parce que moi so, quand ah, non, laisse moi, laisse moi, femme, laisse -moi finir. Ah, pardon, non, non, fini. non, laisse moi finir. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire, elle s'arrête quand la nana a accouché. Parce qu'au bout de deux jours, on lui dit bon bah il y, y a des nanas qui ont besoin du lit. Donc tu te casses. Bah et mon bébé. ah oh, bah écoute, euh, tu es responsable. Hein. Tu te le gardes et puis tu te débrouilles. Et là on se retrouve avec deux vies gâchées. Une nana par exemple. Eh oui, une nana par exemple qui est Non, ah, non, non. Tu te fous de ma gueule. Tu veux. Tu, tu, de vie gâchée, tu en veux... Elles sont sont tu... déjà. On pourrait le démontrer. Alors, alors que très, simple, très, très simplement, les statistiques mais... mondiales sur l'âge du premier bébé des femmes. En général, quand une femme a des. Ah bah tiens, on va prendre l'exemple des États-Unis, hein, puisque le, le, le pays merveilleux euh, que, tu, que, que tu mets systématiquement en exergue, tu regardes tout. Toutes les statistiques sociales et toutes les statistiques de réussite dans le, dans le pays, tu compares d'état en état et tu t'aperçois que dans la Bible Belt, c'est là qu'il y a le plus de viols, c'est là qu'il y a le plus de grossesses non désirées, c'est là qu'il y a le plus de grossesses d'adolescents, c'est là qu'il y a le plus d'enfants abandonnés, c'est là qu'il y a le plus de filles qui ne font pas d'études supérieures, c'est là où il y a le plus de pauvreté, c'est là où. C'est systématique, sur, sur une échelle globale. Ce n'est pas un ou deux cas, hein. c'est des statistiques sur des centaines de milliers de personnes. Je veux dire, les chiffres sont évidents. Plus une femme a un enfant tôt, moins de chances elle a de s'en sortir dans la vie. Et, et c'est le meilleur moyen de garder quelqu'un dans la pauvreté, c'est d'avoir une mère qui a un enfant très jeune. C'est une catastrophe. Une femme qui ne peut pas faire d'études, des choses comme ça. Et c'est aussi pour ces raisons-là qu'effectivement on a mis en place l'IVG, pour éviter que des femmes se massacrent le ventre à coup d'aiguilles à, de, 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 à tricoter. Et surtout, les statistiques montrent qu'à partir du moment où les femmes font plus d'études, elles font moins d'enfants, mais elles les élèvent mieux et ils sont moins pauvres, ils ont un, une, un, un plus de chances d'avancer socialement. Les chiffres sont... Évidents. Partout dans le monde, depuis un siècle, on a toutes les statistiques qui le montrent. Tu veux garder quelqu'un mais... dans la pauvreté, tu veux lui gâcher la vie, débrouille-toi pour que sa mère ait 14 ans et qu'elle fasse pas d'études. D'accord. Donc, ce qu'on voit par ces chiffres, c'est que, que l'avortement mène à la mort de la personne. Et toi, tu préfères qu'elle meure plutôt qu'elle vive plus ou moins bien, parce que tu as plein de gens qui pas ont une eu personne. des enfants difficiles. Voilà. Ce n'est. Tu pas... n'étais pas une personne. Non. Donc, à partir de quand c'est une personne, tiens Intéressant. À partir que de la moment loi qui le détermine. Bah oui, c'est scientifiquement. Hein. Non, non, non. Il y a, non, il n'y a pas de consensus scientifique puisque s'il y avait un consensus scientifique, on aurait la même date d'avortement pour tous les pays du monde. Okay. Donc effectivement, c'est euh, un choix arbitraire d'un certain nombre de semaines. Mais la science, un... c'est pas un choix arbitraire. Il y a la fécondation. Et puis il y, y a après, il y a avant la fécondation et puis il y a après la fécondation. C'est le seul moment où la science dit voilà, là il y a une vie ou il n'y a pas une vie. Non, elle ne dit pas il y a une vie où il y a une vie, elle dit il y a une fécondation. Voilà, et la fécondation mène à la vie. Non, ah, c'est ça. C'est ce que dit la non. science. Mais je non, sais pas non, non, pas forcément. Non, pas forcément. Tu veux t'expliquer tu, tu veux, tu veux pourquoi Parce que moi je suis le survivant d'une paire de jumeaux. Elle mmh. est arrivée au deuxième mois, ma mère a, a perdu énormément de sang, elle, cru, elle a cru qu'elle faisait une fausse couche. Ok, et donc Je vois pas où tu veux en venir. En fait. Bah Dieu est le plus grand des avorteurs. Il a tué mon frère. Ah, est Dieu, le responsable. Mais tu n'y crois pas, alors il faudrait savoir. Si non, tu es toi, quand tu veux lui reprocher toi, des Toi, choses... Ah, bah, selon, toi, mais toi, selon moi, Dieu est parfait. Okay, donc, euh, ouais, donc, il a fait ce qui était parfait voilà, pour toi. Il a fait toi. ce qui était parfait pour moi, c'était de tuer mon frère. Oui, parce que selon Dieu, son frère est au paradis aujourd'hui. Ta sœur, peut-être. Bah, est, elle est au paradis aujourd'hui. Bah, non, aujourd puisqu'elle est née dans le péché. Elle, si. elle est née dans le péché, non. mes parents n'étaient pas mariés. Non, non, Elle est née dans le, le péché, mes ah, parents n'étaient pas à, mariés à moi, les petits enfants. Non, mais il y a plein de passages dans la Bible qui attestent que Jésus sauve les enfants quand ils meurent en bas âge. Que ce soit dans eh bah, n'était pas un enfant, ou... c'était un, voilà. ah, un fœtus. C'était même pas un fœtus, c'était un embryon. Eh bien, la Bible reconnaît que euh, dès le ventre de la mère, dès la fécondation précisément, c'est un enfant. Eh bah, c'est eh bah, une erreur. Plus embryon, tout ça, c'est des mots qui ont été créés. Pour comme ivg d'ailleurs, pour pas dire avortement, ce qui est déjà beaucoup br brutal. Et quand on voit les, les images d'un avortement, c'est pour ça qu'on fait écouter non, les battements de Non, non, c'est immonde, oh c'est immonde, ouais, les... immonde, Et les ah, images, ai les, les images, les images qui sont utilisées, les, les gens qui sont contre l'avortement, le, les gens qui sont contre l'avortement systématiquement utilisent des images d'avortements médicaux qui ont été décidés pour sauver la vie de la mère parce que l'enfant est de toute façon en train de mourir ou ce genre de choses. Donc toutes les images. De de, de de fœtus qui sont à 5 6 7 mois qui sont effectivement démembrés pour qu'on puisse les sortir mais c'est pas ça un avortement un avortement 95 du temps c'est un truc que tu peux même pas déterminer c'est un caillot de sang tu peux même pas le voir c'est même pas gros comme un peu c'est même, même pas gros comme un peu comme un pois chiche Arrête puisque tu as raconté une anecdote tout à l'heure je vais t'en raconter une aussi quand j'étais euh, journaliste à enquête et débat donc mon site que j'avais j'ai appelé euh, le planning familial. Et c'est marrant parce que c'est exactement le contraire de ce que tu as dit pour la Russie tout à l'heure. C'est-à-dire, je leur ai dit, je me suis fait passer pour le mari d'une femme qui était enceinte de, je crois, 4 ou 5 mois, je ne me rappelle plus, mais au-delà des, des 3 mois. C'est 3 mois ou 3 semaines euh, C'est 3 mois, non. <laughs> je sais plus, 12 semaines, voilà. Au-delà des 3 mois. Et donc, j'ai demandé leur avis au planning familial. Et ils m'ont dit, oh, ah ben nous, on ne peut pas s'en occuper, mais allez dans tel pays, je ne sais plus c'était l'Espagne ou les Pays-Bas, ils s'occuperont s'occupera de vous, ils s'occupera de vous sans problème. Donc, c'est-à-dire, ils m'incitaient à euh, aller contre la loi de mon pays pour, je sais pas, le plaisir que ma femme avorte. C'était quand même un plaisir Tu devrais avoir honte ben de oui. dire ça mais tu devrais. C'est honteux il ce que tu il dis. Il mais c'est dégueulasse. Le plaisir. Tu es oui. en train d'utiliser tu sais cette... exactement les arguments des oui. catholiques qui parlent d'IVG de ah, mais confort. Tu... Mais c'est immonde. Je suis désolé, mais là, tu me mets ça en colère. C'est dégueulasse. Non, ça existe aussi. C'est dégueulasse. Tu peux le nier, mais c'est dégueulasse. J'en connais des femmes qui ont fait des IVG de confort. C'est dégueulasse. Donc tu peux pas nier ça. C'est dégueulasse. Il y a des femmes qui en ont fait et qui ont souffert derrière, souvent. Le plus souvent, parce qu'un avortement, c'est euh, une horreur. Et ce qui est dégueulasse, c'est que Des gens comme toi en font une horreur. Mais c'est immonde, ce que tu viens ah bon de dire. C'est immonde. Bah, non. Ce qui est immonde, c'est d'inciter la personne à, con... à... à briser la loi, déjà, un, quand on est légaliste, et deux, à tuer une vie qu'on reconnaît, même dans la loi, être une vie. Alors Ça, c'est dégueulasse. Alors... Mais tu pas ça, j'espère. Mais si, absolument. Tu cautionnes que le planning familial incite des femmes qui ont dépassé le délai légal à aller se faire avorter ailleurs. De combien de jours De combien de jours De combien d'heures J'ai dit quatre ou 5 mois, peu importe. Non, non, non. Ok. Tu es au courant qu'il y a des déni de grossesse Il y a des femmes qui sont enceintes Ils ne le savent pas Et alors Qu'est-ce que ça change avec mon exemple Parle. Réponds sur mon exemple. Le planning familial, j'ai l'exemple. Moi, ça me pose aucun problème. Ça ne me pose voilà, aucun problème ça, parce qu'on ne se retrouve pas... Très bien, ok, c'est dégueulasse. dégueulasse. Ok, on a une dégueulasserie partout. Euh, il se trouve, par non. exemple, tu, tu, tu te vois, te vois te par, par exemple... Moi je suis pour la vie. Non, tu ne protèges pas la vie. Ouais. Tu ne protèges pas la vie. Ah, si. tu, tu protèges la tout pauvreté. Cas. Tu protèges le malheur. <laughs> tu protèges <laughs> la possibilité tout. de faire la charité. C'est juste immonde. Et tu ne protèges pas la vie des femmes tu protèges pas leur avenir mmh. c'est marrant de dire je protège la vie mais en fait tu protèges pas le, la vie tu protèges pas le futur en fait tu protèges Merci. pas non 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 non. tu protèges la vie à l'instant T sans te... Sans, sans, sans te sans te poser la question du futur oh, au contraire non non, non et d'ailleurs ça contrevient et, de et de ça de contrevient de totalement de je, je ne comprends même pas que tu puisses avoir une posture morale là dessus puisque tu penses toi que nous n'avons pas de libre arbitre ces femmes si elles avortent c'est pas par choix c'est pas par confort c'est parce que dieu l'a voulu ah. c'est bien, bien ta vision ou pas c'est te... bien -ce ta vision ou pas est-ce que c'est ta vision ou pas nous n'avons pas de... ma vision ta vision c'est que... que Dieu est parfait oui. ma vision c'est que, que, okay. que, okay. que Dieu est parfait que nous n'avons pas de libre arbitre que nous n'avons pas de libre arbitre très bien d'accord donc ma vision. si donc si si, attends, la... si te une te femme fait un avortement c'est de la volonté de Dieu okay. c'est que Dieu l'a permis non d'accord non Parce que il auto attends vais... laisse-moi répondre non. si, bah, si dans ma vision tu je... changes les non, mots pas, pas du tout je te dis ma vision ma vision c'est que Dieu est parfait un donc il ne fait jamais le mal. Si. Il le permet parfois pour montrer ce qu'est le mal et comment lui, il en triomphe. Et comment il en triomphe, c'est que oui, les voir c'est l'ego. Les enfants. Regardez comme je suis fort. Directement, directement au paradis. Voilà comment il en triomphe du mal. C'est-à-dire que les bourreaux euh, totalitaires. Parce que toi, tu cautionnes que 96% des trisomiques 21, c'est-à-dire des handicapés, euh, d'handicapés donc, euh, soient... Euh, au... Avorter jusqu'à 9 mois potentiellement Ça, tu cautionnes Tu es pour ou contre le handicap Enfin, c'est toute une politique, ça, morale. Comment tu peux cautionner ça J'espère que tu ne cautionnes pas. C'est la politique actuelle. Hein. Jusqu'à 9 mois Il me semble. Les trisomes 2021, tu as le droit de dépasser largement le délai légal. J'ai demandé, demandé au chat de ouais, vérifier. vérifier. Et Mais ça, ça me paraît, paraît n'importe quoi ce que tu es en train de dire. Ah ben non, puisque 96 des trisomiques 21 sont avortés, ça c'est un fait. Après, jusqu'à tu peux largement dépasser le délai légal, oui. Et tu peux même aller jusqu'à 9 mois. Alors je ne sais pas si c'est pour les trisomiques 21, mais c'est pour d'autres cas où c'est même pas du trisomique, mais il y a une, une crise existentielle ou je ne sais pas quoi. Ils ont intégré ça dans la loi. C'est hallucinant. Euh, ça existe ça aussi. Alors attends, excuse-moi, je suis en train de, le... de lire le, ah, le chat. Faire, La législation prof française permet l'interruption de grossesse pour raison médicale à tout moment de la grossesse, si tu es au delà du délai de 14 semaines accessible pour les IVG pour raison médicale. Alors je ne sais pas si c'est pour la mère ou pour l'enfant. Mais je pense que tu confonds avec la nouvelle loi bioéthique euh, qui met en balance le risque de mort de la mère. Non non, là je te parle des bébés atteints de trisomie 21. Pour l'instant, on n'a rien. Rien du tout. Oui. Si, Est-ce que. Alors, euh, dans le chat, j'ai demandé est-ce que quelqu'un a Twitter et qu est-ce est -ce que quelqu'un peut poser la question à Fantine Donc moi je lis du côté du bébé, la loi stipule que l'interruption peut être pratiquée s'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint une IMG, c'est-à-dire une interruption médicale de grossesse. Oui, mais. Non, non, mais interruption médicale, le problème c'est que là, on ne sait pas si la médicalisation concerne la santé de la mère ou celui de l'enfant. Justement, ils font la distinction. Donc, je suis le, sur le site parent.fr. Du côté de la mère, etc. Mais du côté du bébé, la loi stipule que l'interruption peut être pratiquée s'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une infection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Il peut s'agir d'une anomalie chromosomique comme la trisomie 21, mmh. d'une malformation fœtale comme une spina bifida étendue ou encore d'une pathologie génétique responsable d'une maladie héréditaire. Voilà, donc l'IMG, quel est le délai Peut-être pratiquer au-delà de la 12e semaine de grossesse. Aucun délai n'est prédéfini, ce qui permet aux parents ah, de. Alors attends, de attends, attends, attends. attends de... Là, j'ai un médecin. La trisomie 21 fait partie des raisons médicales acceptées par la loi pour recourir à une interruption médicale de grossesse, IMG, qui peut intervenir après le délai de l'IVG. L'IMG peut être pratiquée durant toute la grossesse jusqu'au jour de l'accouchement. Certaines femmes ou familles la choisiront, d'autres non. Donc tu vois, ça, moi, ça, je j'appelle ça de l'eugénisme. Claire et nette. Et ça, on cautionne aujourd'hui dans la société, quoi, euh, avec tous les bons sentiments du monde. Mais ces, ces enfants-là, tu vois, De Gaulle, il avait eu un enfant, ça. Oui. et ben, ça l'a changé, ça l'a rendu plus humain. Et moi, si j'avais eu, parce que j'ai eu un enfant, et toi aussi, tu as eu un enfant, et, et je me suis demandé à un moment, tiens, si c'était un trisomique 21, est-ce que je le garderais et je, et Même, j'étais pas euh, croyant à l'époque, mais je me suis dit oui. Avec ma femme, on s'est dit, bon, on garderait quand même. C'est terrible, évidemment, pour l'enfant qui va souffrir, mais ça reste un enfant, et ça reste une vie à naître. C'est là où je trouve la société aujourd'hui barbare. Rien que sur cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Sur l'avortement lui-même. Mais bon, ça, on n'est pas d'accord. Mais peut-être sur euh, l'eugénisme, là, tu seras d'accord. Ça dépend de la définition qu'on a de l'eugénisme. Mais il n'y a, ah, a pas de politique eugénique. Eugéniste. Avoir une politique eugéniste, c'est le législateur qui dit voilà, c'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. Oui, c'est comme ça. Oui. 96%, ça veut dire là, que c'est les... hein euh... tu, tu as l'air d'oublier que là, ce sont les parents qui décident, et la femme en particulier. Il n'y a aucune ah. obligation. Tu, tu, ah, déformes sûr, le nom... tu, déformes, tu déformes le sens du mot eugénique, eugénisme, parce qu'il n'y a aucune obligation pour les parents de se débarrasser des enfants qui ne correspondent pas aux critères génétiques retenus par le gouvernement. Ça n'a aucun rapport. La loi, tu sais bien, bah, on non, revient au discours. Euh, non, euh, Accès, la mais, mais reco reconnaît reconna reconna que le génisme est une politique, une politique qui est euh, imposée aux gens. C'est la définition même de l'eugénisme. C'est l'État qui décide pour toi. Est-ce que là, c'est l'État qui décide pour toi est-ce que quand une femme avorte, est-ce que c'est l'État qui, qui décide pour elle Regardez, je... Non, non, le, non, non, réponds de... à la question. Il n'est pas question d'incitation. Non, non, il n'est pas question d'incitation. Je réponds avec une analogie. Non, non, je, je analogie. non, non c'est oui ou non. L'eugénisme, non, l'eugénisme bon, bon, le bon. correspond à une définition précise. Tu déformes la définition de l'eugénisme pour, pour défendre ta position. C'est malhonnête. Regardons la définition précise d'eugénisme. Je ne sais pas, tu l'as lu la définition précise de l'eugénisme Non. Alors, lisons-la ensemble. Alors. Pourquoi ça me fait eugénique Il n'y a pas eugénisme là Je mets eugénisme et ça me sort eugénique. Comment ça se fait Sur le trésor informatisé, il n'y a pas eugénisme Curieux. Donc eugénique, substantique féminin, eugénisme. « Ensemble des recherches biologiques génétiques et des pratiques morales et sociales qui ont pour but de déterminer les conditions les plus favorables à la procréation de sujets sains et par là même d'améliorer la race Mais humaine. » Mais le but, ce n'est pas d'améliorer la race humaine. Voilà. Mais voilà. Quand, quand, on, quand, on, quand une femme décide de ne pas avoir un enfant, elle ne décide pas d'essayer d'améliorer la race humaine. Elle essaie d'éviter une souffrance inutile. Sur de qui La sienne et celle de l'enfant. Incroyable. La sienne et celle de l'enfant. On souffre tous. hein Scoop. On souffre tous. Je suis journaliste d'investigation, mais ça, je crois que tu peux le savoir aussi. On souffre tous dans la vie. Et une vie est une vie. Une vie vaut une autre vie. Un handicapé n'est pas un scoop. Non. Un handicapé est un sous-homme. Non. Ce n'est pas ce que j'étais en train de dire. Ah merci, parce que là, ça va loin aussi. Parce que c'est ça la politique actuelle. On considère qu'il y a des sous-hommes à non et donc on tue avant qu'ils naissent. Concrètement, non. On l'autorise. Non, si. Non, non. Mais non. Tu le savais Mais pas. non. Mais. Bah, ce qu'on vient mais de voir. <laughs> mais tu. T... Non, je suis désolé. Va... je suis désolé, mais cette conversation va plus être euh, possible si tu si tu changes la définition des mots, euh, ça va plus être possible. Je suis désolé. Quand une femme décide de ne pas avoir un enfant, ce n'est pas pour améliorer la race humaine. Et ce pas parce qu'il y a de la souffrance, tout le but de tout organisme vivant est de diminuer la souffrance qu'il peut avoir. C'est justement pour ça que nous avons un système de défense et un système qui nous, qui nous, qui, qui nous fait euh, éviter la souffrance. Et c'est vrai de tous les animaux. C'est un instinct animal de base, éviter la souffrance. Effectivement, l'humain est vachement fort pour ça, quand on voit euh, tout ce qu'on est capable de... de, de de guérir, de... Enfin, tous les produits qui nous permettent de nous arracher des dents sans souffrir, etc. Enfin, je veux dire, mais toute mais la civilisation. Est pas un... pas compris. Est -ce que tu peux préciser, est-ce que c'est la souffrance de la mère ou est-ce que c'est la souffrance mais de toute l'enfant la... Toutes toute les... les deux. La souffrance, la deux. souffrance Donc, morale plus, de la mère, des difficultés euh, sociales, euh, de, de... Ah, la, sou la souffrance euh... de euh... voir non. son enfant souffrir. Les souffrances de voir mais... son enfant souffrir, bordel de merde mais, et alors il faut tuer tous ceux qui souffrent alors C'est ça que tu es en train de me dire Comment tu peux déformer mes propos à ce point-là Non, non, non c'est faux, c'est absolument hein. pas ce que je sous-entends. Tu me fais un procès d'intention, mais, mais... Bah, c'est halluc hallucinant halluc ce que tu es en train de faire. Je, dis, je reprends ton argument, tu dis il souffre. Et Donc il ne faut pas qu'il souffre, donc on le tue. Bah non, jusqu'à 9 mois il souffre, donc on le tue. C'est ça ta logique. En quoi c'est pas ta logique En quoi j'ai déformé tes paroles Explique-moi, parce que je, sinon je ne pas. On, la... Soit tu t'es mal exprimé, soit tu n'as pas compris. Là, on sait que vivre dans ces conditions est une souffrance pour les parents et pour l'enfant. C'est tout. Et que les conditions de vie et de, de dignité humaine. Et là, on rejoint la question de la fin de vie. Il y a des gens qui disent il y, y a une ligne rouge qu'il ne faut jamais franchir et euh, c'est celle que nous avons décidé parce que notre livre saint l'a dit comme ça il y a les gens qui disent non c'est une ligne grise parce que c'est à la personne de décider parce qu'il y a une personne qui va très bien accepter sa tétraplégie et le fait d'être en locked in syndrome et puis il y a des gens qui vont pas l'accepter et que tous les humains ne ouais. sont pas pareils, et qu'il n'y a pas de loi d'airain reins absolue, et qu'il faut non, il n'y a, a, lois... de... a pas de loi non, il n'y a pas non non, non. il y a une non. loi c'est qu'on protège non. la vie et non. une loi non chrétienne non. on ne protège pas non. la vie vous ne protégez la vie, pas la si vie pas non 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 dire on protège non 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 on protège la vie non vous ne protégez pas la vie non vous protégez un principe, mais vous ne protégez pas la vie. Vous protégez pas le fut la, la vie future de la mère en l'obligeant à avoir un bébé qu'elle ne peut pas assumer. C'est aussi simple que ça. En quoi on la tue En quoi on la tue On ne la tue pas. Elle vit, la mère. Et la vie est difficile, oui, en effet. Oui, et donc, ça, mais vous, les vous les en avez... Ah tête. oui, ils sont responsables de l'attaque, Bah, bah, oui, de leur bah, de leur bah oui, mais bien bah, sûr. Et à une époque, l'IVG était interdite, donc toutes les filles qui étaient violées et qui se retrouvait enceinte. Ah, oui, c'est ah, une exception pour la Oui, voilà. Donc ça, c'est toutes euh, les filles. Et tout, alors, voilà. Alors, elle si elle est victime, elle a le droit. Si elle est amoureuse, et que la capote pète, ah non, là, elle n'a pas le droit. Et votre raisonnement, il y, y a 70 pense, ans, si votre pense, raisonnement, bien. il allait jusqu'à, ah ben, euh, avoir un moyen de contraception, c'est une atteinte à la vie, il ne faut pas. Donc on vous emmerde en fait. C'était quoi les moyens de contraception il y a 70 ans ben Les capotes déjà. Il y avait pas la pilule. Il y avait, il y avait des capotes. Oui. Et ben oui, mais les capotes. Moi je suis pas l'église catholique. Moi. Les, les protestants on n'est pas euh, arc-bouté comme ça sur le sexe. Euh, y a, le, le sexe est, est très permis, voire, euh, il n'est pas diabolisé. C'est comme l'argent, tu vois. Il y, y a beaucoup de similitudes. Euh, l'argent, le sexe, tout ça, c'est oh, pas des tabous putain, chez le les protestants. Chiffon rouge ouais, avec femme, magnifique. Ah oh, putain, tu nous as fait une temps, faena, suis... là. Dire, ah c'était magnifique. Ah oh, putain. Avec sa femme. Oh la danseuse de, de claquettes. <laughs> ah c'était énorme. Non, non, vrai. Vrai. Dans le mais c'est un fait que je te dis là, je ne vois pas ce qui te fait rire. Dans le catholicisme, moi, ma grand-mère. Je te J'en je, ai rien à foutre du catholique. Je, je rien sais catholicisme. combien de fois elle a eu de rapports sexuels dans sa vie. Je le sais parce qu'elle a eu six enfants et une fausse couche, ça fait sept rapports sexuels dans sa vie. Ça, c'était la, la blague qui circulait dans la famille. Et ça, tu ne me diras pas le contraire. Ce n'est pas le cas dans les familles protestantes. Renseigne-toi. Pourquoi le protestantisme a légalisé le célibat euh, Pardon, le mariage je, des, tu, des, tu, des tu pasteurs. Sais, tu sais qu'il y, tu sais qu y a un film des Monty Python qui dit exactement le contraire, justement, entre les catholiques et les protestants les humoristes. Des humoristes. En quoi c'est une preuve Ils sont des humoristes. Ils disent ce qu'ils veulent. Ce pas une preuve. Moi, je te dis la preuve factuelle, historique, vérifiable, sourcée. C'est que les protestants ont autorisé le mariage des pasteurs là où il y a le célibat des prêtres. Ça, tu peux pas dire le contraire. Ah oui, bien sûr. Et c'est débile le célibat des Nous prêtres. d'accord. Donc il y a un tabou dans le sexe et dans l'argent. Parce qu'il y, 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 y a pas de, pas de tabou, de tabou de sur le sexe, de sexe des dans, des la des dans la société américaine qui est dominée par la psychologie luthérienne. Tu te fous de ma gueule Il y a pas un problème d'éducation sexuelle Il y a pas un problème d'éducation sexuelle et de tabou du sexe dans la société américaine Le tabou du sexe est défini parce que ça ne veut rien dire en soi. Il faut, faut définir plus clairement. Donne-moi des exemples. Enfin, tous les films qui parlent des difficultés sexuelles, des, des problèmes de névrose, de, de culpabilisation du sexe dans les familles, au sein des familles, aux États-Unis, c'est un des sujets centrales de, de, toutes les, de tous les films. Et donc de la littérature. Tu veux que par exemple, tu es en train de me dire, tu es en train, en train de me, es en train de me dire, les catholiques sont plus ont plus de problèmes vis-à-vis du cul que les protestants, d'accord Parce que c'est beaucoup plus protestants parce que parce que parce que les prêtres peuvent se parce que les pasteurs peuvent se marier contrairement aux prêtres. C'est un des exemples. Il y en a voilà. plein d'autres. Montre-moi, 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 montre-moi une, euh, montre euh, une famille protestante euh, qui, euh, qui, qui pratique, pratiquante, hein, croyante, vraiment. Il n'y a pas de qui... notion de pratiquant dans le protestantisme justement. Ça, c'est une notion catholique. On est protestant ou on l'est pas. On n'a pas besoin de pratiquer. nous, justement, il n'y a pas de libre arbitre. Mais vas-y, continue. Ok. Euh, donc, une famille prote... de vrais protestants, quoi. Voilà, de gens qui se réclament du protestantisme. Okay. Voilà, Et qui n'auraient aucun problème avec le fait que leur fille ait des relations sexuelles hors mariage. Ah, bah, oui, ça c'est une limite en effet. Euh, et alors, quel est le problème C'est-à-dire que si tu veux éviter justement les avortements, il vaut mieux que la fille n'ait pas de rapport sexuel en dehors du mariage. Non, tu crois pas Il y a une lien de cause à effet là. C'est bien d'enseigner ça. Moi j'ai été vierge au mariage, mais c'est pas parce que j'étais protestant, mais j'avais compris ça. J'avais compris que si j'allais tremper ma queue un peu n'importe où, j'allais engrosser des nanas alors que j'étais un jeune garçon qui n'était pas capable de m'occuper de ces nanas-là. Et donc j'ai pris mes responsabilités. Oui, il faut encourager les gens à prendre leurs responsabilités. Je pense que c'est le rôle de la loi. Si dans la loi tu dis demain, maintenant c'est autorisé de voler parce qu'il y a des femmes qui crèvent de faim et donc elles doivent pouvoir voler, qu'est-ce que tu crois que ça va générer comme, comme conséquence Il ben, y a plein de gens qui vont voler. Des gens qui seront bien intentionnés. Encore que hein, voler, c'est jamais bien intentionné. Mais quand même, voilà, une nana qui peut pas payer pour son gamin et qui va mourir de faim, ça y en aura toujours. Mais est-ce que pour autant tu vas légaliser le vol Non parce que tu sais très bien les conséquences que ça va générer et ben c'est pareil avec la légalisation de l'avortement. C'est les mêmes conséquences, la loi elle est là pour interdire, pour décourager, pour dissuader. Si tu légalises, tu encourages. C'est pour ça que c'est de l'eugénisme. Je reviens à mon truc parce que je suis pas d'accord avec toi. Osez me dire qu'il n'y a pas de problème d'éducation sexuelle aux États-Unis, c'est juste énorme. Je n'ai pas dit ça aussi. J'ai dit que chez les protestants et notamment américains, il y avait moins de tabous sexuels que chez les catholiques. Voilà ce que j'ai dit. D'accord, ok. Donc, c'est du what ouais, c'est-à-dire que eux, ils font pire que nous. Regardez, nous, on est bien parce ouais, que eux, ils sont nuls. Nous, on est moins nuls, donc c'est bien. C'est débile. Non, je ne dis pas ça non plus. Mais c'est mon standard aujourd'hui dans la sexualité, c'est le standard protestant. Je suis protestant. Voilà. Et, je vais pas te dire et que c'est Et lui. dans, et dans toi, les, les États lui. protestants, avec des gens qui vont régulièrement oui. au temple, etc., c'est là qu'on a le plus de cas d'avortement et de grossesse non désirée des adolescents. Donc, comme quoi, la politique de Pour découragement, poli de... c'est parfaitement déterminé film, dans que... toutes les statistiques. Donc là, c'est bon, je touche ouais. les chiffres, mais quand tu veux... Tu vas comparer donc la Bible Belt avec la Californie où il y a le sexe qu'on appelle Californication, hein, c'est pas pour rien. Donc tu vas comparer ça avec la Californie, à New York aussi où il y a des pratiques euh, très spéciales. Euh, donc Hollywood, hein, c'est la Californie, c'est pas la Bible Belt, c'est là où il y a la pornographie. Euh, et tu vas comparer ça avec la Bible Belt et tu vas me dire c'est dans la Bible Belt qu'il y a des problèmes, c'est pas en Californie, c'est pas à New York. Tu, tu, tu me j'espère. <laughs> C'est un, une blague. Et tu recommences. Est-ce que, que tu, toi re, toi, et, tu est et tu recommences avec. Est est -ce que tu re, toi, et tu Et tu Et tu recommences avec le what baptism. On n'est pas en train de comparer. On est. Non. Si, non. Tu dis non. Bible non. Bible non belt, on n'est pas, pas, pas en train ça. de comparer. On est. On n'est pas en train de comparer une sexualité à une autre ou ce genre de choses. On est juste en train de constater que le fait d'avoir une politique anti-IVG, anti-éducation sexuelle et basée sur l'abstinence a des conséquences plus négatives qu'une éducation plus ouverte et plus tolérante. C'est tout. On n'est pas en train de dire que vas-y, fais du porno à 15 ans, c'est une bonne idée. T'as aucun rapport? Sur ce, il est quand même 21h43, il est presque 22h. On va, on, on, on va peut-être on va, on va peut s'en tenir là. Tu ne m'as pas dit, par contre, euh, si tu étais euh, pour ou contre euh, la loi actuelle qui autorise donc d'avorter jusqu'à neuf mois les trisomiques 21. Tu ne m'as pas dit. Eh ben, je n'ai pas d'avis sur la chose. Je pourrais dire que, a priori, si le consensus médical dit que, que pour des raisons médicales, mais par exemple, la trisomie 21, où on autorise la mère à prendre la décision de ne pas garder l'enfant jusqu'à neuf mois. Eh ben c'est comme ça. Voilà. Tant pis pour eux, alors. Hum? Qui crée eux C'est ça Parce que c'est des, des enfants, là, es d'accord Ils sont complètement formés à neuf mois, huit mois, sept mois. Hum? Quand, euh, quand ils sortent du ventre de la mère, ce sont des prématurés. Hum? Donc, ils vivent, ils respirent. Non, et... ils ne sont, toi, non, toi, ils sont dis... pas prématurés. Non quand il... pour prendre la... le... Le... le non mais à 7 mois à 8 ah, mois ou ouais, 9 7... mois si on 6, sort 8... du ventre oui. de la mer, ils sont prématurés oui. Ils sont prématurés. Donc ce sont des êtres humains entièrement formés. Oui, euh, ils tu oublies juste tu eux, oublies juste, coups eux, coups juste un tout peu, 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 peu... peu tu ah oublies juste à tout petit détail c'est qu'il y a 50 ans un prématuré à allez on va dire 7 mois et demi il avait une chance sur 10 de survivre. Oui, je suis d'accord. Il y a eu des progrès scientifiques, mais là, je te parle aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la loi, c'est aujourd'hui. Oui, mais Donc, oui, mais, de, donc enfant, euh, on C'est na... on 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 les... En fait, on cautionne le meurtre. En quoi c'est différent de ce que faisaient les nazis Explique-moi, avec les handicapés. Moi, je ne vois aucune différence sur ce point très précis. Je ne dis pas que la société est nazie. Tu ne vois pas, 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 nazi, vois, vois pas la différence entre laisser le choix aux parents de prendre la décision et que l'État décide pour toi Réponds Est-ce que tu... vois Non. Ça n'a rien à voir. Autoriser, ça n'a rien à voir avec le fait d'obliger. Évidemment. Mais si tu autorises, ça veut dire que tu cautionnes. Donc tu apportes la, le poids de toute la société, euh, du législateur, euh, de toutes les instances morales, scientifiques, euh, philosophiques, etc. C'est ça, l'État, normalement, c'est la manifestation du consensus. Euh... C'est ça, les lois. C'est pour ça qu'on fait des lois. Donc, c'est une incitation et pas simplement... Euh, c'est pas une obligation. Quand tu, ça, quand, quand, tu du, une quand tu parles du poids moral, j'espère je, que ouais. tu es sérieux quand tu vois euh, comment a été traité Simone Veil au moment où la loi sur l'IVG est passée. Tu oses me dire qu'il y avait un consensus moral dans toute la société pour accepter la chose Tu déconnes ou quoi mais je n'ai pas parlé de ce moment-là. Le Mais... consensus, il se fait avec le. Temps. Non, 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 non. Il n'y avait, un non, consensus non, non, non. Il y avait aucun non. consensus au moment où c'est passé. De la même manière qu'il n'y avait... De de qu avait aucun consensus quand on a passé de la loi pour interdire euh, la peine de mort en France. Il y avait une grande majorité. Ça, c'est pire. Quoi voilà. Il y avait une majorité qui était contre. Hein, et on l'a passé quand voilà. même. Voilà. Donc, ça, on a écrasé la volonté du peuple voilà. comme le, le et, référendum et, de 2005, d'ailleurs. Et, 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 et refuser. Et, 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 et alors, pardon, excuse-moi, mais c'est marrant parce que refuser la peine de mort, c'est être pro-vie. Donc, tu non. te. Ah, bah si. Ah bah, parce si. Que... Non, non. bah si. La, si peine de considère... mort, la peine de mort, c'est de l'eugénisme. Parce que autoriser non. le fait de tuer quelqu'un qu'on considère irrécupérable, c'est de l'eugénisme, selon ta non. définition. Pourquoi pourquoi on le considère irrécupérable Parce qu'il a commis des actes qui le rendent irrécupérable d'après un jugement moral et scientifique. Ce qui n'est pas le cas du trisomique. Tu veux, interne, tu, 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 tu veux le chiffre Tu, tu veux le chiffre Tu ça veux ça le chiffre de, du nombre de, de cas où on s'est rendu compte a posteriori que le mec était innocent après l'exécution ah il oui, n'y a, a aucun truc qui est parfait. Ça, je suis d'accord. Ah toi dans mais c'est loin d'être parfait parce de que si c'était 1 sur 10 à la rigueur. Et encore même, c'est inacceptable que quelqu'un soit exécuté alors qu'il est innocent. C'est inacceptable. Oui, oui. Il y a beaucoup de choses inacceptables. Ça s'appelle les injustices. Mais la justice n'est pas parfaite. C'est pas la justice de Dieu, justement. C'est la justice des hommes. Donc, elle sera toujours imparfaite. Donc, je trouve, assez paradoxal, guerre, je vie, trouve assez paradoxal que tu dises qu'il faut protéger la vie, mais que tu fais la différence ouais. entre la vie d'un criminel qu'il faut pardonner et un enfant que tu considères innocent, mais qui est quand même pécheur. Parce que. Non, parce que je n'ai pas dit à qui j'appliquerai moi ah, la peine de mort. Ah, bah tiens. Mais ah, ouais, ça bah voilà. Si, eh oui. C'est-à-dire le tueur en série, d'accord Si toi tu estimes qu'il ne mérite pas la peine de mort et qu'il peut éventuellement ressortir. Sous ah, mais je n'ai jamais, jamais dit que. Je n'ai jamais dit que. Je n'ai jamais. Mais, je, mais, ah, absolument mais, tu, mais, si. mais absolument pas. Mais absolument pas. Mais... tant que tu la tues pas elle peut ressortir de prison mais si tu la euh, fermes mais en matière de haute sécurité si le régime change et qu'on libère mes gens non. ils sortent, c'est comme mais ça mais c'est euh, la qu'est-ce un... un... <laughs> qu que tu dis, là c'est la faux, réalité que tu faux, dis fausse alternative fausse alternative explique-moi parce que je comprends pas je crois que je suis pas le seul à pas comprendre c'est assez simple, il suffit d'avoir effectivement pour ces gens là une incarcération à vie réelle une vraie perpétuité alors tu le mets pas à mort et donc il si ne on... ressort pas Attends. Tu... Oui, grâce mais tu prends des cas exceptionnels des... C'est un exemple tu par prends... coup, non, si pas un pas parmi pas parmi tant d'autres. C'est très exceptionnel. Non, c'est pas. Un non, vrai. écoute, Jean, de... non, de... écoute, de... non, c'est pas sérieux. Non, je suis désolé. De... Des... Si, je... Non, de... mais tu pars d'hypothèses. On parle de principes et toi, tu pars sur des hypothèses. On parle du principe. Non, tu... on part de principes. On est en train de parler de principes et tu, tu dévis sur des hypothèses. Tu dis que. Tu dis un exemple. Non. Tu dévies mais... sur oh, des exemples vrai. possibles. Je suis désolé, le principe qui est le tien, c'est de protéger la vie. Le problème, c'est que tu fais, oui, oui. Une, tu, tu fais un choix, ah. tu fais une distinction entre les vies qui ne, se, justi qui ne vies. se justifient pas. C'est-à-dire, je ne mets pas au même niveau un tueur en série et un trisomique 21 dans le ventre de sa mère. Ça, c'est vrai. Et alors, tu me le reproches J'espère pas. Bah, je, je, Donc, le, je te, moi, je te je je le pense. reproche. Non, je ne te reproche pas le fait je ne te reproche pas le fait de faire la distinction je, je pointe ouais. simplement que c'est contradictoire avec ta, ton principe de respect absolu de la vie pas du si. tout, que la légitime défense peut mener euh, à, en se défendant on peut tuer la personne et pourtant c'est de la légitime défense non, tu, tu défends prends pas, pas la encore défense. un exemple qui n'a rien à voir avec le principe ouais, de non exemples. tu parles d'un exemple au lieu de parler du Principe, tu évites le truc. Si par principe, tu dis que tout, on doit protéger la vie, tu n'as pas à faire de distinction entre les vies. C'est tout. C'est aussi simple. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle euh, la, 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 le principe de précaution. Non. Non, non, coup, encore, prétend, non, euh, encore un une fois, non, encore une fois, je suis désolé, je, je suis désolé. Ah non, je ne bon, suis... je... vais pas expliquer mon désolé. principe. Non, tu... Ça existe le principe de précaution, ce pas moi qui l'ai mis en place, c'est moi qui l'ai inventé. Donc, si on estime par un collège d'experts. Eh ben, par de précaution, on le laisse enfermer jusqu'à sa mort. Voilà, perpétuité réelle. Et donc Et, donc, et alors, on protège la vie, et là, en on plus. respecte ton principe absolu de vie, protection de la vie. Ah, quel que Donc, soit le vie avec toi, c'est bien ton principe de protéger, la vie, quelques... toi, Alors, principe de protéger hein. la vie coûte que coûte. Pas la vie des Pourquoi tueurs Pourquoi en série. Non, j'en ai rien à foutre de la vie des Pourquoi tueurs en série. Parce qu'ils ont tué en série, déjà, première chose, voire violé, voire fait d'autres choses. Ils pourraient recommencer. Et surtout, si tu les gardes en vie, tu auras la famille Donc qui, en, fait... en permanence. Ça sera une double peine. Attends, laisse-moi finir. Ça sera une double peine, c'est-à-dire que non seulement ils auront perdu un de leurs proches, ou plusieurs de leurs proches, ou après viol, etc. Mais en plus, ils sauront que la personne est payés par la société, notamment par eux, c'est-à-dire eux-mêmes versent le moindre centime pour ce gars-là en prison déjà. Donc c'est une double peine. Et en plus, ils ont la crainte qu'il puisse ressortir. Et ça, tu pourras pas l'enlever de la tête des gens. Donc, familles. donc et et dans, tuer dans, dans, dans ton crainte, exemple, tu es la personne... Euh, tueur en série ou euh, je sais pas moi un islamiste genre, euh, ah du pardon 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 ouais, c'est ça les exemples d'accord ok d'accord la... okay, donc tu tiens compte du ouais. futur possible pour donc la vie. tu protèges pour la, vie, la vie pour protéger la vie tu tiens compte du futur possible d'accord pour protéger Comme pour, euh, protéger oui, alors, la qualité de vie et le la paix morale des familles des victimes d'accord moi, tu vas bien ok, compris. très bien. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait pas prendre en compte le futur de la mère et la qualité de vie de sa future vie, moralement Eh ben on la prend en compte. Donc là, en donc d'un côté, d'un côté, côté, le confort c'est acceptable, mais de l'autre côté, le confort c'est pas acceptable. De quel confort ah ben, Le confort moral de la personne qui sait qu'elle est vengée, entre guillemets, enfin la, la, la famille de la victime qui sait que. Euh, elle ne paye pas. C'est qu'il n'y a plus Mais personne voilà. euh, qui a de mal dans la société à cause de cette personne qui a tué soit leur enfant, voilà, très soit bien. leur femme. Soit Donc, leur frère. Le mal futur potentiel. Donc, Donc, le, mal futur potentiel, oui est... Donc question, le mal futur potentiel, oui ou non Je ne comprends pas la question. Tuer un islamiste ou un tueur en série, c'est avoir l'assurance qu'il ne pourra pas qu'on va éviter du mal supplémentaire dans la société. On va éviter de tuer des vies et surtout si donc un tueur en série il a tué plusieurs vies donc plus il a tué de gens plus le risque est grand qu'il recommence s'ils sortent. pour X raisons moi je suis pas là pour évaluer les raisons il peut y avoir une grâce présidentielle il peut mais y mais avoir mais un changement dans, dans, dans la d'accord dans, mais dans l'absolu aussi... on est d'accord qu'il s'agit aussi du confort moral des survivants ou de la famille de la victime des victimes oui ou non Aussi, voilà, c'est un événement supplémentaire. tu tiens compte, tu tiens oui, compte, oui, oui, du oui, oui, oui. tu du futur. Tu tiens oui. compte, du futur. Tu tiens compte du futur possible. Bien. Pourquoi tu ne tiens pas compte du futur oui. possible de la mère qui ne veut pas gâcher son avenir Et Justement, j'en tiens compte parce que la mère en question. Il faut analyser pourquoi elle a envie d'avorter. Parce que c'est quelque chose de grave. Parce que c'est quelque chose qui va lui nuire. Même si elle le désire, c'est quelque en chose qui va lui nuire parce qu'elle aura des séquelles en quoi psychologiques. Toutes les femmes et tu penses que les. D'accord. Et tu penses que les. Je ne sais les pas d'où tu, tu, tu sors cette statistique. Ah bah en fait, je ne sais quoi, pas d'où tu croisé, sors cette statistique de 100% femmes des femmes qui regrettent d'avoir avorté. On dit séquelles psychologiques. C'est violent. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais est-ce que c'est plus violent que de crever la dalle et de rester pauvre toute sa vie parce qu'on n'a pas pu faire d'études. Ça c'est l'autre aspect de ton argument. Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec cet argument parce que euh, il voudrait dire que systématiquement c'est le cas. Non, systématiquement, c'est pas, systématique, systématique, bon, bon, pas systématique, mais le cas, les statistiques montrent bien. que c'est une tendance qui est très largement démontrée. Ouais, donc c'est là où l'État normalement a un rôle à jouer d'accompagner ces femmes et de les encourager non pas à tuer la vie qui est à l'intérieur de leur ventre y compris pour les viols, c'est là où moi je vais très loin. Parce que là, effectivement, je ne fais pas de différence. Ce n'est pas à l'enfant de payer pour euh, le viol la mère. Et donc la mère doit supporter le fait de porter l'enfant de son violeur. L'enfant de son violeur. C'est-à-dire que pendant 9 enfant. mois, elle va penser Dans à ce qui lui est arrivé. Ouais. ça, elle le pensera si toi et des gens comme toi n'arrêtent pas de lui dire tu portes l'enfant de ton violeur. Ça, c'est de la culpabilisation. Et Par quand contre, tu, si lui dis, tu lui dis tu as tué, 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 tué un tu un tues tu, une vie, c'est pas de la culpabilisation Alors que c'est un, 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 un truc, c'est un truc qui est gros comme un haricot C'est pas tu, de la culpabilisation tu un, que tu fais Tu parles de quoi en fait L'avortement, quand tu dis l'avortement, c'est mal, c'est pas de la culpabilisation que tu fais auprès des femmes moi, je suis contre l'avortement. Oui. En quoi c'est la culpabilisation De dire c'est mal l'avortement. Non, allez, bon, allez, je on va s'arrêter là. On va là. Je pense que là la... Non, parce que je, non, non, pas je, parce que... je suis pas les femmes bon, d'avorter. Bon, bon. J'accuse l'État de les autoriser à avorter. Bon. Moi, j'accuse pas les femmes d'avorter. Elles suivent leur intérêt. Si l'État les autorise, elles vont le faire. C'est normal. Si tu légalises le vol demain, il y a des gens qui vont voler. Tu pourras rien leur dire. Okay. Tu vas pas les culpabiliser parce qu'ils volent, puisque ce sera légal. Donc, non, ça, c'est un faux argument que tu m'opposes. Euh, j'ai jamais culpabilisé les femmes d'avorter. C'est la loi. Je ne vais pas leur reprocher, encore qu'il y a des lois. Euh... Effectivement, je suis contre cette loi, par contre. Et donc, euh, je suis pour la vie. Je suis pour le bébé à naître qui ne peut pas se défendre et qu'on va tuer. Parce que si c'était moi ou si c'était toi, eh ben, on serait contre. On nous tue. Toi, tu voudrais qu'on t'avorte. Si tu avais le choix, tu dirais quoi à ta mère qui voudrait t'avorter si tu pouvais lui dire, eh, Maman, euh, ne m'avorte pas, putain. Je suis dans ton ventre là, mais je ne suis pas encore complètement formé. OK, mais j'ai pas envie de mourir. Tu lui dirais, Si, vas-y, fonce. J'ai envie de mourir, j'ai un suicide en fait. Donc, c'est moi je suis contre le suicide. Tu es pour le suicide Ah, <laughs> bah si du... je me retrouve. Tu pars du principe que l'enfant aurait une conscience, ce qui n'est pas le cas. Donc... Ah, voilà, l'enfant n'a pas de conscience. Alors, de local rien, folder 90 mais... pour... 99% de femmes ne regrettent pas d'avoir avorté. Voilà. C'est quoi de... la source ah bah, Quelle est ta source, toi, qui tu dis là, 100 pour... quand, tu, ça, mais, tu, dis, quand tu dis 100% des femmes. Euh... Des, on des, séquelles. des séquelles psychologiques. Oui. Ça, c'est pas. Il oui. n'y Mais... a pas besoin d'un sondage. Hein. Parce que quand tu fais ah, avorter, tu as des séquelles. Il n'y a pas besoin d'un sondage. Oui. Des séquelles quoi Morales Physique Local Les Folder, des... ouais. Balance le lien de l'étude. Il n'y a pas de séquelles quand on se fait avorter C'est ça que tu es en train de dire L'avortement ne représente aucunement une intervention anodine dans le fonctionnement mais naturel aucune, de la aucune, des femmes, Mais aucune intervention, c est, c est aucune intervention, bah alors, tu aucune vois, intervention, aucune intervention n'est banale. Se faire charcuter, ça va bah contre l'instinct. Voilà. C'est ça. Ben ça dont je parle. Ne mais... me dis pas que je dis n'importe quoi, c'est un fait. Mais enfin ce n'est pas, pas pour ça que ça va être tu un trauma. Ce n'est pas pour ça que ça va être un trauma. y avait des pas Mais de séquels Il y a des femmes qui ont Quelle des Ça dépend des femmes. Tu as des femmes qui euh, regrettent. Tu as des femmes qui ont des Alors, troubles regrette, c'est 1%. Hein. Hein. Regrette, c'est 1%. C'est bien documenté. Voilà, c'est pour ça que je te dis il y a des femmes qui regrettent. Il y a des femmes qui euh, ont des, des Attends, euh, trucs de stress post-traumatique. Deux secondes, deux secondes, excuse-moi. Euh, pas, 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 parce que dans le chat, euh... 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 Mais je suis con. Pourquoi je, je, je oui, pardon, local folder. Le plus simple, c'est de m'envoyer le lien sur le sur le. Sur le Discord, comme ça que je le récupère et je peux l'afficher. Et s'il vous plaît. J par exemple, le syndrome post-abortif. Ça, c'est bien documenté. Qui concerne combien de femmes Mon problème, c'est que tu fais des généralités. Non, mais si, ça importe, ah bordel bon de merde Tu ah fais non, des généralités dis, avec des cas particuliers. Non, non, c'est pas un si. cas particulier. J'ai dit 100% des femmes ont des séquelles. 100%. Il n'y en a pas une qui te dit. Ah, c'était super mon avortement. Cool, génial. C'est pas, 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 pas parce qu'on vit. C'est pas parce qu'on vit. Non, 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 non. Alors, soit cohérent, soit il y a des avortements de confort, soit il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, c'est pas parce qu'on a des séquelles. Mais tu déformes les choses. Ce n'est pas parce qu'on subit un truc désagréable qu'on a des séquelles, bordel de merde. Non. Ah C'est-à-dire, on t'enlève le bébé que tu avais dans ton corps et tu n'as pas de séquelles. Tu penses ça vraiment on te charcute. En, 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 char fait, en fait, ton problème, c'est que, vrai, que tu n'arrives pas fond. à imaginer qu'une femme ne puisse pas avoir de séquelles ni de culpabilité euh, de, de, de subir cette, de cette intervention. Qu'elle le prenne bien. En fait, c'est ça qui t'emmerde, c'est qu'il y a des tas de femmes qui le vivent très très bien. Je ne sais pas pourquoi... pourquoi bien je n'en connais pas une mais, seule mais je, 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 ans, rien à, à foutre de ton de avoir. ton témoignage anecdotique Et ben oui. Et ben après il y a de la documentation ben renseigne-toi des... tu as une liste de symptômes possibles du poste, du syndrome post bah, des abortif. séquelles des regrets des séquelles des regrets ou des remords c'est pas la même chose c'est qu'elle, oui, ça c'est c'est ça a, les, a, les, a un sens très particulier tu ne peux pas dire que 100% ça, des, des femmes ont des séquelles bordel de merde tu as des séquelles corporelles d'accord tu as des séquelles psychosomatiques tu as des séquelles psychiques tu as des séquelles euh, et de bien, il y, a des, il, y a et bien il y a des, des, des femmes fini. qui n'ont aucun il y a beaucoup de femmes qui n'ont aucune de ces séquelles après avoir beaucoup de femmes c'est quoi ce beaucoup de femmes bah, si quoi, tu veux si, si là séquelles. on a un lien attends je vais aller chercher Léa, puisqu'on est en train de me le donner sur le. Parce qu'il y a l'idéologie aussi. C'est oh, interdit d'avoir des arrête, séquelles. Arrête Et oui, Arrête, oui, arrête, vous... arrête. arrête. C'est exact, exact, exactement comme la culpabilisation de, 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 de la sexualité hors mariage. Arrête un peu. Non, moi je te parle science. Je te parle conformisme de H. Le. le... H. H dans les années 60 a fait une étude scientifique qui démontrait que les gens sont. Propre au conformisme. Donc, Bien quand sûr. on vit dans une société où l'avortement. On est des animaux sociaux, donc oui, effectivement, le conformisme, oui. Voilà. Non seulement l'avortement est financé, subventionné, euh, autorisé, mais de l'autre côté, tu as vu comment tu as réagi. C'est-à-dire, ah, tu es d'extrême. Non, tu ne pas, pas. Moi, on me dit d'habitude, tu es euh, fasciste, néo-nazi. Non, euh, c'est toi, toi qui. Est... Non, non, c'est toi qui accuse les autres d'être des eugénistes, ce qui est du nazisme. Ce qui est euh, directement. Euh... Je n'ai pas, pas accusé les autres, j'ai accusé cette mesure législative-là qui ressemble, oui, beaucoup. Pour moi, c'est de l'eugénisme et au minimum, ça y ressemble beaucoup. Parce qu'on on, on pousse, euh, pousse les gens à avorter jusqu'à 9 mois. Par non, la loi. on ne donc, les pousse donc, pas. Arrête de dire oh, que oh, c'est un encouragement, c'est une possibilité. De la même manière que. Ah, on, 9 de, mois. de la même manière, de la mois. même manière qu'on on te donne l'autorisation de conduire une voiture si tu as ton permis de conduire, ça ne veut pas dire qu'on t'incite à conduire. Ça n'a aucun rapport. C'est idiot. C'est pas parce que tu as le droit d'acheter un vélo qu'on t'incite à, à faire du vélo. C'est pas parce qu'on aménage certaines routes pour que ce soit plus facile avec les vélos que l'on t'incite à prendre le vélo. C'est idiot. Ça a aucun sens. Ah si c'est le cas dans les pays scandinaves. Ah bah tu vois, tu là, tu as, as, as une femme qui partout. dit, euh, Aziline, qui, qui est une... Enfin, je crois que c'est une femme, qui dit, puisqu'on a aux anecdotes, je connais plein de copines qui ont avorté et ne le regrette pas. Voilà, c'est tout. Donc, si tu veux de l'anecdote, on peut on t'en peut donner aussi, quoi. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on dit facilement, ça c'est quelque chose qui nous touche dans l'intimité la plus profonde. Est-ce qu'une femme qui, a, qui regrette, par exemple, si c'est 1%, c'est un sondage. Est-ce qu'on va dire facilement qu'on regrette d'avoir avorté Je ne suis pas sûr. Il faut se poser des alors, questions. Alors, emotion and decision rightness over five years following an abortion, an examination of decision difficulty, an abortion stigma. Euh, alors, euh, est-ce que quelqu'un... Moi j'ai une liste longue comme le bras, si tu veux je peux la lire, mais ça va prendre longtemps. De toutes les séquelles, corporelles, psychosomatiques, psychiques, possibles. J'en ai des dizaines et des dizaines. Blessures de l'utérus, saignement, infection, végétation, menstruation Mais c'est des cas particuliers. Oui, mais tu prends des exceptions sur le nombre, ah, nombre d'avortements qui sont pratiqués dans le monde mais ça alors, tous ces trucs là effectivement, quand l'avortement n'était pas médicalisé et que les femmes faisaient ça euh, dans des cuisines, sur des tables de cuisine avec des instruments pas stérilisés à ah, ça, t'en avais oui, statistiquement oui, t'avais des gros chiffres au départ hein L'idée c'est que de elles toute façon de au départ c'est que au, de, au, au départ elles étaient obligées de faire ça parce que justement c'était c'était euh, c'était le fait de se faire avorter pouvait te conduire en prison tu as l'air sais et c'est très bien et c'est très bien le meurtre euh, une ordure. ça mène en prison je suis prison. désolé je suis oui. désolé ah, voilà. Je suis désolé, désolé. c'est immonde. Meurtre, ce que tu dis est immonde. C'est ce que tu dis ben non, est, est la immonde. Chrétienne. Et est ce est que la tu dis, ce que tu dis, non, c'est une pause Eh bien, permettre à des femmes de se mettre dans des situations qui les tuent. Je suis désolé, c'est pas bon pour une nation. Situation qui les tue. Personne ne les oblige à se mettre des des trucs dans, pour avorter elles-mêmes. Elles peuvent garder l'enfant. Voilà, elles peuvent garder. Elles ne sont pas maîtres de la vie de l'enfant. Ce n'est pas leur si, corps. Si, le corps. Non, l'enfant. L'enfant. Ce n'est. C'est Oui, oui, très bien. Et ben, un un bien. Un virus aussi, c'est un, un ADN différent. Et pourtant, un parasite, un parasite, c'est aussi un ADN différent. C'est un parasite. C'est un parasite. Bien sûr. Bien sûr, parce que j'ai parasité sa bouffe, j'ai parasité son sang, j'ai parasité son oxygène. Mais bien sûr. Voilà la différence entre ceux qui croient à la théorie de l'évolution qui n'ont aucune considération pour la vie humaine dès son premier stade. La théorie de l'évolution La théorie de l'évolution n'est pas une croyance, ah. c'est un fait. Ça mène au génocide non. la théorie bon, de l'évolution. Non, je pense que non. Tout je suis clair, désolé. Basé sur la théorie je, de l'évolution, tu, tu, tu rajoutes, tout tu, tout rajoutes tu, tu dis vraiment strict, strictement n'importe quoi. Je t'excuse quand même de me traiter d'ordure parce que c'était pas agréable. Et moi, je t'ai pas accusé de quoi que ce soit. Je t'ai pas insulté comme ça. Donc, c'est pas bien d'accuser les gens. Les gens, moi, je défends un principe d'après ma morale, que je peux justifier. Toi, tu ne peux pas justifier ta morale. Ah si, 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 ça, si, 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 ah bah non, si, peux ah bah si je, je peux que... parfaitement la justifier. Tu as dit toi-même tout à l'heure qu'il n'y avait pas de principe absolu, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de vérité absolue, il n'y a pas de principe absolu, donc tout peut changer. Mais, mais, donc, mais bien, bien sûr. donc tu es pas de morale. Bien sûr. Bah voilà. si, bah bah voilà. c'est pas donc... parce que ma morale peut évoluer que je n'en ai pas. Après, pour l'insulte d'ordure, je suis désolé, effectivement, j'étais en colère, je te prie de m'excuser. Excuse, accepté. Je te pardonne. Et j'espère que on pourra trouver un point d'accord au moins sur le génisme. Non, qui est absolument est pas. Pas pour le génisme. Non, non tu es pas d'accord là-dessus. Tu... Mais sur le fait qu'on aille jusqu'à 9 mois. Moi, c'est ça. À la limite, déjà, c'est un énorme effort que je ferai. Mais trois mois, ça serait le, le strict minimum, tu vois, parce que aller jusqu'à moi, c'est, je veux dire, je vois pas de différence entre un enfant et toi non plus. Donc, mais pourquoi, pourquoi, tu, pourquoi tu dis moi non plus de... Bah parce que tu m'as dit tout à l'heure ah oui, bon, tu m'as dit tout à l'heure pas jusqu'à 7 mois, c'est ça mais tu t'arrêterais quand en fait pour les les trisomiques 21 parce que c'est des handicapés. Moi je respecte les handicapés. Ça c'est un autre truc aussi. C'est pas parce que les handicapés souffrent, ça c'était Hitler hein. Je suis désolé. Moi je dis pas que tu es Hitler, je non, dis pas que es c'est mais c'était non, quand même non, pensée l'idée d'Hitler l'idée d'Hitler l'idée d'Hitler c'est de, de l'eugénisme les... si parce qu'il n'est pas question de d'éviter de la souffrance à l'être qui est handicapé, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est d'améliorer le cheptel de la nation. Ça n'a rien à voir. C'est de ne pas les avoir à charge. C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Parce que, oh, non, 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 côté, 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 non. D'un côté, d'un côté, non, non, non. Parce que d'un côté, ah. on va pas repartir là-dessus. Mais une société eugéniste ne laisse pas le choix aux parents. Si tu as un défaut génétique, on t'élimine. On ne te laisse pas le choix. Auto-eugéniste, non hein Si tu préfères Néo-eugéniste Veux, non, moi. Mais ça ça s'en rapproche. Tu ne moi. peux pas, il je suis désolé, tu ne peux pas utiliser le mot Désolé. Ça ne répond pas à la... On peut l'utiliser quand même. Ça ne... On peut utiliser quand même. Euh, L'État autorise euh, le meurtre. Parce que là, on peut utiliser non. le terme. Hein, non. Le meurtre d'un enfant non. Dans le monde. Non. Non, à 9 mois. Mais on a dit tout à l'heure, on est tombé d'accord sur qu'à 9 mois, l'enfant est C'est un Du strict, du stri... un du strict donc... point de vue légal. Ah voilà, la légalité. Mais ça, la légalité, je te rappelle, ce n'est pas un argument moral. C'est un argument dit, légal Mais je n'ai jamais dit que c'était un argument moral. moral. j'ai jamais prétendu... Et moi bah donc que pourquoi tu t'en sers comme un argument mais je moral, me, moral Je ne m'en sers pas. pas, je... pas comme mais mais je n'ai jamais moral. dit que je m'en servais comme un argument moral. Alors c'est quoi ton argument Je n'ai pas compris. Parce qu'à neuf mois, euh, toi, tu fais une différence non, non, entre... Non, non, non. Toi, tu utilises le mot meurtre. Et je conteste. Et j'utilise... Mais en quoi Alors Explique-moi pourquoi tu, on ne peut pas utiliser ce mot, puisque... Tout, sauf à faire tout une simple, différence entre tout dans le meurtre et la légalité. Tout simplement, tout simplement parce que meurtre n'est pas un terme moral, est un terme légal. C'est toi qui es parti sur le, la légalité. C'est bien, tu préfères. Enfin, c'est quoi le J'ai pas compris. Un meurtre. Quand on tue quelqu'un volontairement, c'est un meurtre, non Oui, mais c'est pas justement... Après la loi. Justement, le fœtus n'est pas quelqu'un n'est pas une personne n'est pas une personne n'est pas même. une personne tant qu'il n'est pas né c... ce... ah, non voilà. c'est pas pour moi mais ce n'est pas, pas pour moi pas ce n'est pas pour si moi si non ce n'est ce n'est pas non est décide je ne décide pas si la loi est enfin si je peux avoir une Pardon opinion sur une opinion je connais bien mais est-ce que tu l'as je suis d'accord sur cette opinion que tant qu'un enfant n'est pas né il n'est pas une personne. Voilà, c'est tout. Wow. Même à neuf mois Même à neuf mois. Wow. Et tu vois, là, ça va, c est, c est, ça va trop loin pour moi. Mais euh, je t'insulterai pas. Mais, mais je sais que c'est la pensée mais, à puisque Mais, je, tu, pas, mais tu, hein. tu vois, tu, com tu comprends ça. Mais de notre côté, et là peut-être que ça a bouleversé ton monde, un enfant qui naît prématuré à six mois et demi est une personne. Non, c'est que ça bouleverse rien chez moi. Ça bouleverse tout chez moi. Il n'y a absolument aucune dissonance cognitive. La frontière, c'est la paroi utérine. C'est le ventre de la mer. Ah, si, c'est une frontière très physique. Pourquoi c'est une frontière Puisque c'est le même bébé, non Il est le même à l'extérieur et à l'intérieur de la mère. Non, parce que d'un côté, tant qu'il est dans le ventre de la mer, il dépend de sa mère. Dès qu'il n'est plus dans le ventre de la mer, il ne dépend plus de sa mère. Physiologiquement, c'est le même ADN, c'est le même bébé. On n'est on pas, on, dé, on se définit pas en fonction de notre dépendance à quoi mais que, si. que si. soit. Mais bien sûr que non, on mais se non. définit par rapport aux autres. Bien sûr, et c'est les autres qui nous définissent, c'est la société qui nous fabrique. Donc si moi j'estime que tu es un renard, tu es un renard. Là. Ça n'a pas de sens. Mais si j'avais été élevé par des renards, je me comporterais comme un renard. Euh, L'histoire de Mowgli ne tient absolument pas parce que Mowgli élevé par des loups ne peut pas devenir un humain. Il restera un loup. C'est d'ailleurs, c'est vraiment arrivé en Inde d'ailleurs. Euh, un enfant qui a, été, euh, qui, qui a été abandonné dans la jungle. Je ne sais plus quel animal on a pris soin, etc. On l'a retrouvé euh, plus tard. Mais il n'est jamais devenu humain. L'enfant sauvage qui devient. Je Parle pas de ça, moi. Je parle pas de ugly. Je parle de si, les gens autour je de toi. Je te dis, je Considés te dis que, que je... là, tu connais l'expérience de, de H quand même, tu je mets dix 10, 10 personnes je suis dans une des... pièce, je, tu leur je présentes. Suis... Attends, c'est scientifique là ce que je dis. tu présentes à 10 personnes dans une pièce un, deux traits, un très trait court et un très long ou trois. Il ouais, ouais, y a un modèle et puis il y en a trois. Maintenant. Effectivement, mais, 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 je, ça, connais, ça mais je, je connais, je connais très bien. Dire comme les autres, même si c'est faux, ce qui compte, c'est la vérité. Si euh, mille personnes sur et tu Terre remarqueras un truc euh, comptent, et tu remarqueras un truc, c'est que les artistes ou les gens un peu autistes, eh ben, ils ne se conforment pas. Et ben, raison de plus. Alors, ne me dis pas que tu es en fonction, tu es défini en fonction des autres. C'est faux. Mais c'est pas. Et tu es défini par toi-même. Une fois par de plus, tu as une vision absolutiste des choses. Nous sommes un bagage génétique qui baigne dans un environnement culturel. Et en quoi, en quoi ça change pour le bébé qui est en dehors ou à l'intérieur du ventre de la mère Le bébé, c'est le même, exactement le même, il n'y a aucune si, différence. Il y a une Zéro. différence. D'un côté, il est dans le ventre de la mère et il dépend de la vie de sa mère pour vivre. Et à l'extérieur, il ne dépend plus de la vie de sa mère pour vivre. Tu, tu prends, tu, tu, non c'est pas non c'est pas absurde c'est pas pas, pas absurde pas du, du tout parce que tu prends une femme qui est enceinte de six mois tu lui tires une balle dans la tête le bébé il meurt d'accord tu prends le, le les, tu, non, prends les, non, tu prends les mêmes tu prends les mêmes tu prends exactement les mêmes l'enfant naît prématuré il est dans une couveuse tu tires une balle dans la tête de la mère l'enfant ne meurt pas Mauvais exemple, puisque avec l'affaire Palma, justement, on a, on a appris depuis que l'enfant était euh, mort-né. Né-mort, puisqu'il avait respiré pendant 30 secondes, alors qu'il avait 6 mois et quelques dans le ventre de sa mère, justement, et que sa mère... Ah non, sa mère n'est pas morte. Donc, mauvais exemple de ma part aussi. Mais, exemple inverse, si tu accouches, l'enfant, pour toi, il est encore euh, un être... Euh, c'est quoi, d'ailleurs Tant que la mère, euh, il est dans son ventre, c'est quoi c'est pas si. un fœtus. Ben si, ben si, c'est un, un fœtus. Alors, Tant qu'il n'est pas né, c'est un, pané, un Et fœtus. Donc, à la... Et à la seconde où il sort, ça devient un être humain. Non, ça devient ça. un bébé. Oui, un bébé, un être humain donc. Un fœtus n'est pas un être humain pour toi, n'est-ce pas Pas pour moi, hein, mais pour toi si. Donc c'est ça où c'est ridicule. Je veux dire, en une seconde, tu deviens un être Et humain. Oui. Bah, ben, on ne tient pas. Ben si, mais non, ben si, ça ne tient pas. que dit la loi parce que, justement, il y a ce problème moral euh, de la loi qui est faite par des non-chrétiens, c'est tout. Mais avant, l'avortement était interdit pendant des milliers d'années. Voilà. Et la peine de mort était autorisée. Ce n'est pas pour autant que De Gaulle était un barbare. tu Il faut arrêter ça aussi. Parce que tous les, tous ceux avant Mitterrand... Alors déjà, Mitterrand, c'était un putain de facho, un collabo, un mec d'extrême droite, et c'est lui qui a aboli la peine de mort. Donc ce pas un exemple. Et derrière, tous les chefs d'État et de gouvernement, voire les rois, dire que c'était tous des salauds qui faisaient la peine de mort. Non, ça ne tient pas là non plus. Peut pas... Ça, c'est le progressisme voilà, à sens unique. Il faut réfléchir. Je t'invite à réfléchir vraiment à tout ça. Mais je te remercie, moi je dois y aller aussi. Donc merci pour cet échange. C'était génial. Euh, C'était voilà. intéressant voilà. et encore une fois peut, euh, désolé oui. pour euh, mon mouvement d'humeur euh, et, 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 et mon gros mot euh, voilà. c était, c était, c était... Voilà, Moi ça a failli m'échapper aussi C'est peut-être pas... parce que je suis chrétien <laughs> sais tu, tu es meilleur que moi C'est indéniable C'est pour rien en plus et, euh... Mais c'est vrai qu'il y a une sanctification je ne vais pas relancer le débat mais enfin, il y a une sanctification qui fait que soit on pêche moins, soit on a plus conscience de péché et donc ça nous amène à moins pécher euh, ça, c'est indéniable aussi. Mais bon. Parce qu'on a conscience du péché. Là où, quand j'étais athée, je n'avais aucune conscience du péché. On, on, peut, on, on, peut, fin, on, on peut. pourra discuter de ça et sur le fait que la peine de mort n'est pas, 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 pas dissuasive du tout. Voilà. Bon, allez, sur ce, on s'arrête. Tu es prêt à, à venir sur ma chaîne pour euh, euh, débattre je sais pas, -ce Honnêtement, c'est déjà assez compliqué pour moi d'arriver à tenir le rythme de ma propre chaîne. Euh, enfin, deux. Quand tu veux, en tout cas, tu me fais. Je te fais signe. Si ça te signe. ça marche sympa. Voilà. Mais on tiendra à une heure. C est c est, oui, voilà, juste <laughs> les deux heures et demie. Enfin, <laughs> ça fait trois heures. J'espère que ça aura intéressé les gens bah, En aussi. tout cas, euh, je ne sais pas combien est... on est, mais enfin, y a, y a, apparemment, il y a encore du monde. Je ne sais pas. Bon, bah, très bien. <laughs> Parfait. Bah, merci de m'avoir euh, offert cette liberté d'expression. Oui. Et puis, bonne continuation à ta chaîne. et moi, je vais faire le, le relais de, de l'émission, comme ça, ça va t'apporter un peu de, de visibilité supplémentaire. Et bah, ah. Merci beaucoup. Ciao. Eh bah de rien. Allez, salut. Clock et... Clock et... Il j'aille là et... Hop, ça, hop et il s'est déconnecté. Et voilà. Donc... Eh ben, bah, dit, dedans. <laughs> J'étais instructif. On va dire ça comme ça. On, on est encore combien là euh, Oui, j'aurais été... Je, 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 je m'excuse auprès de tout le monde d'avoir perdu mon, mon, ma, ma patience et mon flag, mais là, il y a vraiment des, 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 des choses qu'il a pu dire qui m'ont... Qui, qui m'ont vraiment choqué. Euh, voilà, j'ai bien conscience que de mon côté aussi, j'ai dû dire des trucs qui lui ont pas plu. Mais euh, là, euh, je, 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 je vous avoue que j'ai eu un peu de matière. Tiens, tiens j'ai un bouton de contrariété a poussé <laughs> Putain, on est encore 84 à 22h20. C'est fou. <laughs> je, je commence à avoir un peu faim. Euh... Euh, laissez-moi deux minutes j'ai décidément j'ai une petite vessie je, juste deux minutes je fais pipi je reviens à tout de suite Mais voilà, je suis là, je suis de retour. Voilà, je... ça va mieux. Je... je me suis fait ma première. Euh... Ah maintenant, j'ai plus besoin. Parce que je discute plus. Euh... Je me suis fait ma première. Vous euh... bon, m'entendez hein. Oui. Voilà. Euh... Je... Je... je me suis fait ma première. Euh... Merde, comment on appelle ça quiche lorraine Hier soir, je me suis fait ma première quiche lorraine. Le plat était un peu trop grand, donc il euh, y a pas assez de. Voilà, il faut que je, je m'achète un plat à tarte euh, un peu plus petit. Mais euh, au point de vue de la, et puis j'ai changé un petit peu la recette. J'ai rajouté des trucs. J'ai mis un petit peu de noix de muscade, comme dans mon, mon soufflé. J'ai mis un petit peu de noix de muscade. J'ai mis un petit peu euh, de piment, euh, de piment, euh, voilà, de piment de Cayenne. Qu'est-ce que j'ai rajouté Ah, un petit peu de fromage. Oh, c'est parti. Un gonflé, un gonflé, tout. bon, voilà. Juste fait une erreur, c'est que j'ai pas fait fondre mon beurre avant de l'incorporer aux œufs. Voilà. Ouais, ouais, elle était, elle était, elle était réussie euh, ma, ma quiche, mais il n'y avait pas assez de. Voilà, il y avait. Les lardons, c'était bien, euh, même s'ils n'ont pas cuit comme il fallait, j'aurais dû mettre feu plus pour les, les... retirer un petit peu. Il y a eu un côté où c'était pas mal, mais. Euh, voilà. La... En fait, peut-être que la poêle était trop petite. Voilà, j'aurais peut-être dû. Euh... Ils se sont bien à dégorger, donc. Euh, voilà, mais. Euh... Euh, voilà, donc je vais essayer de rattraper un petit peu. Est-ce qu'il y, a... je... y a... Il y a trois heures de chat. Je ne vais pas pouvoir rattraper tout ce que vous avez dit, etc. Euh... Ne jamais oublier la muscade. La noix de muscade, du fromage et du piment dans une tige lorraine. Hérésie. Oh Être chiant. Hérésie. C'était ma première, je suis droit de faire des erreurs. Oh au four, au four. Bien. Alors, je vais vous demander un petit peu d'aide, les copains. Vous vous êtes, euh, vous vous êtes lu les uns les autres, vous vous êtes répondu, vous avez essayé de m'alerter sur des trucs. Je vous avoue que comme j'étais en train d'essayer de suivre les raisonnements de, 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 de Jeannot, c'était un peu compliqué. Alors, Collide, je, je, je doute bien que vous avez écrit plein de conneries très drôles, etc. Euh. euh... euh ça met le lumière qui dit je suis Laurent, donc je suis chiant il y a des trucs avec lesquels on ne plaisante pas mais comme dit euh, comme dit comme, comme dit le ah merde c'est le comme dit le stagiaire chez euh, chez Si tu ne peux pas attraper le diabète ou le gros au cul <laughs> il m'a fait mourir de... j'étais en train de prendre ma douche quand j'étais en train d'écouter sa dernière vidéo sur les mecs qui s'est pris je sais pas trop combien de fois la foudre et la pub, la pub pour uh, White Food à la fois. Si tu veux pas attraper le, si tu ne veux pas attraper le diabète ou le gros cul. J'ai failli, failli glisser dans ma baignoire. Il m'a fait hurler de rire. Oh, bon, mon Dieu. Euh, demain, tu vas avoir le débrief de ton débat déjà avec J.R., Édicté ah, blaté agent du PCC. Euh, donc oui, voilà. Alors donc, si vous pouviez, euh, les uns les autres, ah, euh, vous me souvenir des réflexions ou des questions les plus euh, que vous avez posées vous-même ou que euh, les uns les autres vous avez posées, euh, postez-les-moi maintenant, là, tout de suite, pour essayer de... de, de de synthétiser les choses mes messages sont systématiquement modérés par auto mode si je ne les mets pas en avant une, une, euh, avec des points de chaîne ah désolé Samuel je ne sais pas comment ça fonctionne donc il euh, faudra que je vois ça avec Gabriel euh, ou alors c'est ton accent lorrain. Hein. qu'est-ce qu que tu fais que je te dise mais oui, c'est pour ça que je, 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 vous ai, je vous ai demandé de, 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 de voir un petit peu, enfin euh, si vous pouviez alerter Fantine. Euh... T'as oublié de demander à JR ce qu'il pense du viol de Marie, par Dieu, oui, non mais bon. Euh... Après avoir parcouru plus en détail l'article du Figaro, je rejoins ta position. Il dit n'importe quoi. Euh... Alors, Calnos, des animaux terribles. Vous parliez de quoi, des neuf mois? elskol, euh, qui dit Il n'y a pas tellement de questions. Le, le gars ne comprend pas le principe de l'absence de libre arbitre implique une absence de responsabilité morale. Oui, c'est ça. C'est terrifiant. j'ai vraiment insisté là-dessus parce que je pensais que c'était intéressant de vous d'avoir un bon exemple de dissonance cognitive en, en action. Euh, c'est euh... Euh, C'est quand même extraordinaire cette, 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 cette incapacité à voir. Euh, merci Samuel qui dit j'ai alerté Fantine sur Twitter mais elle n'a pas répondu. Euh, Qu'est-ce que Lady Blackwood dit Ben en vrai ce mec est juste fou. Il n'y a pas trop de questions, de débats à avoir. Lothar. Euh, ah, fil 44-300 qui dit au moindre gros mot du DICO, automode se place en vrille. D'accord, ok. Donc, ouais. dès qu'on a un langage un peu fleuri, euh, voilà. <coughs> les animaux terribles. Oui, je, je, ok, d'accord. Pardon, je répondais à Cano sur les neuf mois de l'avortement. Oui, je, 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 je pense aussi. Mettre l'IVG dans la Constitution à neuf mois, c'est constitutionnaliser l'infanticide. C'est complètement fou. Le délai légal pour une GVT est fixé à 14 semaines depuis que la loi l'a rallongé de 2 semaines en mars dernier. On se demande ce qu'il comprend, car même la compréhension de l'ADN, il l'a pas. Ouais, c'est fou. Euh, à mon avis, il n'a jamais été athée. Oui, c'est ce que, ce que j'essayais au, au début de notre débat, quand je lui dis euh, que il utilisait des faisceaux de présomption et qu'il présentait ça comme des preuves. Finalement, il a il, il dit qu'il a toujours été athée, mais je pense que c'est quelqu'un qui a toujours eu euh, un esprit. Qui, euh, qui, confond, qui confond les indices et les preuves. Euh, Peut-être qu'il a été athée, mais il n'a jamais, jamais été rationaliste. Quoi. Donc. Euh... Ah, Samuel qui dit ah, J'ai mis la, à jour la page, je, je suis plus modéré automatiquement. Dis donc, Samuel, euh, tu t'es retrouvé en retard alors que tu étais le premier à, à cause de. Voilà, tu es sûr que c'est pas ton browser qui, qui te fout la merde parce que si tu euh, si tu avais mis euh, la, la, la page à jour, tu aurais été premier euh, voilà dans la course. Hum. Euh, Artka qui demande pourquoi avoir continué la conversation quand tu t'es rendu compte qu'il réécrivait toutes les définitions de tous les mots pour les faire coller à ce qu'il voulait défendre au mépris du réel et des concernés? Parce que c'est une excellente démonstration du processus que tous les croyants utilisent. Et surtout les prosédites, euh, 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 qu'ils soient musulmans, euh, catholiques, protestants, ils utilisent toujours cette façon de faire. Bon, évidemment, le, 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 le grand truc, c'est euh, l'évolution n'est qu'une théorie, euh, la confusion entre croire et savoir, ou croire et penser. Voilà. Donc. Euh, euh, Voilà. Euh, The Last Doctor, il a été contre l'islam en tant que soldat du Christ, puis contre le PCC en son nom propre. Euh, Phil 44, j'ai beaucoup ri tout au long du chat. Mmh. Il y a la matière pour écrire un sketch en stand up bon, bien sûr. Euh, Oral B2 qui dit le gars est journaliste mais ne sait pas ce que c'est une boîte de pétrine. <laughs> Je... Ça, c'était magnifique. Je, je, si c'est vous qui l'avez écrit, je, je, je me souviens l'avoir vu passer. Ce, non, mais c'est une boîte de pétri, c'est quoi, quoi What veux, Tu veux parler d'évolution On ne pas ce que c'est qu'une boîte de pétri, c'est absolument fabuleux. Euh, Vox Alica. puis alors résumer la fonction de la grossesse à un job de vache à lait, juste bonne à être couveuse sur pattes pardon, mais c'est quand même d'un archaïsme crasse. Oui, c'est assez phénoménal. À partir du moment où elle est enceinte, une femme n'a plus, euh, plus le droit de décider pour elle-même. Voilà. Voilà. <coughs> bah, J'ai peut-être un peu trop dadd sur mon Firefox. Gourmand va. Gourmand <laughs> Euh... S3 Ozy Christ, un journaliste de auto... Oui, quand il dit qu'il est, qu est vraiment journaliste, lui, etc. Et que sa mission d'édition a fait faillite. Donc, il était éditeur. Mais euh, donc, en fait, on, on refusait des bouquins pour de mauvaises raisons. Peut-être la raison principale, c'est que enfin, c'était des bouquins de merde et que personne ne voulait les lire, en fait. Parce que c'était mal écrit, parce que ça disait de la merde. Euh, Général Pangolin je débarque, il a vraiment fait un live avec Jean-Robin pour ceux qui ont voulu être son ami, on finit par le bloquer Mais je peux pas être son ami moi je, ça me pose aucun problème Vox Gallica j'ai des religions en exécration bienvenue au club euh, Manon qui dit « mort rire ». Non, mais tout à l'heure, j'ai craqué en utilisant ce mot. Euh, « euh, Zizi test », c'est un jackrabbit de... Enfin, bon, j'ai pas vu le... J'ai pas vu la... J'ai pas vu la truc de, de, de départ. Euh... Et maintenant, on a dû utiliser le mot « zizi » pour voir si le message était modéré. Euh... Paul-Adrien va être jaloux. « On n'a pas repris une de ses vidéos ce soir. » Peut-être tu n'étais pas là quand je l'ai dit, mais je, je viens de me taper euh, la vidéo qu'il a faite, la vidéo de 8 minutes qu'il a faite sur les trois miracles de Fatima. Alors pour le coup, je me suis retrouvé à traiter les choses, mais pas du tout comme, euh, comme a fait la tronche en biais. Et, euh, et donc mon film sera beaucoup moins joli que le leur. Il hein, n'y a pas de musique, euh, je ne suis pas allé sur place, euh, machin. Ils, ils avaient fait un boulot formidable. Mais en fait, c'est tellement n'importe quoi, Fatima, que en fait, les 8 minutes d'affirmation complètement délirante de, de Paul Adrien et de tentative de manipulation, parce que je me retrouve avec un, un sujet qui fait plus de 50 minutes. <laughs> Donc euh, voilà, et qui sortira mercredi. Donc là, 50 minutes, c'est euh, mercredi, là, c'est gâteau. Vous, vous avez un sujet de 50 minutes. Voilà. Sur euh, le, les trois secrets. Fatima, les trois secrets de Fatima. Les trois secrets de Fatima. <laughs> non, vous allez voir. C est, c est... Bon, c'est pas très drôle. Hein. Je, je, je suis pas très rigolo parce que j'ai pas le temps de. J'ai besoin d'avoir un peu de temps. Et puis en fait, j'ai eu quand même pas mal de recherches parce qu'en fait, il dit tellement de conneries que j'ai été obligé de vérifier tout ce qu'il disait. C'est fou le nombre de. Alors, il y a les oublis, les approximations, les contre-vérités. Le... On a tout le panel, quoi. On a tout le panel du sophisme. C'est assez phénoménal. Euh, sinon, j'y finis par de remonter mon Slave One en Lego. Oui, je le faisais pendant le live pour éviter d'insulter l'invité sur le chat. C'est quoi un Slave One je, je vais passer pour un. Samuel, c'est quoi un Slave One c'est un machin chez Star Wars que je connaîtrais pas. C'est quoi Les animaux terribles qui dit c'est une stratégie rhétorique rendre ta bourse protéiforme la rend inattaquable. Oui, bien sûr. C'est pour ça que plusieurs fois j'ai essayé de le ramener systématiquement au... Voilà. Il a accumulé les tranches de mille feuilles et courir derrière ça essouffle n'importe qui. Ben, en fait, Dieu lui a fait une révélation dans son sommeil, si je me souviens bien de son parcours de croyant. Oui, c'est ça. Euh, D'où l'anomalie psychique que vous avez relevée au cours des premiers échanges. Très, possible, très plausible. Mmh. Euh... Oui, oui, il a parlé de sa révélation, qu'il avait vu un ange dans la chambre et tout, qui s'était levé. Enfin bon, euh... ça ressemble quand même vachement à un épisode de paralysie du sommeil, sauf qu'au lieu d'être les petits gris, c'était les grands blancs. Euh, avec des ailes. Euh... Quand, sur la fin, il a commencé à parler de la théorie de l'évolution, on sent bien la haine qu'il a pour le sujet. Mais tous, ils ont, ils, ont, ils ont un vrai problème avec ça. Je sais pas. Mais pourquoi ils ont un problème avec ça Pourquoi ils font un... Pourquoi ils font ce, 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 ce lien entre athéisme et théorie de l'évolution C'est quand même fou Un des plus grands théoriciens de l'évolution et qui a fait la démonstration avec l'ADN de la fusion du chromosome numéro 2 chez l'humain. Le mec est croyant, quoi. Et, et, et euh, oui, la théorie du Big Bang, c'est une théorie... Euh, putain, c'est une théorie catholique. Parce que Georges Lemaître était catholique. What C'est n'importe quoi. Il euh, euh, y a eu au moins un moment, un moment, où il était en pleine dissonance cognitive. C'est vachement inconfortable un moment, il y en a eu dix. Euh, si vous faites Ami Ami avec Jean, il va faire de vous votre meilleur ami, comme dans les films de... Il <laughs> y avait un film comme ça. Que, euh, comment ça s'appelait Avec cet acteur espagnol. Un ami qui vous veut du bien. Euh, comme, je me souviens plus du pédon. Quelqu'un va le retrouver. Euh... Pour le coup, c'était effectivement une masterclass de contresens, pensée magique, auto-persuasion, tout ce qu'il fallait démontrer. <laughs> Ça. Hum. Euh, le coup de la dev de secte la l'ami à terre. Oui, j'ai tapé aux chevilles. Je ne pouvais pas faire autrement, là. <laughs> euh, entre nous, c'était parti sur les chapeaux de roue, quand même. Il va fort le Einstein en carton, c'est clair. Euh... Simon qui dit pour moi il est possible qu'il était qu'il était vraiment athée mais que sa révélation due à une terreur nocturne qui l'a fait vriller et son cerveau cherche à rationaliser à tout prix ouais, ouais. une Adriana de la prochaine fois ça <laughs> le Pen noir qui dit oh oui <laughs> non c'est le Pen noir qui dit une Adriana de la prochaine fois et Obi Wan qui répond oh oui <laughs> vous êtes épouvantable mais euh, oui oui peut-être une Adriana de sur, euh, sur un short qu'il a fait sur le miracle du sauvetage de la petite fille euh, qui est née et qu'on a sorti des décombres alors qu'elle était encore attachée à sa mère qui venait d'accoucher et qui était morte euh, grâce au cordon ombilical. Oh, c'est merveilleux. Ne pas rester sur le même sujet, botter en touche, ne pas considérer les implications logiques, un show bien rodé en tout cas. La partie La Chine a créé le coronavirus pour tuer les Américains obèses était fascinante. <laughs> Je... Or, Albrecht a pris un abonnement de niveau 2, de niveau 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh... <laughs> Général Pongolin qui dit Jean-Robin oh, a inspiré l'excellente excellente chaîne. T'as mis les pieds dans la merde. <laughs> Il était prédestiné pour accomplir. Sachez-le. Merci pour ce moment. Oh. Oh. Ah, mais c'est le vaisseau de Boba Fett que je suis con. Slave One, je me souvenais pas. Je me souvenais pas. Je ne peux pas dire que je ne me souvenais pas. J'ai jamais su qui s'appelait Slave One, sinon j'aurais retenu. Euh, oui, il a utilisé beaucoup d'astuces de rhétorique et de moisissures intellectuelles dont il semblait avoir conscience. C'est incroyable car je ne comprends pas quel dessin sert autant de malhonnêteté de euh, la propagande chrétienne. Voilà. Euh, ah mais oui, Slave One, puisque c'était le premier dont on a tiré toute la... D'accord, ok. Je comprends. Euh, Samuel qui me dit regarde ton Twitter. Oh là là, tu me demandes de faire trois trucs en même temps. Je, 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 je ne suis, euh, suis qu'un... Voilà, tu, tu m'as envoyé un message. Que tu m'as envoyé un message. Allô Hop, oh, tweeté. Hop, ni... En plein live de... Voilà, donc il y a Calnos. Mm. Bon, il bah, y a plein de trucs, mais je ne trouve pas ton. Ah, mais si, voilà. Il nous a fait des photos, Samuel. Oh, il est beau. Vert et rouge, comme ça Il est vert et rouge Je ne me souvenais pas qu'il était vert et rouge. J'aurais jamais pensé qu'il était vert et rouge. C'est très bizarre. Ah tiens, j'avais pas compris que Boba Fett était debout dans ce sens, était assis dans ce sens-là. Parce que. Dans l'armée des clones, quand il se barre avec son fils, euh, le fiston s'assoit, il, il a le dos vers le bas, alors que. Attends. Comment il est posé Attends, 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 attends. Ah mais oui, d'accord, ok, oui, c'est vrai qu'il est posé dans ce sens-là, il n'est pas vertical. Ok, d'accord. Très joli. Très joli, bravo, euh, bravo. C'est une belle réalisation Lego. Euh... Il y a plus de fesses palmes que de mots dans son discours. <laughs> Manon Richou, mon arrière-grand-mère du côté protestant de ma famille a eu 12 enfants. Elle avait l'air d'une vieille sur les photos alors qu'elle avait 40 ans, morte à 42. Oui, c'est immonde. Euh... Anomalie psychique, attention les gars, oui, il est habile, j'aime bien cet aspect. J'ai besoin de me laver le cerveau de toute la crasse qu'il a déblatérée. Euh... Parce que l'athéisme, par essence, s'oppose à la chrétienté, mais pas que. Je... je le mets sur le Discord alors. Harry Pourquoi il y a R.N.D.L. et Local Folder qui ont répondu Harry Je n'ai pas compris. Euh... Il y a quand même un classement officiel des compositeurs classiques. Je suis content d'avoir appris ça. Oui, je. On peut dire qu'il a quand même surfé, admirablement, admirablement surfé sur sa dissonance cognitive. C'est ça. Ah bah, les échecs sont bien un truc de protestant parce que Magnus Carlsen est né dans un pays protestant. Pedro Almodovar avec Javier Bardem. Bref, la totale. Euh... Harry. Ah oui, Harry, ça y est. Harry, un ami qui vaut du bien, c'est d'Almodovar c'est pas de ma devoir, c'est un réalisateur français. Euh, pas, 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 même si le maître l'a dit, ce serait de l'ipsédixitisme. Le maître lui-même l'a dit, ipsédixit, on ne discute plus en reformulant la possé d'Étienne Klein. Ouais, c'est ça. Rebonsoir, Anton. Euh, ah, une adrienne enfin, respiration profonde d'accomplissement. <laughs> Manon qui dit J'espère que ce mec n'aura pas de fille. Euh, Les animaux, j'ai énormément de mal à croire à la dissonance. Les procédés argumentatifs étaient trop tordus pour ça. Il donnait plus l'impression de parler comme quelqu'un qui cherche juste à trouver une faille dans laquelle s'engouffrer. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà. Mais ça n'empêche pas la dissonance cognitive quand je lui réponds des trucs. Euh, euh, et c'est particulièrement visible dans le live euh, où je lui réponds le live de, de Zio -Clo où il s'amène et où on commence à discuter, et je lui balance des arguments que apparemment il n'avait pas prévu et il reste silencieux parce qu'il ne sait pas comment répondre, en fait. C'est assez rigolo. Hum. T'as mis le pied dans la même merde, ça existe vraiment. <laughs> euh, non, mais c'était tout le contexte, Aux hein. euh, S3 Aux Icris, C Aux Icris, ce Aux Icris, je ne sais pas. Euh, c'était l'intro et puis la, la conclusion qui était très 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 bien aussi. Hein. Euh... Lothar qui dit J'ai vécu un épisode de paralysie du sommeil, c'était impressionnant, mais bon, ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Après, sur un intérêt opérationnel, ça peut être perturbant, tu m'étonnes. Jean Robin, ça a toujours été un gars qui est seul contre tous et qui veut clasher tout le monde, même avant sa révélation mystique. Il a fait plusieurs fois des happenings sur des plateaux télé avant d'être un troll de génie sur Internet. Samuel qui dit Je suis daltonien. Ah Mais euh, dans la boîte de construction. Euh... Or, je te le dis hein, le bas est rouge, le dessus est vert, au cas où tu l'aurais pas vu, ou tu ne l'auras pas aperçu, ou tu le saurais pas. Euh, Samuel, euh, mais donc. Euh, mais. Euh, ah, dans la, la, la trilogie originale, il était vert et rouge À quel moment on voit Boba Fett dans la trilogie originale dans son vaisseau Attends, dans l'Empire contre-attaque. Quand il est sur le vaisseau impérial. Eh oui Eh oui, quand il est dans le vaisseau impérial et qu'il se fait éjecter avec les. Euh, et que le, le... Oui, ok. Le Millennium Falcon est collé sur le croiseur. Il disparaît des, des, des radars. Boba Fett connaît la ruse. Donc se les dé laisse dévirer avec les, avec les ordures pour suivre le Millennium Falcon quand il démarre. Et donc là on peut le voir. C'est ça? Hum. Euh... Sorcière qui dit, j'ai pris un compilé de codéine, ça m'enlève un peu de ma douleur sciatique, mais j'ai réellement eu du mal, eu mal au crâne, mais un mal de crâne. D'accord. Il eu un point Godwin aussi. Uric a une crâne. Harry un ami qui vous veut du bien. Correcteur automatique pourri. Si, il dit, -je, sinon tu lui expliqueras l'occasion que Magnus Carlsen est le premier et unique protestant champion du monde d'échecs. <laughs> <laughs> uh, Bobby, Bobby Fischer, il venait pas d'une famille proteste. Ah bah non, il doit être juif. Bobby Fischer, attends. Et puis attends, est-ce que Bobby Fischer était non, il est extraordinaire, je suis sûr, mais est-ce qu'il a été champion du monde Je ne suis pas sûr. Euh... Mmh. Euh... C'est quoi ce classement officiel de compositeurs classiques C'est très curieux. Euh... J.R. est binaire, il n'y a que les protestants versus les autres en oubliant l'humain. Oui, euh, mais, mais ce qui est très marrant, c'est qu'à ce moment-là, ils su, ne il supportent pas, euh, il supporte pas la, la définition de la secte, alors que pourtant, c'est exactement ça. Euh, euh, c'est un classement, t'inquiète, j'ai raison. Baron, on a une réponse de Mathieu Mulot sur l'IMG, pas l'IBG sur la trisomie 21 euh, Calnos, oui merci, mais euh, où il, il est ici dans le chat ou euh, dans le Discord Si tu pouvais me préciser. En tout cas, on a bien rigolé dans le chat. Attends, bah, tant, tant mieux. <laughs> comme Bach était protestant, il était objectivement meilleur que Mozart. Ouais. Euh... C'était marrant cette réunion protestant, plus complotisme. Par contre, je suis admiratif de ceux qui ont tout écouté. <laughs> Il le divin enfant. Très bon acte. Sortir. Tu es merveilleuse. La première fois que j'ai rencontré Jean-Robin, on était en train de parler de Bach, apparemment adepte de Luther, avant que le baron ne le change de salon vocal. D'accord. La non-réponse, ça montre que ce sont des questions qu'il se pose même pas. Euh... Johan Sebastian Back to the Future avec qui et une DeLorean. classe ou pas classe Classe, évidemment. Et une fois de plus, sorcière qui fait, qui fait le qui, qui fait l'unanimité avec sa blague. Vous êtes merveilleux. Euh, alors, attends, je, je regarde un petit peu. Euh, on est combien dans le live Je sais pas. Je, je... 76 ouais, Encore un peu de monde. Formidable. Euh... Oui, je, je, je regarde comme ça. Et... Euh... J'aurais dû regarder autrement, outre part. Parce que là, c'est pas, pas très... Voilà. Hop, je vais mettre ça ici. Euh... Il m'a dit que beaucoup de spécialistes considèrent Bach comme le plus grand compositeur de tous les temps. Oui, oui, il nous l'a sorti aussi, Monsieur Anton était, était peut-être pas là, mais il m'a sorti la même connerie. Euh... Après, j'ai suivi la notice et les pièces ne sont pas interchangeables. Oui, oui, mais c'était juste l'idée de savoir s'il y avait des pièces de Lego dans d'autres boîtes euh, où tu aurais des versions qui seraient plus grises, bleues. Moi, c'est le souvenir que j'ai, quoi, gris bleu. Bleu, mais pas bleu, euh, pas bleu royal, hein, bleu euh, bleu sale, quoi. Euh, bon bref. En tout cas, il doute de rien, le gars est persuadé d'avoir raison de surtout tout le temps. C'est absolument incroyable. Euh... Euh, une fois, un collègue me fait exactement les symptômes de la paralysie du sommeil, et pour lui, c'était dû, alors que moi, c'était juste parce que j'étais bourré deux heures avant. <laughs> Marrant comme on interprète, oui, tu m'étonnes. Et Samuel qui me confirme, oui, c'est ça. C'est au moment où il suit dans l'Empire contre-attaque. Voilà. Hum. Euh... De toute façon, Jean-Sébastien Baquet-Classe, même aujourd'hui, il mériterait de revenir dans les bacs. Alors, autant j'ai une certaine tendresse pour certains jeux de mots, euh, les contrepétris, les. Euh... Mais euh, il y, y, y a un niveau, il y a un standard dans, dans, dans cette communauté, hein, parmi les gens qui, qui, qui assistent à mes lives. Donc, il m'arrive même de, de, de trouver que Sorcière, parfois, euh, n'est pas à son propre niveau, qui, qui en général est excellent, voire remarquable. La L Squal, je, je, je suis désolé, mais euh... non. Euh... Pardon. Hein. Mais euh... non, c je peux pas. Euh... Euh... Pichère était à moitié juif et pas pratiquant. Voilà. Euh, ah, sa mère était juive, donc il était juif. Ça passe par la maman, même si le papa il est pas. Tu, tu l'es. Faut savoir. On peut être à moitié juif si seulement si c'est papa qui est juif et maman ne l'est pas. Mais si maman est juive, tu l'es pleinement. <laughs> T'as pas le choix. Fischer était un pêcheur. Oh la vache! Ah non! Ah non! Ah non! 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 Génocidax! Enfin voyons! Non! Non! On sent, sent qu'il y a de la fatigue. Hein. On est presque à 23h. Là, on sent que ça, ça, ça commence à ramer. Hein. Euh, les animaux terribles qui dit défend une version immonde du protestantisme. Qui consiste à dire que les croyants qui sont du côté de Dieu ont le droit de tout et ils sont responsables de rien. Euh, il défend la soumission aux autorités en place qui sont là par la volonté de Dieu et autres immondices moraux. Comment il est aligné politiquement euh, Je ne suis pas sûr que le mot aligné puisse s'appliquer à Jean. Euh, Bobby Fischer, père juif. Ah, bah alors et il a rejoint la secte des adventistes du septième jour. Oh la vache. Comme quoi, hein, l'intelligence ne, ne protège pas. L'intelligence ne protège d'aucune croyance débile. C'est dramatique. Euh... Fischer n'était pas protestant, respirait les gens. Quoi Le père de Carrie Fischer était protestant Je ne verrai plus la princesse, Leia de la même manière. Ah oh, mon dieu. Bobby Fischer fit don d'un tiers de l'agent gagné à à l'église universelle du Dieu, World World Church of God, bien qu'il ne fût pas un membre de ce mouvement religieux car il avait refusé de baptiser. Il vécut dans un appartement loué à un prix modeste par ses communautés. Euh, sur Twitter, j'envoie le lien direct sur Discord. Merci, Kalnos. Euh, euh, sorcière, tu es merveilleuse. Aïe, je vais rougir. Et je suis sûr que tu ne penses plus être asiatique. Euh... Alors, Simon Louvel, ils ne doivent pas parler de la paralysie du sommeil. Moi, c'était des couleurs bah, de façon psychédélique et l'impression d'être dans un sarcophage. Un utilisateur anonyme a offert un abonnement de niveau 1 à Orette. Vraiment, alors, utilisateur anonyme, j'ai l'impression que c'est la même personne. Merci beaucoup, vous êtes, tr vous êtes très beau. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes très beau. Je vous aime beaucoup. Euh, merci aux donneurs anonymes, c'est vraiment hyper cool. Alors, ce que je comprends pas, c'est que j'ai lancé Streamlabs et euh, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a, a aucune animation qui, qui sort quand il y, y a des abonnements, etc. C'est très bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Mmh. Oula, Jean qui revient. Euh... Les Génocidax qui insistent, je ne savais pas qu'il avait été oublié, c'est bien qu'il ait fait un comeback. Attention. Attention, je suis patient, voire compréhensif. Une erreur, je, un, un petit manquement, je veux dire un enthousiasme un peu naïf, je, je peux le comprendre, voire le tolérer, voire l'excuser. Mais parce que errare manumest, hein seulement. Perseverare diabolicum. Attention, Génocidax. Attention. Pas, pas, pas poussé, hein, quand même. Euh, C'est la version Ultimate Star Wars Collection, le même que le gros Pocon Millennium. à propos de Bobby Fischer Phil 44 qui nous dit refuser de suivre les préceptes et interdits de l'église universelle qui trouvait ridicule, cependant il bénéficia de ses largesses un jet privé, une limousine avec chauffeur des invitations à des dîners et des billets de concert un ancien champion d'haltérophilie, membre du mouvement Wiki bon, j'ai pas compris, c'est pas grave euh, JS6 BAC, oral B2. Oh putain, arrêtez avec BAC, sérieux. Jean, l'église de Jean Robin compte deux membres, lui et sa femme. Son enfant ne pourra pas être trésorier de l'association avant 18 ans. Ensuite, il pourra faire le Ah mon dieu. Euh, bon, alors je vais essayer de descendre un petit peu parce que vous êtes tellement bavard, parce que j'ai encore repris du, j'ai encore repris du, du retard. Euh, Jean-Robin a partagé un article avec une liste des dix plus grands compositeurs. Bon. Euh, oui, alors je, je, je. Euh... J'aurais dû insister sur l'historicité de l'Ancien Testament. J'avoue je, je, que je pense que la prochaine fois, euh, c'est un, un truc sur lequel euh, on pourra en revenir avec Jean, à l'occasion. Euh. Chocolatine81. Quand on parlait des problèmes sexuels à cause des protestants aux USA, j'ai parlé du test Griffort. Qu'est-ce que c'est que le test Griffort, chocolatine Qui a fait le test Je l'ai pas fait. Je suis à 287, donc infâme, je crois. Euh, ah, je veux bien. Euh, ce serait sympa de. C'est quoi Test Griffort C'est quoi Test. fort, Test de pureté. Test Grifford 2. Purity. Oh la vache. Test de pureté. Les questions de ce test portent sur le thème de l'alcool, du sexe et de la drogue. Oserez-vous y répondre Protection anti-drogue Grifford. Oh la vache. Ça vous dit que je fasse ça Ces questions de ce test portent sur les thèmes de l'alcool, du sexe. Oserez-vous y répondre Version Michou Comment ça, version Michou C'est quoi ce bordel Attends, je comprends pas. Il faudrait peut-être que je fasse la, la version anglaise, non Sans penser. Clean blocker activé maintenant. Je m'en fous. michou. some questions don't condemn them about the topic of alco-sex and like please don't go back during the test and good luck. protection anti-drug, griffor. qu'est-ce que c'est que ce truc? qu'est-ce que c'est que ce truc d'où ça sort? c'est quoi, ce n'importe quoi? Euh, dites-moi un peu. J'ai mangé des nems et une soupe miso il y a deux semaines. Je pense que j'ai été transformé en agent du PCC pour subvertir l'Occident. Je, je bouffe. J'ai euh, trois mois de réserve de nouilles chinoises. Il me reste... Attends, les cartons de 60. Euh, donc il me reste 126 paquets de nouilles chinoises actuellement. J'ai fini le premier paquet de 60. Attends, c'est des paquets de. Attends. C'est des paquets de combien Je dis des bêtises. Non, j'en avais 180. Attends, trois fois. Attends, c'est 30 Non, c'était 90. Je dis des bêtises. J'en avais 90. Donc, il m'en reste. Euh... Euh, 58. 58. Euh... C'est marrant parce que parfois on sentait qu'il essayait de se dérober quand tes questions étaient percutantes, mais ça arrivait tout le temps en fait. Je, voilà. euh, des mini qui chevauchent des dragons, ça me rappelle des choses. Ok. Je, des protestantes, des Bon, je bosse moi, je tiens, je tiens pas un stand de crêpes. <laughs>

c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est. <laughs> euh, merci Calnos. Qui dit Mathieu Mulot vient de partager un article au sujet de IMG Trisomie 21. Hum. Euh, papapapa a un bout un ref à Camelot, tenir un stand de crêpes. Putain, c'est une, une ref à Camelot de tenir un stand de crêpes. Putain, je, pourtant, je, enfin, je me targue de connaître pas mal Camelot, mais là, je l'ai pas. Mmh. Euh, c'est un test de pureté. The Sun a aussi fait un poids culture sur les compositeurs Claude Baid n'était que troisième, Mozart était deuxième et Beethoven premier. Oui, bon. Euh... Je n'ai pas compris. En Général Bangolin qui dit je n'ai pas compris le concept de Trinité dans le concept de Nicée. J'ai juste retenu que jean robin était le dernier prophète de l'unique sur Terre qu'il avait été choisi. <laughs> euh... Euh... Fais la version classique, pas la version Michou. Allez, je fais ça et puis après euh, je vais manger. Hein, parce que bon, il est quand même 23h. Euh, putain, 23h03 déjà. Donc, purity test. Hum. Mais non, pas intervenant. Doc, est-ce que vous voyez Oui, vous voyez le purity test. Ça va pas rigoler, vous allez vous avez tout savoir sur, sur mes, sur mes perversions ça va être terrible. <coughs> Alors, voyons voir. <coughs> Classique purity test. On est parti. Have you ever laughed at someone's misfortune? Oui, oui, oui. oui. Have you ever laughed at somebody, someone with a mental or physical disability? Uh, attends. Have you ever laughed at somebody with, with a mental or physical disability? Non, je crois pas. Attends. Est-ce que la connerie, c'est une c'est un handicap mental Parce que si oui, alors oui, mais sinon, non. Non, honnêtement, je crois pas. Je, 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 je crois pas en souvenir. Je crois pas. Stood someone up. Euh, Qu'est-ce qu'il veut dire par là exactement Est-ce que vous avez déjà laissé euh, poser un lapin à quelqu'un Est-ce que vous avez déjà posé un lapin à quelqu'un Oui. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté, euh, contrôlé ou arrêté ou euh... arrested Arrested zéro. Oui. Avez-vous avez déjà été ivre Oui. Je... Non, pendant plus de 48 heures Non, parce que je enfin, en fait, je suis malade avant d'être vraiment ivre. Donc... <laughs> vous avez vous déjà tombé parce que vous étiez trop, trop, trop ivre Non. Et vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre Non. Avez-vous avez déjà participé à des jeux à boire Non. Avez-vous avez déjà bu assez pour vomir Deux bières. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre Non. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit Non. Avez-vous déjà participé à un barathon Tous les bars d'une ville Ah oui Non. Quel intérêt. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner Euh. Vivez-vous de l'alcool au moins. Ils ont une grosse obsession pour l'alcool, hein c'est curieux ça. Vivez-vous de l'alcool au moins trois fois par semaine bah... C'est pas toutes les semaines. Bah, des fois, j'ouvre une bouteille de vin, donc j'essaie de la finir. Mais comme je bois très très peu, elle me fait des jours et des jours. Là, j'ai ouvert une bouteille de blanc, ça fait cinq jours que je l'ai ouverte. Et je, je, je bois un petit peu de vin à chaque repas. J'ai beau vous dire les quantités. Donc, curieux cette question. Allez, je vais dire oui. Nombre de jours en plus des trois jours réguliers. Que... Mais c'est pas régulier en fait. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes Alors oui, mais c'est pas parce que j'étais bourré, c'est parce que j'étais malade et que j'étais tellement épuisé que par la gastro et par ma réaction aux produits de de contraste pour faire euh... ouais, j'ai bu du barium ou je sais pas trop quoi là et, euh, et je, je me suis vidé mais j'ai perdu 4 kilos c'est un truc de fou c'est une horreur mais vraiment une horreur quoi j'ai rarement été malade comme ça quoi j'ai été opéré de l'estomac et puis euh, il fallait faire une, une radio de contrôle et donc euh, bah, j'ai avalé le produit de contraste et euh, je sentais que j'étais pas bien hein. mais je suis rentré au boulot je suis resté euh, 4 ou 5 heures dans les dans les chiottes euh, à vomir et à et à me vider mais mais euh, à part à part euh, une grosse gastro que j'avais eu quand j'étais gamin j'ai rarement été malade comme ça c'était une, une horreur j'ai cru que j'allais crever vraiment donc oui avez-vous vous-même été oui bah, oui bien sûr parce que je ne pouvais pas bouger euh, dans un bar ou une boîte Non. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre Non. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public Oui. Avez-vous déjà uriné un endroit qui n'était pas prévu à cet usage Oui. Avez-vous déjà essayé de la drogue Oui. Indiquez le nombre de drogues essayées. Ouh là, il n'y a pas assez de. Bon, on va dire 5, hein Avez-vous déjà été défoncé pendant plus de 48 heures Non. Consommez-vous des drogues régulièrement Non. Avez-vous déjà acheté de la drogue Non. Toujours été offert. Avez-vous déjà vendu de la drogue Non. Avez-vous déjà été en bas trip Oh oui, presque à chaque fois. C'est justement pour ça que je que... enfin, j'ai jamais été accro. Ça, ça, ça s'est très souvent mal passé. Je... Donc, euh, c'est comme pour l'alcool, j'ai aucun intérêt d'acheter des trucs qui me rendent malade. <laughs> ah, je, je, je coûte pas cher. Hein. Moi, j'ai un verre de vin, c'est bon, je suis fait. Et puis, euh, deux taffes euh, d'un pet moyennement chargé de n'importe quoi, euh, c'est bon. <laughs> Hop euh, Avez-vous déj avez déjà initié quelqu'un aux drogues en général Non. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était drogué, spontanément handicapé Non. Avez-vous déjà soulevé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi Non. Avez-vous déjà eu un, un rendez-vous amoureux Eh oui. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un Oui. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme De qui Le mien ou le sien C'est mal libellé. En anglais, c'est peut-être. Have euh ben, you ever kissed touched someone to the orgasm? Je ne sais pas, est-ce qu'on est plus ou moins pur suivant qu'on fait jouir l'autre ou qu'on jouit soi? Du coup, c'est curieux. Bon, on va dire oui. Euh, oui. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Oui. Avez-vous déjà eu des relais? C'était vraiment pas bien. J'ai essayé deux fois, j'ai jamais pu consommer. J'ai gardé l'argent, il ne s'est rien passé. <laughs> C'était tellement désagréable dans, dans tout que tu de des sous. Hey, bon, bah alors, je suis dit, tu peux être gentil Je me, suis dit, oh, tu me fais perdre du temps. Je dit, bah oui, mais. Euh, je dit, et euh, bon, bah voilà, et donc ça c'est fini. Bon, bah laisse tomber. Tu me rends mon argent Mais va chier Bon, ok, au revoir madame. J'ai essayé deux fois. <laughs> tu, après, je me suis dit, non, vraiment, j'y arrive pas. Euh. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre l'argent Oui. Avez-vous déjà été impliqué dans une filiation au Oui. Jusqu'à l'orgasme euh, De qui <laughs> On oh, sait toujours pas de qui. <laughs> c'est pas. Bon. Oui. 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 Influence euh, sexuellement transmissible euh... ah, Est-ce que c'est. Non. Bah, alors, est-ce que, je demande au médecin, est-ce que le fait de choper des morpions euh, est considéré comme une IST Parce qu'en fait, ce n'est pas la personne directement qui m'a refilé les morpions, c'est le matelas sur lequel on était qui était infecté par une personne qui avait eu des morpions avant, et qui avait dormi sur ce matelas, et qui ne l'avait pas euh, stérilisé, ne l'avait pas traité. Donc, euh, bon, on va dire non. Parce que c'est le seul truc qui m'est arrivé. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser moyen de contraception Oui. Avez-vous déjà subi à l'origine d'un avortement Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps euh, Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de deux personnes dans la même semaine Deux personnes différentes dans la même semaine Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public Oui. Avez-vous déjà eu des pendures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe Oui. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraire à votre appartenance sexuelle Oui. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage Pas mmh. formellement en fait... Oui. Vous avez déjà endormi ou évanoui pendant l'acte la sexuel Alors, endormi, non. Évanoui, non plus, non. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un Et si oui, combien de personnes Officiellement, une. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop Oui. Avez-vous déjà eu des relation sexuelle avec quelqu'un de votre famille Non. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente Non. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite Pourquoi ils mettent les trois dans le même truc C'est bizarre. Non. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir Oui, mais contre ma volonté. <laughs> Combien de fois On va dire cinq de le compter. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir euh, Non. Avez-vous déjà eu des relations avec plus d'une personne de la même famille Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec, avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre euh... Bah oui, euh, et dans les deux cas en fait. Alors... Oui, mais je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'elle était engagée. Et oui, parce que moi, je croyais qu'on était ensemble alors qu'elle se baisait quelqu'un déjà à l'extérieur. Donc, euh, oui, dans les deux cas. Et dans les deux cas, je ne le savais pas. Euh, cette personne était-elle mariée Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une amie de votre partenaire officiel Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était deux fois plus vieux que vous Oui. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre de sexe Bah oui, oui. <laughs> bah oui. Vous êtes-vous déjà masturbé Bah oui. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant Oui aussi. Masturbation mutuelle. Oui. Avez-vous déjà putain il y a combien de questions Avez-vous déjà participé à une douche dorée, urinée oui. Avez-vous déjà fait un rêve érotique Oui. Enfin, les questions sont. Enfin, qu Il y a une dégradation très curieuse. Avez-vous déjà été voyeur-voyeuse Oui. Avez-vous déjà simulé l'orgasme euh... Non, j'ai eu une séparation. Un truc très rigolo. Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas. On peut jouir sans éjaculer on peut éjaculer sans jouir. J'ai vécu les deux choses. Donc, non, je n'ai jamais simulé l'orgasme. Avez-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe euh... Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner à Paris Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent entre deux cours dans la rue, le tout dans l'urgence sans préliminaire ou presque euh, Attends. Oh, un cookie, oui, oui c'est déjà arrivé. Ou... Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion mmh. Non, mais il <laughs> mais y avait espérance du côté de la personne qui m'a engagé. <laughs> Clairement. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public bah, Oui, parce que je, je, quand je vais à la place, je, je préfère les plages où on peut se mettre tout nu. Donc euh, voilà. Avez-vous déjà été infidèle Oui. Ça m'est arrivé une fois ma grande honte, mais euh, oui, effectivement. De plus par euh, stupidité. Enfin, par inconscience que vraiment euh, malignité, en fait. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le ou la partenaire d'une de vos. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant Allez, je vais dire oui. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel Les bonnes bonne, celle-là. Euh, oui. Vous avez déjà regardé la télé durant un acte sexuel Oui. Ce qui passe à la télé. Vous avez déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés Les hentai ne comptent pas. Non. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez euh, Oui. ça n'a pas besoin de quelque rapport avec le sexe. Êtes vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous Non. Vous êtes-vous non. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative euh, Oui. oui. Possédez-vous une Bible, un Coran oui. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives Oui. Avez-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement Oui. Allez-vous dans votre lieu de culte une fois par semaine Non. Allez-vous effectuer un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score Hein Alors... 216 points. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais pourquoi ce... Pourquoi est-ce que je me retrouve avec ça C'est quoi cette merde Prévision coronavirus. De... Chier. Alors, franchement impur. <laughs> je, pense que, je pense que si je pouvais boire, mon score serait nettement. Euh, euh, nettement supérieur. <laughs> je suis franchement impur. Alors, les scores vont de moins 40 à 503. 503, putain. Averages. Euh, la, le, la moyenne est à 111, donc je suis largement au-dessus de la moyenne. Sexe 75%. Rouge, drogue, 30%, alcool, 42%, hygiène, 50%. Comment ça, hygiène, 50% Il n'y a pas de question d'hygiène. Morale, 42%. Positives. Qu'est-ce que ça veut dire Je comprends rien. Bon, bah tu, voilà. Ok, donc euh, je voilà, je suis euh, officiellement impur. Voilà, je, bien. Bon, alors pas beaucoup d'alcool. Comment ça pas beaucoup d'hygiène Je comprends pas. Je, 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 je. Où étaient les, euh, les questions qui posaient la question de savoir combien de fois on se lavait les dents par jour, si on se lavait les mains chaque fois qu'on allait faire la cuisine si, euh, si on changeait de slip tous les jours, enfin, je ne je, je, je comprends pas. Je, 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 je... Rapport avec l'hygiène, c'est quoi C'est le fait d'avoir des rapports euh, bucaux ou anneaux enfin, C'est quoi le rapport Je ne sais pas. Vous avez une idée Vous savez C'est très bizarre. Euh, bon, je. Ah, dormir dans les toilettes. Bah oui, mais. Euh... Bah oui, mais quand t'es. Euh... Ah, la douche dorée, oui. Ouais. Euh... Monsieur Anton, j'ai eu 11, pur. <laughs> Ça va changer avec l'âge, t'inquiète. Euh... Cause de la golden... Ah ouais, la gonden Shower. Je devrais, ça doit coûter cher en hygiène. Avec ce, avec ce toit jaune à l'écran, vous êtes pouf <laughs> euh... <laughs> le, le sexe, ça pèse lourd. <laughs> Chocolatine, réponse Ça dépend de la taille. <laughs> euh... euh... Envisagez-vous un voyage aux US A priori, c'est rapé. Je. je... Je, 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 ne, vraiment, j'ai pas envie d'aller dans, dans, dans ce pays. Plus ça va, plus, plus, il me fait horreur pour plein de choses, socialement, moralement, philosophiquement. Enfin, je non, vraiment, je, non, je alors, vraiment, les États-Unis, ça, pas rêver du tout, quoi. Euh, clairement. Et. Euh... 81% des avortements de la trisomie 21 sont réalisés avant la 21e semaine d'aménorée. Euh, donc 6 mois, quoi. Euh, et euh, alors, il y a, au tout début d'Internet, j'étais sur la no-flight list. Euh, je pouvais pas aller aux États-Unis parce que euh, quand j'ai appris euh, l'existence des grandes oreilles américaines, je, 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 je m'évertuais systématiquement à mettre des, 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 des mots clés qui occupaient une ligne de. <coughs> bah, la golden shower, ouais, ça va du moment que c'est pas avec telle chaleur hein, tu mets. <laughs> Euh, c'est beau, tu as du jaune et du bleu. Je crois que pour moi de mémoire, tout était rouge ou noir. La vache. Euh, Simon Louvel, j'ai seulement 5, je vais le refaire, j'ai dû me louper. J'ai eu 43 points au test. Jean Robin. Qui est pur. Euh, jaune et bleu, c'est un soutien à l'Ukraine, c'est sûr, ouais, tu m'étonnes ah la vache Bon. Euh... Bon, ben voilà. Euh... J'ai épousé le papa de mon premier. Ça s'est passé bien mieux avec le second. <laughs> Alors, je se réveille très tard. Ah. Il y a eu encore des des des, des subs. Je j'ai pas les j'ai pas les alertes, hein, donc je suis désolé. Euh, un utilisateur anonyme a offert un abonnement à Sorcière, mais. Vous êtes incroyables tous. C'est vraiment, vraiment. Euh, je ne sais pas qui vous êtes, un, euh, Anonyme Giver, mais euh, vraiment, <laughs> vous n'êtes pas tant, quoi. Je, je suis absolument persuadé que c'est la même personne. Euh, je, vraiment, ça me touche beaucoup, beaucoup. Le euh... faire euh... en anglais, c'est chaud, il a intérêt à bien parler la langue. C'est les nerfs, 4 heures de Jean-Robin, rendez-vous compte, j'ai dû me avec un extracteur. <laughs> T'avais les oreilles qui saignaient de la fumée. <laughs> Bah ben moi j'ai jamais participé à des jeux à boire. Je... Ça n'a aucun intérêt parce que moi tu... enfin, je bois une fois, je suis bourré. Enfin, je... Je... Vous avez bien vu ce que je prends. Enfin, bon, moi je prends des quantités d'alcool absolument ridicules et euh, bon voilà quoi. Euh... Il y a une version chti, ah bon euh... Ok. Mmh. Mmh. Les meilleurs plans sont à la frontière espagnole. Juste un aérotier qui me l'a dit. Je dis ça, je dis rien. Ah. Les morpions, c'est pas une maladie. Faut voir. Le SM, c'est cool. Oui, 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 Une vraie séance SM, euh, dans, dans les deux rôles d'ailleurs. Je pense que ce, ce, ce sera intéressant, mais bon, c'est pas compliqué. C'est très indiscret ce genre de test. Bah c'est le principe. Ah, sinon, c'est pas drôle. Criti, ah, faites-moi feuille de rose, prenez pitié en mon aveu. C'est une langue que je veux, c'est mon cul, c'est mon cul que je vous propose. Très bien. Je vais tout savoir pour des notes. Il y a des tas de trucs qui n'ont pas été couverts, c'est le cas de le dire. Je... Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est dû à Très bien. Mmh. Euh... Euh, pop, 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 pop. Euh, voilà, bon. Euh, bon, bah, oui, je vais vous laisser. Je vais, je vais, je vais manger mon reste de. Mon reste de. De, de fausse quiche Lorraine, hein, puisque je me suis fait engueuler par Samuel, qui a dit que je devais finir au bûcher pour avoir euh, rajouté cer certains ingrédients secrets. Qui ne sont plus secrets. Oh, putain, je suis tout rouge. Je suis explosé. Ah. Euh, on y est combien Dites-moi combien on est encore. J'ai attiré du monde avec mes révélations scabreuses. J'arrive pas à voir. On est 993 followers, mais j'arrive pas à voir euh, combien on est. J'arrive pas à voir le chiffre. Je sais pas pourquoi. 63, encore Oh la vache De 50 en 76, je baisais, tout simplement. Ouais. Ah, bon. Euh... Ok, bon. Il y en a 6 qui sont partis. Ah, d'accord, bon. Parce que j'ai dit au revoir, voilà. Euh, sinon, on était 69, évidemment. Bon, sur ce les amis, merci beaucoup. On est remonté à C'est le bordel. Les animaux TIB offrent un, un, un abonnement, c'est adorable. Euh, c'est vraiment très gentil. Euh... Ça fait 6 heures, Ça fait six heures. Euh... Ah oui, c'est 6, 6, 7-13. Putain Ah ouais, ouais. Ouais, quand même, 6 heures. Bon. Voilà. Bah, mercredi, ce sera qu'une heure. Ce sera pas en live, ce sera pas en direct. Écoutez, j'ai passé un très bon moment avec vous. C'était 6 heures, c'est incroyable. Ça passe super vite en fait. Quand on est un peu concentré. Euh, voilà. Bah, écoutez, je vous fais des, 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 des bisous. Je, veux, je vous dis au revoir. Je vous souhaite toutes plein de bonnes choses pour la fin de ce week-end. Euh, prenez soin de vous et profitez de la vie parce que jusqu'à preuve du contraire, vous tous, vous comme moi, on n'en a qu'une. Gros bisous.